continues as another civilian vessel has been ambushed just moments after leaving a station in the orbit of I'm saying we can't live like this Merrill under constant fear of outlaws killing our families and snatching up our kids oh my and the proud citizens that make a bunch of fighters we know that unfortunately violence is all these freaks understand. Frontier fighters, be sure the perpetrators of these attacks are from the pilots. pirates. Please, now Who else could be capable of this heinous, primitive behavior? And yes, our group is trying to make sure these recent attacks don't lead to unfair profiling of our dangers in the next system over. When piracy gets really bad, extremist groups always rush to blame Pyro, calling to shut down the jump point. Let us not paint the people of an entire system with too broad a brush. Et bonjour à toutes et bonjour. à tous, et bienvenue sur les chaînes Twitch et YouTube de pulsar 42 ainsi que sur la chaîne Twitch de QNS. Est-ce que ça a été activé oui, chez toi ça. Très bien. Et donc bah, bienvenue pour cette FAQ numéro 135, ou FAQ, ou oui. comme les 134 précédentes, et bien, nous répondons ou essayons tout du moins, euh, de répondre à vos questions que vous auriez sur euh, Star Citizen, voilà, sur ce qu'on bref, ce projet qui nous en fait voir des vertes et des pas mûres, avec ses hauts et ses bas, ses dramas, ses... ses, ses voilà, comment dire, ses, 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 ses features, sa beauté et en même temps ses bugs, euh, voilà, qui nous accompagnent depuis tant d'années. Voilà, donc 135ème effet que donc pour répondre à vos questions sur ce projet de jeu. Euh, pour m'accompagner... Euh, en tout cas, en ce début d'émission, peut-être qu'on aura d'autres personnes qui nous rejoindront. Euh, je suis accompagné donc de Kyonesse, ici présente. Comment vas-tu, Kyonesse bonjour, bonjour, ça va, merci. Très bien. Alors, est-ce que l'on t'entend bien J'espère, c'est oui. mieux. Euh, ouais, ça devrait le faire. Dites-nous sur le chat hein, si, euh, si l'équilibre le, si le, entre ma voix et la sienne euh, est bon pour vous. Sont nickel, apparemment, d'après Jean-Jacques. -Jean pour point, coucou d'ailleurs. Au passage, donc euh, ok. Euh, donc, euh, oui, alors, <laughs> oui, euh, donc pour Stalker, euh, oui, malheureusement, euh, nous avons dû le virer. Non, je plaisante. Euh, non, non, c'est juste qu'il <laughs> est euh, un peu occupé. IRL, euh, voilà cette, sa, sa, sa vie professionnelle, etc. Voilà, c'est donc il a besoin de, de consacrer un peu plus de temps à ça. Ce qui fait que pour exceptionnellement, pour cette fois, euh, donc j'ai un peu j'ai pris le relais euh, pour euh, présenter euh, cette FAQ. Euh, donc euh, voilà ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait surtout que c'est la première fois que je le fais avec ce nouvel Averlay. Donc euh, voilà on verra bien si, si tout se déroule bien. C'est comme on dit euh, Inch'Allah Donc euh, ça, devrait ça devrait bien se passer ça devrait bien se passer normalement. Euh, voilà. Et donc, pour en ce qui concerne les questions, donc si bien évidemment vous en avez, euh, eh bien je ne vais pas faire le discours habituel pour la seule bonne raison que eh le bot ne marche pas. <laughs> voilà, on vient de le constater il y a à peine quelques minutes, euh, ce qui fait que donc voilà j'en ai, ai notifié The Salmon en espérant qu'il euh, qu'il réponde le plus rapidement possible. Mais euh, donc voilà donc si vous avez des questions, merci de les garder au chaud euh, sur un petit bloc-notes, sur un petit fichier texte sur votre PC, euh, voilà le temps que ce, ce problème soit résolu. Et euh, aussi, qu'est-ce que je veux dire d'autre Ah, je suis un peu rouillé. Euh... <laughs> Et puis voilà, c'est à peu près tout. Sachant que oui, euh, par rapport aux questions, sachant que nous avons une belle liste euh, de questions qui nous restent à répondre d'il y a deux semaines. Voilà, qui n'ont pas été répondues vu que la, 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 il y a deux semaines, lors de la dernière FAQ, vous avez été assez, comment dire... Euh... Euh, comment dire, euh, assez actif au niveau des questions. Et euh, clairement, nous n'en avons pas. Euh, nous avons. Nous, avons, nous, nous, en sommes, oh, pardon, nous sommes loin d'en avoir terminé. Voilà. C'est bon, j'ai pu formuler ma phrase. Euh, on va pas trop euh, tarder avant de répondre aux premières questions. Euh, mais sinon, euh, bah, que n'est-ce par rapport à, à Star Citizen euh, qu Est-ce qu'il est qu y a eu quelque chose de. De nouveau, enfin, ou quelque chose que, que tu souhaiterais relever par rapport aux deux semaines qui se sont passées bah Là, on a eu quand même beaucoup d'avancées, surtout avec la, bah la PTU 4.0 ouverte vers Wave 1, du coup. Exactement, oui. Donc euh, ça, fait, ça fait une grande avancée et ça montre vraiment, je pense, que la 4.0 sera vraiment là, ouverte pour tout le monde en fin d'année. Ça laisse bah... le temps de... Ouverte pour tout le monde, soit en PTU, soit, soit en live. Oui, on soit en PTU, soit en live, n'importe hein, hein, Mais ouverte à ça. tous. Euh, ouais, euh, mm. Voilà. Même si, euh, donc, ben, cette euh, vague une pour le moment, euh, comme je on l'a dit sur les réseaux sociaux, la jouabilité est très compliquée euh, pour le moment. Euh, beaucoup de soucis, surtout au niveau de la connexion. Euh, même aussi quand on arrive à se connecter, euh, les serveurs qui, disons, font font pas mal des siennes, on va dire. Donc une, bonne BTU voilà vraiment euh, qui se respecte euh, vraiment avec euh, sa, sa jouabilité euh, très 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 difficile donc, euh, donc voilà donc il va falloir attendre un tout petit peu avant que ça se tasse et que bien ça se simplement ben, ça, ça, ça s'améliore pour euh, avec les prochaines avec les prochains patchs donc euh, ouais ouais donc mine de rien euh, après on pourra toujours discuter de est-ce que ce n'était pas trop tôt est ce qu'ils auraient pas dû euh, attendre encore un petit peu plus, quelques pages de plus avant de lancer en vague une bon, quoi qu'il en soit de toute façon hein, le PTU c'est fait pour bah, tester vraiment donc euh, bah, si ça casse bah, dans un sens c'est bien, on a rempli notre rôle maintenant c'est au dev de, de décortiquer toutes les données et de corriger ce qui doit être euh, corrigé pour la, la, prochaine, la prochaine mise à jour voilà, En tous voilà. les cas la, la PTU elle est uniquement faite pour aller euh, pour tester les serveurs un maximum pour tester toutes les perfos maximum et euh là après ça va juste gest juste euh, eux de faire de quelque chose après Exactement. nous on va faire les bugs ils sont juste réparer ils réparer c'est ça et on l'espère après que bon bah ça se ça s'améliore enfin, voilà, que... Que et que bon bah quand la 4.0 sort live espérons dans un mois avant les vacances et eh bien que que ouais, ça soit un minimum jouable voilà c'est un vœu un peu pieux hein, je l'admets mais voilà <laughs> Ça fera un beau cadeau de Noël on va dire. Exactement, en espérant <laughs> qu'il ne soit pas trop empoisonné. Euh... <laughs> ouais, <'était> pas mal. <laughs> ouais, ouais. Mais bref, ouais, oui, c'est vrai, la, la 4.0 qui est passée en vague 1. Les nouveaux vaisseaux aussi du... de l'IAE qui ont été, enfin en tout cas une bonne partie, je suis né la quasi-totalité, euh, qui a été rendu euh, euh, jouable pour, euh, pour euh, les Evo, mais également voilà si vous alliez... Euh... Euh, emprunter les vaisseaux durant, dans les salles d'expo dans la 324-3. Vous eh pouviez déjà essayer donc, le Starland Saint max la version médicale du Thérapin euh, et l'Intrépide. Et d'ailleurs, j'en viens à l'Intrépide. Je ne sais pas si tu as vu un tout petit peu quelques images de ce vaisseau euh... Non, absolument pas. D'accord. C'est une totale découverte. Ah, bah, disons que c'est pas une forme qu'on voit très souvent. On va dire ça comme ça. Okay. Qui euh... Beaucoup de personnes le détestent. Certaines personnes l'adorent, euh, mais disons que voilà, c'est comme on dit les goûts et les couleurs. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très conventionnel. Euh, D'accord. Voilà. C'est quelle marque euh, Crusader. Crusader. Crusader okay. ouais. Je vais euh, ça. Yes. Et euh, bah attendez, en plus, et <laughs> ce sera peut-être l'occasion, si c'est possible. Est-ce que ça va marcher non, euh, Voilà. Ah, oui, je l'ai vu, je l'ai vu, c'est si, si. Il est très spécial, hein Oui, il est assez spécial. Bah, il est un petit peu uniforme, hein. du moins hein, de, de l'avant. C'est ça. Euh, mmh. Voyons, alors, attendez. C'est... Ouais, ouais, effectivement, il y en a un sur mon chat qui n'aime pas trop l'entrée <laughs> <Donc>, Ouais. Ouais, <laughs> ouais c'est... Disons qu'il ouais. fait débat. Est attendez, est-ce que ça, comme ça, j'y arrive Hey, hey, magnifique! Voilà, je crois que c'est la première fois qu'on l'utilise. Voilà, donc c'est. Euh, vous voyez donc nos petites caméras qui sont sur le côté et le navigateur qui est affiché en grand. Donc. Euh, L'intrépide et la réincarnation de Guillaume Batz. Oh, oh quand même! <laughs> euh, alors, non, ma peur, elle... enfin, le vaisseau en tant que tel n'a pas grandi, mais l'arme, l'unique arme. L qui est sur le côté, donc juste à côté du cockpit, hein, comme vous pouvez le voir ici. Euh, donc, euh, son arme a augmenté d'une taille. Donc, en taille 4 maintenant, sachant qu'il était en taille 3. Euh, J'ai peut-être un screenshot à vous montrer de, justement de, de l'Intrépide avec la taille 4. Pour que vous ayez un petit peu... Euh, bah, quelle gueule ça a euh, C'est celle-là. Voilà. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, on a l'impression que voilà une arme de taille 4 limite à s'intègre mieux. Euh, je sais pas si tu vois Kioness euh, sur l'overlay. Oui, je vois. Ça... Peut-être que ça s'intègre un peu mieux. Il y a une meilleure continuité euh, par rapport au fuselage euh, là où. Euh... Euh... Ah non, pas ça. Il y, y a quelque chose en vrai. Il y, y, un... y a ce style à lui quoi. C'est bien, je trouve, d'avoir des vaisseaux qui changent de la norme parce qu'on a souvent l'habitude de voir la même chose et tout. Voilà, il a, il a son style à lui, mais ouais. euh, beaucoup n'y adhèrent pas. Voilà. Ouais. <laughs> Donc, euh, Moi, je trouve euh... que c'est bien de changer un petit peu. Après, c'est pas un vaisseau que j'irai forcément acheter euh, en plaid du quoi que ce soit, mais euh, c'est cool d'avoir quelque chose qui change. Ouais, en effet, ouais. Euh, par contre, il y a euh, un truc qui, je pense, a été pas mal apprécié. Euh, 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 comment, euh, comment dire euh, Qui était pas mal apprécié. Voilà, par, par, en tout cas un peu plus que l'extérieur, c'est l'intérieur. Euh, alors je n'ai pas d'image sous le coup de, 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 de l'intérieur, mais disons que voilà, l'intérieur, c'est un. Est L'espace enfin, à l'intérieur est, est plutôt bien occupé. Euh, donc euh, c'est. Euh, voilà, l'intérieur est plutôt pas mal euh, de, de ce que j'en ai vu. Donc, euh, donc ouais. Le souci, c'est qu'il ne colle pas au style Crusader. Ouais. Bah, si tu veux, en fait, il y, y, y a une sorte de ligne qui est cassée. En fait, Alors on voit, euh, je ne sais pas si tu vois un petit peu en tête les C1, les Hercules, les Mercury. Enfin, c'est surtout, mm. on peut te comparer surtout aux Mercury ou aux C1. Ouais. C'est que... rond. On va dire. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Assez, ouais, assez rond. Euh, pas vraiment rond. En fait, euh, je pense que. Je pense que le côté anguleux, un tout petit peu à la Crusader, je pense, qu'il est plutôt bien respecté, même si bon, le Mercury oui, est un peu plus bizarre. fat et le C un peu plus slim. Euh, là où l'intrépide, par contre, dénote, c'est que son cockpit n'est pas du tout dans l'axe central en fait du vaisseau. Oui. Quand on voit euh, par rapport donc au fuselage à l'arrière, donc qui est assez équilibré, hein, dire avec les ailettes sur le milieu, etc., il y a une certaine symétrie. À l'avant, par contre, la cinémétrie est complètement cassée, euh, ouais, ouais. où le, le, le cockpit est déporté sur la gauche euh, et euh, l'arme sur l'autre côté. Euh, même le Ares, par exemple, qui est un petit peu la même, euh, le même type, c'est-à-dire voilà, un vaisseau avec une grosse arme, euh, lui, par, lui aussi par contre, le, par exemple, le cockpit est centré et l'arme qui est juste sur le côté, mais pas loin. Quoi. Euh, là, il y a un grand espace entre le cockpit et l'arme, euh, ça casse un peu la ligne, clairement, par rapport à au vaisseau crusader auquel on a l'habitude. Mais... Euh, voilà. Comme on dit, les goûts et les couleurs. <laughs> voilà. Il trouvera son public, mais il y a de très fortes chances que ça ne soit pas... Autant oui, qu'un... Pas autant qu'un... Oui, alors après, c'est pas, <laughs> pas dans la même catégorie. Mais par contre, le, non, euh, mais voilà, on peut le comparer en termes de capacité cargo, etc., à un Avenger. Mmh. Voilà. c'est, Il a son style à lui, l'intrépide, mais en termes de. Pas sûr qu'il détrône ou qu'il concurrence euh, en quoi que ce soit euh, l'Avenger qui, euh, qui est un petit peu dans cette même catégorie, je pense, de starter mmh. premium. Donc. Euh, ouais. Il a l'air d'être un petit peu plus gros que l'Avenger, non Oui, il est plus large. Un petit peu quand même, euh, ouais. ouais. Euh, il est plutôt... Euh, de ce que j'ai compris, il a une... Euh, il a une très bonne accélération. Il va assez vite, jusqu'à ouais. 1220 mètres seconde. Alors, euh, sa vitesse max... Ouais, ouais, Sa vitesse max est encore en dessous de celle du Titan, de l'Avenger Titan. Mais euh, voilà, c'est une... une bonne accélération. Et, euh, et puis euh, voilà. Mais bon, après, c'est clairement pas un vaisseau qui est vraiment très polyvalent, si je puis dire, dans le, dans le combat, surtout, surtout avec sa toute petite arme de taille 4. Euh, c'est clair que ce ne sera pas euh, un vaisseau qui survivra très longtemps dans un champ de bataille. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais euh, alors, attends, est-ce que j'ai. Ok. Alors j'ai reçu un MP d'Inso-sama, mais the Simon ne me répond toujours pas. D'accord. Que. Euh... <laughs> Inso nous rejoint du coup euh, Peut-être plus tard. Voilà. Ok. Voilà. Mais euh, donc euh, oui, c'est bah, ce vaisseau qui est assez, euh, qui est assez. Euh... Ouais, il n'est pas destiné à faire du combat. C'est ça. Et clivant, comme le dit euh, Angel. Euh, sinon oui on a eu les autres vaisseaux donc le Starland Saint Max bon, on l'a déjà vu avec euh, la, à la sitcom, etc donc euh, voilà c'est un vaisseau qui, euh, qui a fait son apparition euh, pas trop mal apparemment euh, voilà n'ai euh, pas vu trop trop de drama particulier avec ce vaisseau de ce que j'en ai vu euh, et aussi ouais et aussi la variante médicale du Thérapin, euh, donc qui a été euh qui a été présenté donc euh, avec euh, la 324 3 euh, le thérapin, est ce que j'ai un euh, voilà qui ah. est okay, celui-ci donc euh, un thérapin bien rouge euh, donc voilà qui sacrifie son son assiette radar si je puis dire sur le, sur le toit par des par des gyrophares euh, donc euh, voilà, c'est euh, un vaisseau qui a donc un lit médical de tiers 2. C'est bien donc, ça, euh, c'est pas mal, ouais, ouais, c'est pas mal. Mmh. Mais c'est un lit unique. Euh, il n'a pas de lit pour le pilote, donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas se déconnecter sur le dans ce vaisseau. Euh, au tout début, il n'y avait pas de strapontin ni rien, donc c'était vraiment juste un, un vaisseau pour. Tout seul quoi euh, mais depuis euh, je crois qu'avec la dernière mise à jour ils ont rajouté un strapontin euh, sur un côté du du médic et donc euh, il euh, il a été euh, implémenté après les feedbacks des joueurs donc euh, donc voilà ah, là. Avoir un tiers de en moins bah, c'est vrai qu'on avait, euh, bah, avait les gros quoi, le 890 mm. Oui, mais là, il a pas l'air d'être enfin, il est un peu plus gros qu'en PS6 quand même, il a fait au moins 2-3 fois sa ah. taille de ce que je vois quand même. Ah. Oui, oui, clairement. C'est oui, petit... à peu près la taille du cutlass là, non À peu mmh... près. Peut-être un peu moins. Un, peu... Voir... Ouais, un, un petit peu moins, j'arrive pas à voir la taille. Hein. Je sais pas si t'as déjà vu le, le terrapin de base, déjà euh... dans le jeu. Non, je crois pas. De... Est... Je crois pas en jeu, non. Ouais, il n'est pas très, il n'est pas très utilisé. Enfin, il son rôle en tant que ouais. tel n'est pas très, euh, n'est pas très implémenté. Donc euh, oui. Il y, a, il y a beaucoup de vaisseaux qui sont pas mal obéis, On voit souvent les mêmes et les autres un petit peu plus rares euh, ou qui ont moins leur utilité justement. Euh, c'est clair. En les moments. Mais euh... mais voilà. Donc euh, c'est une une variante médicale. Euh, voilà donc qui bah, sera a priori plus blindée qu'un Pisces, mais qui perd Enfin, euh, je crois que non, même le Pacific n'a pas de lit euh, pour se déconnecter, je crois non plus. Voilà, non, le on n'en a pas. Donc euh, voilà, le Cutlass Raid Red euh, à côté qui a donc les, les deux lits pour euh, l'équipage. Mm -hmm. euh, voilà, ça a, cette, ça a cette utilité. Mais euh, donc, euh... donc ouais, voilà, un vaisseau qui euh, euh, j'ai vu aussi par contre des personnes qui euh, regrettent que justement il n'y ait pas de lit pour se déconnecter. Euh, et aussi euh, bah, le manque de strampantins mais bon ça, ça a été adressé euh, donc euh, ouais voilà En va se enfin, a... ajouté comme le, le vaisseau il a, il a tout son temps d'être gold dans tous les cas donc... bah, le vaisseau est gold justement il hey, est euh... gold de ce que j'en ai Enfin, en tout cas, euh, le, les, les composants ont été, sont bien là. Fin, ils sont, sont présents, mmh. physicalisés, tout ça. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait le gold standard. Ils ont fait un passage sur le, le, le thérapeute de base aussi, euh, maintenant. Euh, donc, euh, ils, sont, ils ont profité de, de cette nouvelle variante pour aussi travailler sur la, la variante basique. Mais, euh, donc, euh, donc, ouais. C'est un, euh, c'est un, oui, c'est un lit qui permet de respawn, mais après une mort. Mmh. Oui, voilà. 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 Mais pas pour euh, se déconnecter et se reco. C'est euh, ouais. pas ça. Donc euh, bon, voilà. Donc vous avez sensé bien, c'est-à-dire que le Cotalas Red, par exemple, euh, qui est plus grand, mais qui n'a que deux lits tiers 3 bah, il a encore son utilité parce que lui, c'est un, c'est une. Euh, euh, C'est un vaisseau qui a deux lits de tire 3 et en plus deux lits pour se déco et se Donc, bon, voilà. Chacun ses faiblesses, chacun, chacun ses forces. Mais. Euh... Alors, Y, qu qu'est-ce Tu parles de quatre lits de déco, mais je pense pas que les lits médicaux, on peut se déconnecter dessus. Non, je ne crois pas qu'on puisse se connecter. Hein. On peut pas dormir dessus, hein, je crois. Non, non, juste qu'on peut se poser de... on peut s'asseoir, s'allonger. Quand tu t'allonges, tu récupères ta vie. Tu ça. te. Bah, tu te... Bref, tu te il, mais tu peux pas te déconnecter ensuite. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais. Euh, je crois que oui. Le starter de RSI, oui, le Polaris, oui, oui. <laughs> Un joli starter. oui. <laughs> euh, mais ouais, c'est. Euh... Après le Polaris, bon, je ne sais pas si on faut vraiment revenir dessus. Euh, voilà, il est sorti. Enfin, en tout cas, sur le PTU. Je... Ça fait tellement longtemps qu'on en parle du Polaris que maintenant qu'il est sorti je sais pas trop quoi dire. <laughs> ah ouais, c'est un vaisseau qui a fait beaucoup entendre parler de lui. C'est ça, par son absence. Donc, euh... Et maintenant qu'il est là, bon bah... On entend quand même beaucoup parler. Il y a une grosse hype au début, mais j'ai l'impression que ça a un peu passé. Hein. Ouais, c'est... Bah après, je pense que c'est pas, pas un vaisseau que enfin il y a beaucoup de personnes qui l'ont mais voilà c'est pas ce vaisseau aussi ah, un vaisseau qu'on qu va sortir euh... quand même tous les jours tout le temps et puis c'est un vaisseau qui est comme assez loin à Claim aussi donc tu peux pas sortir à n'importe quelle occasion quoi yes alors the salmon qui m'a envoyé à MP pour me dire qu'a priori c'est bon mais je teste en ce moment et ça n'a pas l'air de marcher donc je vais envoyer un petit nouveau MP Hop là ah, oui c'est vrai oui uh, YS oui c'est vrai qui qu me le rappelle j'avais complètement oublié le Cutlass Red il a euh, il a quatre lits en fait pour ce déco en fait aussi En plus des deux lits médicaux C'est vrai c'est vrai comment je sais pas lequel Le Cutlass Red oui, le la thread, il a deux lits médicaux et deux lits pour se déconnecter. Et apparemment, il y avait aussi deux lits en plus pour se déconnecter. Donc on non, a non. les. Il y a quatre lits en tout. Non, non, il y a six lits. Enfin, deux il lits médicaux 6... et quatre lits pour se déco a priori. Quatre lits pour se déconnecter, ah ouais. Euh, Alors je donc... sais qu'il y en a deux qui sont derrière, euh... enfin, ça. Qui sont juste à côté de la tourelle, à gauche de la tourelle. Tu regardes de... la tourelle. Mais après, de... mais... si je me trompe pas, ouais, de ouais, l'autre côté de la cloison. Ah peut-être, ce serait à vérifier. Euh, ouais, c'est là où normalement. Et en face il des lits a... médicaux C'est ça, en face des médicaux. Euh, oui, oui, maintenant que, maintenant que tu le dis, YS, ouais, c'est ça. oui c'est ouais, oh, ouais. vrai que de l'autre côté de la il y a aussi deux autres, deux autres lits. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ça tiendrait son compte du coup pour les deux pilotes et euh, les deux médecins euh, imaginons. C'est ça, c'est ça. logique quoi. Ouais. Exactement. Donc il serait peut-être plus euh... Je dirais pas endurant mais disons que voilà, qui permettent peut-être d'être de, dans des endroits peut-être plus reculés parce que bon bah justement on ouais. peut se... Là où le terrapin, bon, il est blindé, un lit de tiers 2, mais par contre il peut pas, on peut pas trop se balader au fin fond de l'univers. Ouais après euh... on pourrait. Ouais, c'est ça le truc. C'est que du coup, le... il y a des avantages et des avantages quoi. Ouais. C'est vrai que le cutlass, c'est quand même beaucoup plus gros, mais au final, on peut que traiter des, des tiers 3, donc peut-être que ça changera à l'avenir, je sais pas trop. Mais euh, Donc le terrain il perdrait son utilité donc faut voir. Oui. Alors oula. Euh, je viens d'entendre un... Je viens de voir un truc. Attends, attends. Oh, Cyclone qui a lancé un raid je Pourquoi je l'ai complètement raté Ah bah merci Cyclone, cela fait plus de deux minutes que... que tu as fait le raid. Complètement, complètement zappé, je sais pas pourquoi, il y a... les alarmes marchent pas. Euh, bah, merci <laughs> merci pour euh, merci pour ton raid cyclone euh, et bah écoutez bah, bienvenue donc aux 29 spectateurs qui sont venus avec ce raid euh, voilà donc euh, voilà faites comme chez vous voilà nous, je suis avec euh, qness qui retransmet également sur sa chaîne twitch l'émission voilà euh, nous avons pas Bonjour. encore commencé voilà <laughs> tu connais cyclone ou pas ça me dit quelque chose de non je crois ouais Ouais. Oui, donc ça dit quelque chose yes euh, donc euh, cyclone voilà qui est euh, euh, youtuber euh... alors je sais pas si cyclone tu as commencé avec youtube ou avec twitch je m'en souviens plus mais euh, voilà il fut un temps où cyclone était très euh, très actif au sein de la création vidéo euh, de, de star citizen euh, je vais voilà et je crois d'ailleurs que récemment tu as republié oui c'est bien ça un guide de débutant par rapport ah à la 3242. Donc euh, voilà, je te partage cette chaîne YouTube. Voilà, oui, c'est ça. Cyclone euh, oui. qui. <laughs> J'avais un éluveur, justement qui l'a dit. Euh, ça fait longtemps qu'il a pas posté, vendu, de revenir. Il me manque. Message <laughs> <laughs> <sièges> de <laughs> de la canne, ma communauté. <laughs> Exactement. Euh, sachant que voilà jusqu'à voilà, jusqu'à euh, euh, jusqu récemment aussi, Cyclone faisait très régulièrement des résumés des rapports mensuels de développement de, de Star Citizen. Donc voilà une bonne synthèse pour, pour que ça soit digeste possible en, en moins de 10 minutes, si je puis dire, des, des principales infos à retenir. Donc, euh, donc ouais, euh, c'est ouais, ouais, un, cré, un créateur qui, qui fut très prolifique fut un temps, bon qui s'est un petit peu calmé euh, ces, ces derniers mois. Mais, euh, mais ouais, ça, ça fait cool de te revoir. Oui, c'est vrai qu'en plus, tu as repris le stream aussi, Cyclone, récemment aussi. Il y a quelques jours à peine en plus, je crois. Donc, euh, donc ouais quoi fait, c'est cool et ben, merci pour le, merci pour le raid. Euh, par contre, je sais pas, euh, tu as envoyé une sorte de demande de participation via Twitch. Je viens de le voir avant que ça ne s'éteigne sur mon tableau de bord, mais je sais pas en quoi ça consiste. Donc, je euh... crois euh, que c'est marqué que comme moi que les deux personnes stream ensemble. Enfin, puis il va avoir ton logo et le logo de l'autre personne pour pouvoir cliquer sur les ah, deux personnes c'était de apparemment un miss apparemment. Donc, euh, très bien il <laughs> n'y a pas de souci euh, donc euh... donc ouais euh... avant de commencer à répondre aux questions est-ce que tu as quelque chose quest que tu souhaiterais euh... non du tout bon pas spécialement ouais coco quincy et merci pour euh... <laughs> ton intervention extrêmement pertinente <laughs> ah là 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 alors, eh bien, on va commencer à répondre aux questions. Donc, comme je l'ai dit, nous avons une belle liste euh, de déjà d'il y a deux semaines à comment dire à euh, à répondre. Donc voilà, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est bizarre. Hein. <laughs> et donc à, à répondre. Et donc, eh bien, on va commencer sans plus tarder. Première question donc. Je crois que j'ai déjà préparé. Voilà, question de Harfang Celt. Alors, des idées de quand sortira le radar FPS C'est une bonne question. <laughs> donc, ouais, le, le radar FPS, bon, bah, l'équivalent euh, en première personne, bien évidemment, du, du radar que l'on voit avec. Euh, euh, que l'on utilise dans les vaisseaux, qui a été montré à la sitcom 2023. Difficile à dire. Euh, c'est, euh, je ne sais pas trop quand ça va sortir. Bah, a priori, bon, la 4.0, faut pas, faut pas espérer quoi que ce soit là, de, par rapport à ça. Bon, peut-être dans une mise à jour euh, subséquente, genre 4.1, 4.2, mais euh, c'est difficile d'y répondre pour le coup, vraiment. <laughs> J'ai pas du tout d'infos non plus, donc dirais aussi euh, compliqué. Ouais. Donc... Euh... Voilà. <laughs> on verra bien avec euh, quand, euh, quand les équipes de CIJ seront euh, revenues euh, des vacances euh, de Nouvel An, etc. Et qu'ils se seront réinstallés. Euh, et auront repris un certain rythme euh, durant le mois de janvier, euh, des fin janvier début février. Lorsque l'on aura a priori la première mise à jour de la roadmap de l'année, peut-être que ils vont nous annoncer euh, la 4.1 et hop, radar FPS inclus. Mmh. Hein. C'est à la 4.1 tu penses bah, En fait, je, je n'ai pas de, enfin, je sais qu'il y a des choses qui... sur lesquelles ils travaillent pas mal tout ce qui concerne le radar et même sur les radars de ouais. vaisseaux à l'heure actuelle mais dans l'absolu je ne sais pas trop en fait à quel qu'est-ce qu'ils ont besoin encore de faire pour pour la su... pour pour que le radar FPS soit prêt pour pour les joueurs donc euh... c'est un peu difficile de se situer ouais. de où ils en sont quel quel ils, bloquant en parlent, ils ont c'est ça quelle dépendance euh, etc enfin c'est encore un... c'est un peu flou de ce côté depuis quelques temps à part quelques mmh. phrases dans les rapports mensuels, mais c'est difficile de... de se projeter. Clairement, c'est des... difficile de mmh. se projeter. Euh... Donc ouais, c'est. Excusez-moi, je suis en train de, de me balader dans l'eau que j'apprivoise à peine, donc c'était juste pour. Ouais, c'est ça... Attends, je vais juste faire un test. de Un test d'alerte stream pour voir si ça marche. Je vais aller sur le stream last pour essayer de, de voir ça. On va juste faire un test. Si l'animation marche ou pas. Euh, donc... D'accord. Là, ça marche. Je refais un test. Ah, mais c'est pour ça. Ah, mais c'est juste que la source n'était pas dans cet overlay. Hein dans cette scène. C'est tout con. Mais elle ah, je... a bien compliqué votre overlay quand même. Euh, hop là. Et bien, voilà, ça marche. Bon, c'est bon. Donc c'est bon. Là, les alertes, ils devraient être actifs dans cet overlay. Voilà. Oui, là, ça a l'air d'être ok. Ouais. Yes, nickel. Bon. Parfait. Parfait. Bon, désolé pour ce petit contretemps. Euh, donc, euh, et sinon par rapport à cette question, bah, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus. Oui. Oui. Bon. Eh bien, euh, celle-ci, c'est coché. Euh, je prépare la question suivante pour l'Overlay. Et hop là. Et bam, question suivante. Donc, de Fenrir Sama, ça a coupé, donc hop là. Savez-vous quand les missions de transport de VIP et d'autres personnes seront implémentées encore une question. Euh, quand... Alors là, on... <laughs> je sais. on en a pas forcément entendu parler, mais moi je pense qu'il ferait un. Pour moi, je pense qu'il ferait un patch avec euh, tous les nouveaux gameplays qui pourraient arriver. Fin, non, certains nouveaux gameplay. Genre par exemple, il pourrait sortir l'ingénieur plus un autre gameplay en même temps, euh, plus j'espère une update sur un gameplay médic Je pense qu'il ferait un, un, un regroupement d'un gameplay, fin d'un patch spécialement de. Mais après là, c'est des missions. Qui mmh. des nouveaux des nouvelles missions, des nouveaux gameplays, je pense Je ne sais pas. Euh... Moi, je pense qu'ils feraient ça. Ouais. Sachant que CIG sont très. Euh, comment dire Quand ils implémentent des choses, sont très dans, dans l'itératif, si je puis dire, plus que ouais. de faire tout venir d'un gros bloc. Euh... Si je me trompe pas, dans les boucles de gameplay qui ont été présentées durant la... le panel de la 1.0, je crois que le transport de passagers ou slash VIP, je crois qu'elle était présente, je crois, non Si je me trompe. Elle faisait partie euh, des boucles de gameplay, je sais les... Pas et dans, les... Aussi... dans les fameux schémas. C'est dans le social, hein. ouais. Ah, attends. Non, il n'y a pas ça, a rien à voir, c'est pas dans le social. Non, c'est pas dans le social, mais c'est dans, dans le... Dans le social, euh, dans, vraiment dans le panel de la 1.0, je vais tout de suite la rechercher. Ouais, mais du coup, là 1.0, ça, ça revient le fait que ce sera quand même une très grosse mage donc... C'est ça, mais après, bon, ce n'est pas exclu que ça revienne avant. Un petit peu le... avant d'avoir un début, de... Ouais. C'est ça. Euh, je suis en train de voir, voilà, 1.0... Ouais. Ouais. Les taxis ou les choses comme ça. Désolé pour le son. Alors... Euh... Je suis sur la vidéo YouTube, donc euh... voilà... On a donc euh... ouais c'était je crois que c'est dans la guilde de transport interstellaire euh, là c'est pas ah. ça c'est le conseil ça c'est la guilde de mercenaires ça c'est l'académie des sciences euh... ça c'est le sport interstellaire voilà ici. Passenger Delivery, livraison de passagers. Ça fait un peu bizarre, livraison de passagers, mais bon, pourquoi pas. Euh, mais, euh, voilà, ça ne mentionne pas les VIP, mais bon, je suppose que ça fait partie du truc. Euh, donc, euh, à voir. Donc, c'est mentionné, mentionné dans le panel de la 1.0. Donc, euh, si tant est qu'ils font bien toutes les boucles qui ont été montrées, qui ont été euh, d'ici la 1.0, euh, bah, a priori, donc ce Passenger Delivery, euh, la livraison de passagers, euh, sera donc bien, fera donc bien partie du, des gameplay euh, à disposition pour euh, pour la 1.0. Euh, après la question du camp. <laughs> Ben écoute, Si quelqu'un a la réponse et surtout la bonne réponse, eh c'est un, un voyant. <laughs> voilà. Il a des dons de voyance. On peut pas... Euh, parce que là, pour le coup, mmh. on n'a absolument aucun, euh, aucune info concrète, euh, que ce soit dans les rapports mensuels dans les émissions, euh, d'un quelconque début de travail euh, de la part de CIG, de la part des devs. Donc euh, je pense que. Euh, on verra s'ils vont commencer à y bosser à partir de cette année, mais. Il y a encore, il hein, y a encore bien d'autres gameplays à développer aussi, donc bon, c'est pas. Bon. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Si je devais spéculer, je dirais quand même que ça ne viendrait pas avant un certain moment. Euh, avant la 1.0, mais bien après d'autres gameplays, je pense, à mon avis. Euh, c'est, Je peux me tromper, hein, mais. Mais ouais. Euh. Est-ce que. Voilà. Je sais pas si as quelque chose à rajouter, est-ce par rapport à ça. Hein. Non. Bah, moi, comme je dis, je pense que ça viendrait avec une, soit une grosse mise à jour euh... où il y aurait plein de nouvelles missions avec des nouveaux gameplays ajoutés en même temps. Mmh, ouais. Wait and see, comme on dit. <laughs> Donc, euh, nous verrons mmh. bien, ouais. Moi, je pense que c'est mieux, ouais. <laughs> bon, au ouais. bon, pour la rencontre zéro, ce sera au moins là pour. Euh pour ce moment là après avant à a priori voilà c'est a priori ça, ça sera ça sera là donc mm. euh... Donc, euh, donc ouais <laughs> Bob Astrophysique qui dit les passagers en caisse de 1 et oui c'est ça oui c'est euh, ce sera le, le, la première réitération du gameplay c'est on les stocke dans des containers les passagers <laughs> ça, ça peut être un gameplay en soi hein, c'est <laughs> mais Ouais. Euh... Oui, le bacon, c'est le, comme je dit un petit peu tout à l'heure, euh, enfin, entre guillemets, taxi, c'est un petit peu. Euh, c'est le début ouais. qui commence à être là, quoi. Mais... C'est ça. Euh... Je suis entendu. Sachant qu'en plus, euh, oui, j'y je, je, pensais. Sachant qu'en plus, on a les. Euh... Dans la section de recherche et secours de l'Académie des sciences, on a aussi le, le gameplay de secourir des personnes. Aussi, qui, qui a été mentionné dans la dans les gameplays de l'1.0. Donc euh, ça a un petit peu une sorte de transport aussi. Transport de PNJ en tout cas. Même si c'est un peu particulier. Euh, ça peut être aussi une. Ça peut être aussi une. Une. Comment dire une bonne occasion de travailler d'abord sur ces gameplays de recherche et secours pour, euh, voilà, pour travailler sur un début de transport de passagers, même si c'est plus avec euh, des ambulances qu'avec des E1 ou des, des Starliners. Mais ça pourrait être un début. Ça reste à voir. Euh, alors, je vais faire un nouveau test par rapport au bot. Est-ce que le bot marche ou pas Ah ah Le bot marche Merci de sa mode. Donc euh, voilà, donc maintenant voilà, toutes les questions. Vous pouvez y aller maintenant, ça devrait marcher. Ah ben, Si ça veut bien, parce que Matisla vient de le faire et ça ne veut pas le faire. D'autant plus que. Attendez. Bah, D'autant plus que en fait il n'arrive pas sur notre Discord. Ah, les questions de Bob Fanon, c'est bon. Oula, c'est bizarre ça. Euh... Ok, bon bah, un nouveau petit MP. Alors le bot répond, sauf que bah, les questions ne sont pas reversées sur le canal Discord. <laughs> voilà, voilà, on y arrive, hein, on y arrive. Mais les questions n'arrivent pas dans bot. Euh, dans Bot Voilà donc, euh, donc voilà Re retenez encore les questions pendant quelques minutes <laughs> et euh, voilà on va attendre que je vais attendre que The Salmon euh, me réponde par rapport à ça ça marche pas pour les vraies questions, mais de toute façon là, aucune des questions. En fait, le bot répond que la question a bien été enregistrée, sauf que sur le canal vocal, ben, il va pas enfin, le, le canal Discord, pardon, Aïe. les questions n'apparaissent pas. Donc il euh, y, un... y a un petit, il quoi entre le, le bot et le, et le Discord. Donc euh, voilà, mais The Salmon sera sur le coup, à mon avis. Normal, quelqu'un a fait n'importe quoi avec les permissions dans le channel Discord, donc il n'y a plus d'accès, ça le fait planter. Oh ah, putain c'est de ma faute en plus. Ah mais oui, c'est parce que oui, j'avais changé les, les permissions pour que les invités comme Cuness ou Verven puissent voir les questions. Et il oui. y, euh, y a eu peut-être un couac avec ça. Euh... Donc euh, bon Bon, bah, c'est de ma faute. Voilà. <laughs> si vous ne pouvez, répa... si pouvez pas poser vos questions, c'est de ma faute. J'en assume la pleine responsabilité. Euh... Euh... Bon, je pense que The Simon devrait avoir les accès pour pouvoir changer les notifs. Donc, euh... voilà. Donc, euh, voilà. Toutes les personnes, voilà, donc comme Bonfano, etc. Voilà, retenez encore un peu quelques, quelques temps les questions. Euh... Je pense qu'on peut passer à la question suivante. Ouais. Ouais. Et donc ben c'est parti. Je crois que je l'ai. Voilà. Question de Hatoub. Croyez-vous à la sortie des systèmes de Squadron 42 après la release du jeu Moi, je pense que c'est possible. Bah, c'est possible, mais en fait, ça dépend à quel point les systèmes dans Squadron 42 sont complets. En fait, euh, il y a un système dont on est sûr qu'il y a beaucoup de points d'intérêt euh, et des endroits où il y aura du gameplay, etc. C'est le système Odin. C'est le principal système dans lequel on va y être après euh, toutes les missions d'introduction, prologue, etc. qu'on a vu avec la bataille de Vega le reste, des, euh, le reste des, des, des lieux des maps euh, c'est soit donc des trucs extrêmement restreints, euh, des, des mini maps si je puis dire euh, comme par exemple là, qui sont utilisés pour des chapitres précis ou des cinématiques précises euh, sur euh, voilà que ce soit la bataille de vega comme on l'a vu euh, voilà qui sont vraiment des, des qui ne sont pas vraiment une, la map principale et le, le, le système euh, voilà, concerné n'est pas aussi développé que le système Odin, par exemple. Donc euh, c'est... Euh, donc euh, peut-être que Odin, ça pourrait euh, fonctionner en, pour que ça arrive assez rapidement. Entre guillemets. Euh, il faut... Je vais juste vérifier un truc, c'est que Odin. Est-ce qu'il était lié à lire ou à Nix directement Il faut que je regarde ça. Non, il est lié à Nix. Donc en fait, oui. Euh, quand la 1.0 sera là, euh, Odin, il n'y a que un système. Enfin. Odin ne sera qu'un point de saut euh, de, du système Nix. Donc euh, en soi, ça pourrait être implémenté assez rapidement, mais. La question aussi est de savoir. Euh, quel est le à, quel... dire? Quel... à quelle quantité de travail il faut pour que ça soit, entre guillemets, converti à Star Citizen, pour que ça soit rendu euh, voilà, euh, compatible avec le multi, euh, en termes de level design aussi, peut-être que aussi en termes de, de lieux il y a peut-être des choses qui auront changé euh, avec Squadron 42. Donc euh... voilà, je ne sais pas en fait euh, si Odin va arriver, entre guillemets, euh, tout de suite après, quoi. Je... Encore bah, difficile ça, à dire. Ça, ça, ça pourrait, mais... Enfin, euh, si c'est si direct à la sortie de Squadron 42, je pense pas. Mais un petit peu après, au moins pour remettre le... Parce que c'est pas les mêmes systèmes qu'on connaîtra dans Squadron 42 et dans le Verse, nous. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils le remettent à niveau une fois que Squadron 42 est sorti. Et ça sortira pour nous ensuite en dans live ouais. dans l'année où, où on joue. Ouais, c'est ça. Euh, enfin, c'est difficile de se projeter parce que c'est. On ne sait pas à quel point le système même, le système Odin, à quel point il a avancé. Est-ce qu'il y a toutes les planètes, ou il y en a que quelques-uns? Euh, voilà C'est difficile de... Ouais. de se projeter là-dessus aussi. Enfin, donc, euh, donc ouais. Pas évident de ces questions quand même, hein, parce que ça nous demande quand même des. Pour le coup, là, on a très très peu d'infos sur bonnes là. Ouais, 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 ça, ça nous challenge. Hein. Mais euh, c'est. Ouais. Je peux. Je sais pas trop quoi dire de plus <laughs> par rapport à ça. Ouais. Euh, moi non plus. C'est ça. Euh. Malon qui dit peut-être qu'on pourra aller sur Odin, sauf que ça lancera Squadron. Ouais, j'ai un doute là-dessus. Je, je pense que Squadron sera, sera un soft à part et qu'il n'y aura pas de. Il y a, ça, ça. Ce qu'on connaîtra de Squadron sera vraiment différent de, de nous IG en tout cas dans tous les cas. Même si je pense qu'il y aurait des, des ressemblances, mais en général les, les systèmes ne seront pas pareils. Hein. Des points communs, on va dire ça comme ça. Mais ouais, euh... ça. C'est ça. Euh, Cynic qui dit attends quoi, à mon avis ce serait très intéressant commercialement pour CIG et ça tire peu de temps après la sortie de Squadron mais Squadron 48 tout viendra en 2026 alors que SC je ne le vois arriver qu'en 2027 2028 c'est euh... c'est difficile à dire je, je, je mmh. pense que dans l'intérêt de CIG c'est vrai que s'ils arrivent à sortir la, la 1.0 de Star Citizen assez entre guillemets rapidement tant que la hype de Squadron 42 est intacte. Voilà, ce qui permettrait de le lancer en bonnet du forme. Ça peut être une bonne stratégie, mais encore une fois, tout dépend de à quel point en fait, la, la vitesse de développement en fait, après la 4.0 et les serve-machines. Parce que actuellement, on en est vraiment aux dernières étapes de cette attente de plusieurs années de la 4.0 et d'un deuxième mmh. système, en plus de Stanton. On commence à en voir le bout, mais il y a encore du boulot. Sachant que même avec 4.0, le server machine ne va pas s'arrêter là en termes de développement. Hein. Il y a encore de, des trucs à faire. Euh, ne serait-ce que corriger euh, tous les problèmes qui, qui, seront, qui se manifesteront. Donc, euh, ça va être... Euh, donc, euh, voilà, c'est... Peut-être que CIG nous donnera plus d'infos, plus, euh, plus concrètes, au fur et à mesure que l'on avancera dans l'année 2025. Et cela nous donnera peut-être une meilleure idée euh, de à quel point euh, ils pourront sortir la 1.0. Euh, Est-ce que mmh. c'est euh, tout de suite après Squadron ou c'est 5 ans après Squadron C'est encore très euh, compliqué. Donc, euh... bah, déjà, une fois que Squadron sera sorti, il y aura... ça sera vraiment allégé parce que la team, les équipes qui sont sur Squadron, elles pourront déjà toutes migrer vers euh, bah, nous, euh, Star Citizen, euh, le, le MMO, quoi. Donc euh, les, le développement pourra aller quand même déjà beaucoup plus vite. Et après, bah. il faudra juste réussir à débloquer le serveur machine, Et une fois que c'est fait, ça sera débloqué pour le reste. Hein, on pourra avancer beaucoup plus vite. Hein. Oui, euh, dans, dans un certain point, je suis d'accord. Après... Euh, je... Il y, y a eu un coup d'accélération, euh, bon y a eu, on, a eu un dé, on a eu ce débat-là, c'était mm -hmm. il y a deux semaines en plus je crois, euh, ou il y a trois semaines, euh, par rapport à ce coup d'accélération euh, qui a quand même eu lieu euh, l'année dernière, quand même, fin de, durant toute cette année 2024, euh, du fait que Squadron 42 était feature complete. Bon, ça n'empêche pas que des devs qui sont, ont été finalement reversés sur Star Citizen reviennent sur Squadron pendant quelques temps. Parce que il faut débugger un truc ou il faut rework un truc ou je sais pas quoi avec le polissage. Mais après, est-ce que vraiment. Enfin, à quel point en fait les devs sont occupés par Squadron encore aujourd'hui C'est. Oui, c'est ça. C'est ça qui est difficile est ça, en fait. C'est ça qui est difficile à, à quantifier pour le moment. Euh... Je veux dire. Euh... Donc, à quel point le fait que. Quand Squadron Fortito sera vraiment finish, c'est-à-dire polish et prête pour euh, la sortie euh, commerciale, à quel point ça va libérer euh, ce qu'ils appellent eux de la bande passante euh, pour, euh, pour, pour le, le studio Je ne pense ouais, pas que ça, soit... ça libérera autant de ressources, je pense, que ce qu'on pense. Il euh, y a déjà eu une certaine libération cette année, mais je ne pense pas que la fin du développement de Squadron va va enfin, ouais. rajouter, je sais pas, 200 personnes qui vont tout d'un coup être reversées sur Star Citizen, je ne pense pas. Ouais, tu penses Non, je, 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 je ne pense pas. Sachant qu'en plus, okay. il y a peut-être aussi, parmi les développeurs qui sont toujours sur Squadron, etc., peut-être que pour eux, ça peut être une bonne occasion aussi pour se barrer. Oui, pas... ouais, c'est sûr. Oui, non, bien sûr, je vois. C'est pas impossible, euh... sachant que, dans un sens, voilà, ils ont contribué et ils ont travaillé sur un jeu qui est officiellement fini, qui mmh. est sorti commercialement, et pas un jeu en c'est ça pas un jour alpha/bêta, c'est pour euh, pour leur CV, c'est un, un bon truc. Et si en plus le jeu marche bien et que je sais pas, espérons-le, il est acclamé par la critique, par les joueurs mmh. et que c'est le Baldur's Gate de la science-fiction, j'en sais rien, on peut rêver. Eh ouais. <laughs> bien euh... euh, c'est pour les développeurs, ça peut être une bonne occasion pour dire voilà, c'est fini. Alors certes le jeu est acclamé, mais moi j'en ai ma claque de chez CIG. Je me barre, j'ai une belle ligne sur mon CV, j'ai été, euh, je sais pas, euh, propre artiste ou je sais pas quoi chez Squadron, sur Squadron 42. C'est bon, euh, je peux euh, aller chercher un emploi mieux payé euh, et avec cette ligne de, sur le CV, eh bien, je, suis, je serai un peu plus demandé, j'aurai un peu plus de valeur dans le marché du travail. Oui, c'est sûr. Vu comme ça, vu, vu comme ça oui, c'est sûr aussi. Voilà, donc. Euh... Euh, alors, je ne sais pas à quel point cet exode post-sortie de Squadron sera, sera conséquent ou pas, mais c'est pas impossible aussi qu'il y ait une bonne partie aussi qui, qui, qui se barre, soit parce que le contrat avec CIG est terminé, ou soit c'est les développeurs qui disent euh, « Non, je, je préfère bouger ailleurs. » C'est pas impossible aussi. Donc, euh... Alors, oui, Dr. Vic, oui, Squadron 42, jusqu'à nouvel ordre, est toujours prévu pour être une trilogie. La problématique, c'est que, ben, euh, entre le premier et le deuxième épisode de cette trilogie, si c'est toujours d'actualité, ce n'est pas exclu qu'il y ait un, un renouvellement du, du staff. Euh, en grande partie chez les développeurs juniors ou les assurances qualité. Euh, peut-être que c'est les seniors, peut-être qu'il euh, y aura peut-être une, une certaine rétention. Peut-être que les, les ressources humaines de CIG vont vouloir un tout petit peu essayer de les garder parce que c'est eux qui délivrent, la, qui ont le plus d'expérience et voilà, qui peuvent. Ouais, ouais. Euh, qui ont une, une, vie, une vue plus, plus globale, holistique du développement de Squadron et qui peut être utilisé pour la suite. Mais euh, on, je, je pense que. Un milestone comme ça qui est la sortie d'un jeu surtout d'un jeu qui a pris beaucoup d'années de développement euh, c'est une bonne occasion pour certains de, de se barrer voilà parce que voilà j'ai passé du bon temps mais maintenant je veux changer d'air euh, voilà c'est pas forcément qu'une question d'argent aussi hein, c'est juste changer d'air aussi c'est ouais, sûr aussi travailler pendant des années des années dans le même studio etc euh, sur un même jeu ou presque peut-être qu'on travaille on travaille sur star' dans en même temps mais enfin bref Peut-être qu'on a envie de voir autre chose, peut-être qu'on a envie de, de travailler dans d'autres studios, je sais pas, peut-être plus indé euh, ou peut-être plus mainstream comme un, je sais pas, un euh, euh, Electronic Arts ou un Ubisoft ou un, ou un Blizzard, quoi, j'en sais rien. Donc, euh, c'est... Et euh, on est en train de parler de départ, mais nous avons une arrivée en la personne d'Inso, coucou Inso Hello tout le monde! Bonjour! Oh, t'es très bas toi, je vais te remonter un petit peu ton son. Ah, C'est possible aussi que mon microphone était légèrement décalé. Je viens de le ah. remettre devant ma bouche, ça va peut-être un petit peu améliorer les non, choses. Faut que je le remonte maintenant, dans tous les cas. Voilà, dites-nous dites aussi sur le chat hein, si euh, l'équilibre avec euh, INSO est bon pour vous, avec, avec Kunis et moi. Alors, est-ce que tu t'es. Non, tu t'es pas encore mis dans le VDO Ninja. Ça arrive. Yes, ça On marche. Je suis en train de me connecter là. Ça marche, je prépare le terrain. Euh, je sais pas si tu as un petit peu suivi la conversation par rapport à cette histoire D'une de... vague de départ de chez CIG une fois le milestone de la sortie de Squadron achevé on va dire. Bah, c'est évident de toute façon, il n'y a même pas besoin de. Même sans ça, de toute façon, il y a une rotation tous les 3 ans à peu près. Enfin, la plupart des... Sauf à des postes de très haute responsabilité, euh... développeur traditionnel, tu restes entre 2 et 5 ans maximum sur ton poste. Généralement, au bout de trois ans, hein, tu as tourné quoi. Et effectivement, tu l'as très bien dit, euh, euh, trouver une excuse entre guillemets. Enfin, il y, y a des éléments extérieurs qui peuvent faciliter la prise de décision. Et euh, bah, typiquement, ouais, euh, le jeu il est fini, bah, c'est un peu la bonne occasion. Tu as trois ans, deux ans ou quatre ans d'expérience professionnelle et ton jeu il vient d'être livré. Euh... Bah, c'est la bonne occasion de renvoyer ton CV, d'aller voir ailleurs. Puis en plus, euh, du coup, tu as une réussite à mettre dans ton CV pour te faire embaucher ailleurs. Euh, voilà, c'est. Euh... Et, et ça n'a rien d'anormal, en fait. Hein. C'est. Enfin, c'est partout pareil, quoi. Mm. Donc. Euh... Yes. Voilà. Très bien. Est-ce que. Et... Non, tu toujours pas sur VD Ouais, je Pro... sais pas pourquoi. Euh, J'ai la vidéo qui apparaît pas. Ah, ta caméra n'est pas détectée et... Ah ça y est, je sais pourquoi. Voilà, c'est bon. Et donc là, ça devrait marcher. Hop, c'est bon, je, je, je viens d'arriver. Yes, tu viens d'apparaître, parfait. Hop là. Est-ce que ça marche Oui, ça marche, magnifico. Euh, je fais un test également sur l'autre overlay pour voir ce que ça donne. Et ça marche aussi, Inso apparaît bien. Nickel, ça marche. Parfait. Bon. C'est magnifique. Eh bien, je pense que l'on va passer à la question suivante. Je crois que je l'ai déjà intégrée. Donc, euh, on peut y aller. Euh, là, je prépare le timer aussi. Donc, eh bien, c'est parti pour la question suivante. Ah Je vois de l'activité dans le bot émission. Ça veut dire que ça a été rétabli Euh... il y avait un bug de oui en fait c'est de ma faute c'est j'avais foutu en l'air les permissions lorsque j'avais euh, changé euh, bah, les permissions de, du canal bot émission il euh, mm. y a deux semaines d'accord parce que je voulais que qu'on bah d'ailleurs tu tu vois le canal ou pas euh, bah moi je fais de tête du coup parce que je garde la, la question qui est, euh, qui est affichée lorsque D'accord. Parce que c'est mis sur le stream, donc ça. ça c'est pareil. Alors euh, ouais, euh, c'est pas l'occasion d'en parler. Après, Il n'y a pas un problème de mise de couleur aussi là quand on valide, ça reste jaune. Ouais, ça. Je, The Salmon est au courant que c'est bugué de toute façon. Okay. Il va falloir qu'il réécrive le, le truc. Donc. Euh... Euh, non, mais ok. Pas de souci. Donc ça. Euh... Je me demander si c'était que moi ou si euh, ok. Très yes. ah, bien. Voilà, donc euh, allez-y. Voilà, toutes les questions que vous avez, que vous gardiez dans votre bloc-notes, euh, fichier texte, ou ça. Allez-y maintenant. Euh, le bot est actif. Les voilà, là c'est. Je sens la grosse vague, alors que là en plus, on n'en a pas fini avec les questions d'il y a deux semaines. Oh my god. On a est... Est... On... Niveau backlog, c'est CIG avec les vaisseaux. Alors... T'as vu Audi J'ai résisté à la tentation de faire ma blague de merde. Ta blague de... Bah t'as dit oh my god et je n'ai pas réagi. Oh Non oh, bravo. J'ai pris euh... sur moi. Euh... <laughs> Attends. Voilà. <laughs> pas mal, pas mal. Donc... Euh, donc question suivante sans plus tarder donc euh... question donc de buzz bizarre quand sortira la mise à jour des vêtements bon je suppose qu'a priori il voulait parler de starware que l'on avait oui. vu euh, euh, à la Sitcon 2024 et pas ben, bonne question <rire> <rire> et généralement quand on dit bonne question c'est qu'on n'a pas la réponse <laughs> voilà je Alors, je pense que et puis ça dépend aussi ce qu'on met dedans quoi parce qu'il y, y, y a des éléments euh... ça dépend enfin... si c'est des vêtements non enfin pas normaux un civil ou si c'est des underfuit ou si c'est quoi que ça là mmh. désolé mmh. bah après euh... mmh. oh désolé c'est à quel point la tech est avancée c'est c'est ça en fait aussi qui est qui qui est... que l'on ne sait pas trop en fait c'est ils nous ont montré des bah, ouais. slides hum. ils nous ont montré des trucs qui marchaient dans le moteur, mais est-ce que toutes les, tous les vêtements, toutes les armures sont mm. compatibles avec cette technologie Parce qu'ils nous ont montré quelques exemples, mais ce n'est qu'un échantillon. Donc, en euh... plus, euh, là, pour la CitizenCon, ce qu'on a vu, c'est la partie un peu plus orientée militaire des vêtements, mais sachant qu'en fait, il y a le même pendant côté civil, très certainement, qu'on n'a pas forcément vu. Et euh, ouais, c'est pas. Un... C'est ça. Bon, oh, après, s'ils nous l'ont montré. On peut dire que euh, c'est dans les cartons, voilà. Donc ça, ça sortira pas dans dix ans. Non, c'est sûr. Ouais. Voilà. Ça fait... <laughs> vous faites ce que vous voulez de cette info, mais <laughs> normalement, euh, voilà, alors peut-être pas le prochain mois, mais peut-être un an, quoi, ou un an et demi. Ouais, c'est, euh... c'est, ça reste à voir. Mais bon, en tout cas. Euh dans les 12 mois, d'ici décembre 2025, il y a des chances que... Ouais, ce serait pas choses... improbable en réalité. Ouais. Oui, totalement. Je... Enfin, Ils nous l'ont présenté, ils bossent dessus. Euh... Honnêtement, même si là, on nous l'a présenté euh, comme étant une nouveauté, en réalité, il euh, n'y a pas grand-chose de vraiment nouveau par rapport à... En fait, c'est juste, on nous a présenté factuellement ce qui était très concept dans les années 2017, 2018, 2019, quand ils en avaient un peu parlé. Donc clairement, euh, ils ont peut-être déjà commencé depuis un moment, ou du moins, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait que je dise. C'est les briques techno qu'ils ont développées précédemment. Euh, ah et du coup, ouais. t'as plus ta caméra. Ouais. Ah, est... oui. Je je... De voir ah ça. oui, je sais, je crois qu'elle est là. Là, on voit un magnifique logo Gato. <laughs> ah oui, batterie épuisée. Ah, une... Attendez deux secondes. Il n'y a pas de souci. Elle revient. Ouais, et du coup, euh... enfin, ce que je pense, c'est qu'en fait, euh, ils savaient très bien vers où ils voulaient aller. Et du coup, quand ils ont développé des armures, etc., ça a déjà été plus ou moins développé dans le but d'aller dans cette direction. Et du coup, je pense pas que ça soit une difficulté monstrueuse de sortir ça. Euh... De sortir ça voilà. Après, bah, où est-ce qu'ils en sont exactement C'est difficile à dire. Donc, euh... Mais oui, j'ai je... annoncé plus d'un an parce que... parce que je veux surtout pas être trop gagnant. Mais honnêtement, c'est tout à fait possible que ça sorte dans quelques mois. Pas... Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Euh... Ce qui est sûr, c'est que ça sortira avant la release. Sinon, ils nous l'auraient pas présenté. Ouais, voilà. C'est ça qui est un peu... Ah, c'est bon. Une essai revenue ouais, bah voilà, revenu. <laughs> c'est bon, c'est le temps en 2%. Euh, et les revenus d'entre les morts. Bref, donc, mm -hmm. non, le... par rapport à Star Wars, c'est. Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, c'est ça. C'est que cette année, ils ont pris le parti de ne donner quasiment aucune date sur tout ce qu'ils nous ont présenté. À part quelques détails avec Chris Roberts qui parlait de décembre pour, enfin, pour la fin d'année pour la 4.0, etc. Mais. Mais c'est vrai que voilà, que ça soit Genesis, que ça soit Star Wars, que ça soit Star Architect, ou les trucs de, de Spectrum, etc., c'est beaucoup plus difficile à se projeter que, que l'année passée. Ou bon, bah eux, là, voilà, cette année, euh, en 2023, ils étaient, voilà, c'était dans les 12 mois, euh, on fait en sorte pour qu'il y ait tout ça. Voilà. Et ils n'ont pas trop, trop mal tenu, il hein. y a quelques manquants, et il y aura des manquants, euh, du coup, voilà. il y en reste encore un mois et demi, mais euh, c'est sûr et 100% qui ne feront mmh. pas tout, mais euh, ils ont bien tenu quand même, hein, ouais. globalement. Enfin, moi, vrai, un... pour ouais, même... Ouais. Ils tiennent plutôt bien ce qu'ils disent par rapport à ce qui s'est passé, enfin ce qui a pu être dit avant, qu'ils n'ont pas tenu. Ou... Ouais, il y a ouais. quand même... Euh, pff, la, la, ah, il y, y, y a des la, manques, Il hein. y a le... des manques, ça oui, je suis d'accord. L'ingénieur même... euh... enfin, qui a été, ouais, qui a ça été ça, retiré, ouais. Ça, ça a fait mal quand même. Hein mais ouais. euh... enfin... peut-être que ça a été retiré aussi, parce que, bah, tu vois... Bah, enfin, moi, c'est comme ça que je t'interprète. Euh, alors, il y a les bugs, mais il y a aussi... Euh, c'est une feature qui est euh, interconnectée avec plein d'autres. Ouais. Et euh, je pense qu'en réalité, du coup, c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, si, si tu la sors en tiers zéro, en, en fait, euh, elle est bancale. Et du coup, ouais. euh, comme ils ont sorti, bah, tu vois, les trucs d'incendie, etc., en même temps... En fait, il y a une espèce d'homogénéité à... Ouais. Euh, les, les tout est tout, 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 tout interconnecté. Et du coup, je pense que c'est un petit peu ce qui a ralenti. Mais euh, ouais. honnêtement, d'un autre côté, pour reprendre vraiment le fond de ma pensée, puisque là, c'est du, euh, du charlatanisme de politique. Euh, en, en vrai, juste basiquement, euh, ce qui fait que je ne suis pas trop mécontent, c'est qu'en fait, je n'ai pas l'impression qu'ils ont pris du retard parce que leur engagement n'est pas tenu et que euh, la techno, elle est, pas, euh, elle est mal engagée, tu vois. J'ai plus l'impression qu'en fait... Euh, Ouais bon euh, on pensait pouvoir la sortir un peu séparément du reste euh, assez facilement et en fait on se rend bien compte que il euh, bah, y a d'autres features qui vont sortir un peu plus tard et que euh, bah, elle sortira en même temps que le reste parce que ça va être compliqué de la sortir séparément. Et du coup moi je j ai, j ai le sentiment qu'ils ont quand même bien continué à développer ça et que, et, et que ça va dans le bon sens. Et euh, du coup je suis pas trop euh, je suis pas trop inquiet, même si par contre mon petit cœur de joueur, euh, ouais, je suis un peu déçu que... Euh, qu'on puisse pas mettre la main dans le cambouis et le tester, ça c'est sûr. <laughs> clair. Bah, la raison officielle sur le, le, le raison pourquoi l'ingénierie a été décalée et retirée de la 4.0, c'était que c'était pour euh, avoir plus de, de bandes passantes, c'est le terme qu'ils utilisent, mais je crois qu'en français on l'utilise aussi, en ce qui concerne oui. les ressources humaines, surtout dans le studio de développement. Mm -hmm. euh, c'est que pour surtout les ingénieurs, qui je pense sont déjà pas mal occupés avec le server meshing, et ils se sont dit, vu le temps qui nous reste pour la fin d'année, et qu'on veut quand même sortir une 4.0 euh, au moins avec Pyro et Server Machine à la fin de l'année, eh bien l'ingénierie, bon bah, tant pis, on scrappe quoi pour, euh, pour cette première sortie. Ouais quoi. ouais, mais après comme je... enfin tu vois, euh... alors sans dire que c'est du mensonge si tu veux, mais euh, quand tu fais ta com, euh, en fait, ce qui, prend... ce qui fait que tu prends une décision en interne, euh, généralement t'as pas un argument, t'en as en as une dizaine quoi. Et c'est juste dans ta com, tu ne peux pas te permettre de tout expliquer. C'est pas une question de manque de transparence. Hein. C'est juste, euh, c'est hyper... Et du coup, en général, tu prends les arguments que tout le monde peut entendre. Tu vois, c'est, enfin, que, que, que les gens, ils n'iront pas trop gratter. Euh, ça ne sera pas trop contesté. Euh, voilà. Oui, oui mais bon, ça ne change rien au fait quand même que chez dit euh, ce sont des menteurs, bien hein, évidemment. Ce sont des arnaqueurs. Évidemment. Ah, c'est un scam, bien sûr. C'est un scam. Voilà. un scam. Et, 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 et nous, pauvres pledgers, hein, qui... Qui, 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 qui les payons à faire ce scam, et eh bien voilà. Exactement. <laughs> je me demandais d'où ça venait. Je me suis c'est mais je pas. Ah, oui, <laughs> ce n'est pas un pigeon qui est, att... qui est atterré sur ta fenêtre, non, t'inquiète pas. <laughs> non, non, le, le pigeon, il est assis sur ton siège actuellement. Ah, 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 oh. ah. <laughs> elle est belle. Bon. Hein. Ah, ah, oh, oh. <laughs> 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 ah là là. Ah mais ouais, voilà. Donc, euh, ouais, je pense que cette feature, on aura des nouvelles. De toute façon, ils vont continuer à avancer dessus et on aura des news. Euh, dans le courant de l'année, c'est plausible, mais euh, sans forcément que ça soit une certitude. Euh, avant la release, euh, très certainement, parce que sinon, ils ne l'ont pas présenté. Donc, euh, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Yes. Euh, bah écoutez, on est ouais, à la question euh, suivante. Euh, ouais, hein, je pense que l'on a pas mal discuté là-dessus. Euh, ça fait une minute trente de grappille. Et, et au massage, euh, merci de s'abonner pour avoir corrigé le bot <laughs> et les accès Discord. <laughs> merci. Et, et désolé pour, euh, pour ça. Euh, donc, eh bien, on va passer donc à la question suivante. C'est parti. De Tartiflette74700. Oui, il a, il a son code postal est sur son pseudo. Euh, et j'ai vérifié. 74 700, c'est à Sallanches, euh, en Haute-Savoie. C'est où Et la Haute-Savoie haut, C'est à côté de. <laughs> c'est bien à côté de Toulouse, hein, c'est ça Hein ah euh, pardon Non <laughs> Ah, il me ouais. premier degré en plus Eh oh, t'es. Ouais. Et, et oh, ah, on sent ah, les pigeons là, hein. là. Franchement, es, ils galopent quoi T'es français, t'es pas américain quand même, t'es censé connaître un peu la géographie, non Ah, ça va, bah attends, les bah, Américains ils sont convaincus que la capitale, c'est New York, alors bon faut pas trop leur en demander quoi <laughs> C'est en fait. c'est... Ah bon, non, c'était pas New York Alors après, <laughs> j'ai dû vérifier par moi-même parce que je connais pas où est Salanche exactement, c'est entre Annecy et Chamonix. Voilà, c'est entre les ah deux, oui. un peu plus proche de Chamonix que d'Annecy, mais... Bon, bon, euh... On va tous venir chez toi, Tartiflette, pour manger une bonne Tartiflette, <laughs> j'espère. Par rapport à Cherbourg, c'est où ça On avait gagné une minute on les a largement perdus, rien qu'à discuter d'un pauvre numéro dans un pseudo. Je ne sais pas si vous en rendez <laughs> compte mais quand même. Donc, et sachant que je n'ai toujours pas prononcé la question, donc je vais la prononcer, perspective sur le gameplay de drone, point d'interrogation. Ouais, bonne question, excellente question. Et du coup, c'est exactement le même truc que tout à l'heure. Comme nous-mêmes, on dit excellente question, c'est que ça sent le pâté. <laughs> en fait, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont formulées différemment, mais ça revient toujours dans la question du quand. <laughs> Après, perspective c'est perspective dans, dans quand ça va sortir ou perspective dans le gameplay de comment ça va fonctionner Ça, c'est. Alors, le camp, alors ça sera encore plus difficile d'y répondre. Euh, le perspective de gameplay, on a au moins eu un petit aperçu des drones, du coup, pour la fabrication là, des bases Et euh, ça paraît anecdotique, mais du coup, ça permet de savoir quand même que des drones existeront, au moins ceux-là. Voilà. Euh, techniquement parlant, il y a quand même pas mal de vaisseaux qui ont des zones de drones, donc euh, ça paraît logique qu'il y ait des drones à la fin. Les drones étaient supposés pouvoir faire de la répa réparation, ce genre de choses, à voir la tronche que ça aura. Mais c'est vrai qu'en fait, techniquement parlant, pour ce qui est vraiment d'un pur gameplay autour des drones, on n'a plus aucune info depuis, même avant du coup le reboot quelque part de Star Citizen, donc même avant 2016-2017. Je crois que la dernière fois qu'on a vraiment eu des news intéressantes sur les drones, c'était après on a eu quelques drones qui sont sortis depuis, genre le Nautilus par exemple. On sent vraiment que le gameplay drone, il est avancé. Juste avant de continuer, merci. donc C'était Ziltoid, je crois, un ton pourtant. Paris, Paris au sud du nord, mais toi tu vis dans le nord, l'année, donc bon, dans Ça ne change pas. Et merci, donc, 66 donc Ziltoid et l 66 là, qui viennent de faire deux raids coup sur coup. Donc, merci à vous, j'espère. Voilà, bienvenue donc aux 48 nouveaux viewers qui se sont ramenés avec les de ces deux raids je crois hein, si j'ai bien compté donc bah écoutez bah voilà bienvenue ouais, Red, ouais. nous répondons aux questions de Star Citizen sachant qu'on répond toujours aux questions qui a été posées il y a deux semaines voilà donc euh, on est extrêmement à l'heure et à l'avance mais euh, donc euh, voilà donc bah, en tout cas voilà merci à 66 et, euh, et zitoid pour, euh, pour votre raid pour vos raids et donc bienvenue donc aux 48 nouveaux spectateurs qui qui sont atterris sur cette chaîne, donc, euh... donc euh... voilà. Prenez un bon chocolat chaud et installez-vous. Voilà, exactement. Euh... Alors, pour répondre à, à Madest, aujourd'hui, euh, effectivement, initialement, il y avait réparation, mining et transport, tu as parfaitement raison. Euh, ce qu'on peut déjà dire, c'est que réparation, il y a de grandes chances qu'il y ait toujours, puisqu'il y a des vaisseaux qui sont spécialement orientés, pour le déploiement de drones de réparation et que le gameplay en plus existe. Donc ça paraîtrait logique qu'ils existent euh, à terme. Euh, pour ce qui est des drones de mining, si tu réfléchis bien, actuellement ça n'existe pas et il n'y a aucun vaisseau qui le supporte. Le seul drone de minage qui existe, euh, c'est euh, le Sidnus euh, et putain j'ai oublié son nom. Euh, Quelle quel horreur. La, la, la grosse araignée. Mais sauf qu'en vrai, euh, de ce qu'on a vu des derniers modèles 3D, c'est même plus un drone, c'est piloté. Et puis on est en train de parler d'un truc qui fait la taille d'un F7, hein. on est en train de parler d'un machin qui fait 25 mètres de long, donc paye ton drone. Du coup, euh, drone de minage, actuellement il n'y a aucun vaisseau capable de déployer des drones de minage, on n'en a jamais vu, et pour ce qu'on en sait, il n'y en aura probablement pas. Euh, et il y a une bonne raison aussi à ça, c'est que du coup, d'un point de vue économique, bah, ça créerait une sorte de manière d'avoir un revenu euh, indirect. Donc c'est un peu compliqué. Et enfin, le dernier, à savoir le transport, euh, ça a surtout été évoqué pour charger les hulles. Et euh, du coup, aujourd'hui, on sait comment les hules, ils sont chargés et il n'y a pas vraiment de drones ni de... de nécessité de drones pour ça. Par contre, euh, ça serait pas inenvisageable qu'à la fin les drones soient pas réintroduits pour cette fonction-là, effectivement. Donc, euh, faut les, les drones de transport, c'est possible. Et maintenant, par contre, il y a une nouvelle catégorie de drones qui est sortie. Ben, euh, c'est les drones du Nautilus, donc des drones militaires. Et en fait, il y a deux autres types de drones qui sont pas évoqués. Euh, il y a des drones aussi de transport de caméra qui avaient été évoqués avec le Mako notamment et euh, qui sont permis par le render tout Texture et qui devaient permettre de justifier la vue à la troisième personne, que ce soit pour du FPS et la vue des vaisseaux. On ne sait pas ce qu'il en est de ça pour l'instant. Donc à prendre avec des pincettes. Tu as mentionné aussi les drones d'exploration qui va par exemple avec le Karak et voilà, oui. c'est ça. Il y a les drones d'exploration qui vont avec le carac, et il y a même des drones purement de sondes, de, des probes quoi, euh, qui vont avec l'Endeavor. Et donc, ils-là sont des drones qui transportent des sondes avancées. En gros, c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Ça va mettre déployer une sonde euh, plus éloignée de vous. Le reclaimer aussi, je... c'est sûr, parce que c'était des sondes aussi ou des drones enfin, Ouais, bah, en fait, il y a plein de vaisseaux où il euh, y a le terme drone dedans, mais on ne sait pas vraiment ce que le drone va remplir dedans. L'Endeavor, il euh... y a une vraie différence parce qu'il y a eu, du coup, il y, y a un artwork que je n'ai pas su retrouver la dernière fois, mais où on voit les fameux probes qui ressemblent beaucoup au Spoutnik, quoi. Donc c'est une sphère avec trois antennes et basta. Avec Donc, les ça a rien drones rien à voir avec les... Non, justement. C'est une pure sphère, c'est mmh. vraiment un Spoutnik. Et c'est spécifique les... à l'Endeavor, euh, il y est sur aucun autre. Après, les drones, euh, on peut toujours avoir une première itération, et ensuite, euh, selon les, les patchs ou les mises à jour, ils peuvent toujours ajouter un nouveau gameplay avec un drone. C'est ça, Genre, totalement. Maintenant, il peut faire ça, maintenant. Euh... Bah ouais. enfin, maintenant, il peut aider à prendre euh, du cargo. Maintenant, euh, il va balancer des, des petits projets. Techniquement, euh, j'ai dit qu'il euh, qu n'y avait aucun drone pour euh, du minage. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Il n'y a aucun vaisseau euh, qui propose cette fonction-là et qui l'embarque, etc. Mais à terme, en fait, euh, une fois qu'ils auront créé euh, un modèle 3D de drone avec une manière de les opérer, euh, rien n'empêche de mettre un truc de minage dessus. Euh, c'est quelque chose qui pourrait réapparaître ouais, à l'avenir. Hein. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas. Voilà. Ouais. Ça apporte de la nouveauté euh, constante, c'est ça qui est bien aussi. Ouais. Après, euh, en terme de, sans parler de quand, il y a très forte chance que les premières itérations de drones qu'on aura dans l'univers persistant, bah, c'est avec le base building. Ça paraît assez, ouais. ça pour le coup, on peut être assez sûr de ce côté-là. Je veux dire, euh, vu que bah, c... le base building ouais. est en cours de production et le drone. Euh, tel qu'on l'a vu, vous, vous vous en souvenez de cette vue RTS euh, euh, durant la démo de, de la sitcom. Ben, euh, il y aura un drone avec une sorte de caméra. Euh, voilà, parce que ce ne sera pas une caméra flottante comme ça sans aucune justification. Hein. Ils vont faire en sorte que ce soit euh, la caméra du drone qui vous transmette ces images euh, vues du dessus. Euh, et qui vous ah, donne ces, cette réalité un peu augmentée où vous pouvez voir... Euh, le, tel bâtiment en hologramme que vous pouvez poser là, hop, et ça, ça détermine ici, bon, bah, il faut qu'on construise euh, telle base, telle plateforme. Donc, euh... Et euh, c'est pareil, du coup, ouais, effectivement, les drones avancés, enfin, avancés, pas dans le sens, ils sont plus évolués, mais les drones qui permettent, en fait, de faire du scouting, c'est-à-dire qui euh, embarquent des sondes. Et que vous pouvez renvoyer à quelques kilomètres devant vous pour aller euh, détecter. Bon bah typiquement ça c'est des drones qu'on pourrait retrouver dans l'Orion. Parce qu'effectivement euh, euh, Amadesis. J'ai un petit doute sur euh, comment ça se prononce. Je suis vraiment désolé si je l'ai mal dit. Mais euh... Armadès. Amardèse. Apator, il avait évoqué les drones avec Lorion. Et euh, en fait, euh, la fonction... en fait, ce que je regarde, c'est juste la fonction purement drone minage. À part cette mention dans Lorion, il n'y a rien. Et comme j'ai dit, et ça par contre c'est de la spéculation perso. Hein. Attention, prenez avec des pincettes. Mais euh, je suppose de plus en plus que Lorion pourrait déployer une Cygnus, donc les, les fameuses grosses araignées. Auquel cas c'est plus un drone, euh, c'est piloté. Et euh, ça justifierait la multiplication par deux de sa taille, vu que c'est un vaisseau qui maintenant fait euh, 320 ou 360 mètres de long, je sais plus. Enfin, euh, en gros, il a, il est de... devenu un monstre. Et, euh, et ça serait logique, s'il est capable de déployer euh, des snubs, en gros, euh, des vaisseaux dédiés pour du minage. Mais à voir ce qu'il en sera exactement, là, franchement, l'Orion... Je l'espère qu'on l'aura en release. De toute façon, j'espère que tous les vaisseaux en concept, euh, quitte à ce qu'ils doivent euh, embaucher des équipes externes pour le faire, euh, ils ont intérêt à sortir tous les vaisseaux en concept, même sans le gameplay associé, parce qu'ils vont se prendre une cartouche sinon. Euh, les, les gens qui l'ont payé, ils vont très mal le prendre. Ce qui s'entend même si CIG euh, si aurait des arguments pour dire, mais il n'y a pas de gameplay, c'est pas... Voilà. N'empêche que. Donc, j'espère que Lorion aura des nouvelles dans les prochains, prochains mois, toute euh, petite poignée d'années, mais bon, voilà. Pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de drone vraiment de minage. Ouais. Personnellement, je. Alors, je peux c'est comp... sûr que le backlash serait présent, mais je pense que euh, tout ce qui est Crucible. Euh... V... Alors, Vulcan, je ne sais pas, mais ou l'Orion etc Je... c'est pas impossible que malheureusement ça ne soit pas dans la 1.0 hein. et pourtant ouais, ça, serait un... ça serait inexplicable parce qu'en réalité la plupart des vaisseaux on a au minimum un... une base de gameplay à proposer dessus le Crucible en fait euh, il a totalement son rôle, tout est déployé il n'y a aucun problème pour le sortir euh, les seuls vaisseaux qui posent vraiment problème c'est l'Endeavor et encore l'Endeavor c'est même pas une pro... un problème de gameplay pour certains de ces gameplays il euh, y, y a des gameplay qui posent problème hein, à savoir euh, ferme et puis euh, euh, ce type de choses là en fait où il n'y a absolument rien actuellement mais euh, est-ce que ça serait réellement si difficile que ça à implémenter j'en sais rien par contre c'est surtout les systèmes modulaires de land of war qui posent problème le banu mercantman n'y a rien qui empêche euh, le crusader euh, comment il s'appelle euh, genesis non le si j'ai un petit doute le ah le quoi le euh... Le Crusader euh... comment il s'appelle déjà euh... Le si, Starliner. Le, le Starliner. Ouais, Star oui, Star ouais, Donc lui, bah en fait, euh, transport de passagers, euh, techniquement, euh, il faudrait qu'il le développe de toute façon aussi pour le 600, le 890. Mais en soi, euh, c'est juste un transport de fret. Voilà. Donc, Donc ça ouais, serait largement faisable, ouais. même de sortir un truc un peu, euh, un peu bancal, mais euh... c'est peut-être un des seuls vaisseaux qui réellement pose problème. Mais la plupart des vaisseaux, euh, il y a tout ce qu'il faut pour les sortir, quoi. Donc à un moment, il faut qu'ils le fassent. Ouais, c'est... Je suis en train de voir euh, dans, y a la... dans le... la guilde industrielle, on a cette branche de technicien de réparation. Où il y a donc euh, réparation d'infrastructures, euh, réparation de coque, ah, bah ouais. et euh, réparation de... de du réseau d'alimentation. De... Euh, donc... Euh... C'est sûr Donc que le techniquement, euh, techniquement peut-être qu'il Crucible... sera un peu, il, il sera, euh, il aura un peu moins de fonctions que ce qu'il est supposé faire à terme. Mais en plus, même avec ça, tu vois là, ils sont en train de nous dire que dans le, dans, dans certains, dans, dans certains très gros vaisseaux, il y aura une imprimante 3D géante pour créer des vaisseaux. Euh, bah, euh, le Chrisybel, il pourrait être totalement capable de ça en fait. Où est le problème Enfin tu vois je veux dire euh, techniquement quand tu quand tu fais le bilan de tous les vieux vaisseaux qu'on attend il euh, n'y en a pas beaucoup qui vraiment on euh, pas un minimum de choses à proposer euh, post release et donc il euh, y a quand même peu de justification à ne pas les sortir euh, veille que veille quoi et, et même si on me sort ah ouais mais euh, du coup euh, quand même le gameplay il va être euh, bancal et mec euh, le karak à la base il est fait pour détecter des points de saut euh, Si on est limité à 5 systèmes, euh, tu vois euh, l'utilité d'aller détecter des points de saut avec le karak... Euh, Hein Peut-être pas, des... peut pas des points de saut permanents, mais les non, points de mais saut transitoires. Que... Ouais, mais n'empêche que trouver des points de saut euh, transitoires dans un jeu à 100 systèmes, bah, t'as quand même du volume à traiter. Euh, traiter des points de saut transitoires avec plusieurs centaines de milliers de joueurs connectés dans un truc à 5 systèmes, t'avoueras que euh, bon, l'utilité du carac. En tout cas, pour cette fonction avancée de son gameplay. C'est mort. Ça veut pas dire que ce sera pas un bon vaisseau d'expédition avec des sondes avancées qui permettront pas de faire d'autres trucs, mais dans l'entièreté en... de son gameplay, il est tronqué, quoi. Donc euh, bon, bah si on a un Crucible qui est un peu tronqué par rapport à ce qu'il était supposé faire au total, euh, bon, bah, c'est la même chose que le Carac, quoi. Où est le problème hein. Sortez-le. Hein. Enfin bon, bref, c'est un peu du hors sujet, mais... Euh... Euh, N'empêche que, ouais, ils ont quand même intérêt à sortir les vaisseaux euh... et donc les drones. Bah, je sais pas, De... il y aura forcément quelques drones, on les a évoqués, mm. mais après, est-ce qu'il y aura tout? Euh... Je pense que tout sera un petit peu en mode euh... mm, euh, pas tout, tout à fait pouvoir... complet, quoi. Mm. On aura les drones Garius... militaires certainement, tu vois, le Nautilus, euh, je pense qu'il va finir par sortir avec ses drones. Parce que ça ne doit pas être si difficile que ça à implémenter. Ouais, c'est... Le... Sicarius qui dit que le seul truc aujourd'hui dans la fonction des drones, ce serait si on nous propose une gestion des drones. Bah, je pense quand même qu'il une... y aura une gestion, alors peut-être pas aussi approfondie que, que tu l'espères, mais à mon avis, je met... ça m'étonnerait que les drones soient entre guillemets... Euh... Euh, et une ressource infinie. Dire, euh, les euh, peut-être qu'il aura il faudra soi-même charger manuellement les drones tout ce qui est euh, matériaux ouais. euh, voilà j'en sais rien ou même l'énergie tout simplement ils euh, faut. du coup ils vont avoir une portée limitée ils vont avoir une autonomie limitée donc euh, c'est ça du coup, il faudra qu'ils reviennent régulièrement mais oui par contre tu as parfaitement raison en fait les drones qui sortent mais pas de gameplay associé pour les gérer c'est un peu c'est un peu bancal quoi ah bah il faut qu'il y ait le gameplay qui va avec, sinon... Euh... Oui. D'autant plus que... Ok, par exemple, ils font un modèle de drone qui, je sais pas, qui, qui est comme ça, mais ce serait le même problème que pour les vaisseaux qui ne viennent pas avec le gameplay. C'est que quand le gameplay arrive, bah, ils sont obligés de repasser dessus et à retoucher au drone. Alors certes, c'est pas des vaisseaux, mais quand même, c'est du temps perdu, quoi. Euh, je pense qu'ils veulent éviter, aujourd'hui en tout cas, ils veulent éviter le, le syndrome du Starfarer, par exemple. Ah. Et même le reclaimer. Euh, oui, le reclaimer. Voilà, dire c'est oui. le, le Starfarer était sorti en 2015 en gare ready, il était play ready euh, quelques temps plus tard, euh, et le Refuel n'est apparu qu'en euh, 2022 ou en 2023 dans ces eaux-là. Euh, le reclaimer c'est un peu la même chose, même si le, le timing était plus court. Donc malheureusement, enfin euh, malheureusement non, c'est euh, je pense que les devs veulent le plus possible éviter euh, de, de, de devoir sortir des vaisseaux sans un minimum de couches de gameplay. On va dire ça comme ça. Oui, le, le SRV, Lui, ça logique. Ouais. Ouais. Le, le SRV, par exemple... Alors certes, il n'a pas de mission. Donc vous pouvez dire qu'il n'a pas de gameplay associé. Mais en soi, sa mécanique marche. On peut... Euh, bon il y a des bugs avec le master mode machin euh, Le mode quantum qui est fait Que le mode réentracteur etc mais bref Oui puis en ça temps... d'ici la release ils ont le temps Éventuellement de créer des missions autour Et de régler les derniers bugs voilà, c est, c est, c est, Le SRV est un pur vaisseau sandbox C'est à dire qu'il n'y a aucun incitant dans le jeu En termes de mission Qui vous demande d'utiliser un SRV pour tracter Un vaisseau ou un autre euh, C'est vraiment C'est vous qui cherchez des vaisseaux à tracter Et vous les voilà quoi euh, donc et même ça c'est pas forcément facile. Euh, donc euh... donc euh, donc ouais. Mais au moins il a une mécanique. Son réentracteur il marche. Alors que par exemple le Starfarer pendant des années ses cuves n'étaient pas fonctionnelles, euh, la, le refuel n'était pas fonctionnel ni quoi que ce soit. Donc très bien. Eh bien je pense qu'on va passer à une question Alors, suivante. Tu... Ouais. Euh, on va euh, juste alterner cette fois-ci entre les questions qui sont posées aujourd'hui et les questions qui sont posées il y a deux semaines, comme ça voilà, ça permet d'avoir euh, une certaine égalité parce que voilà, il ne faut pas non plus qu'on se retrouve à la fin de l'émission qu'en fait aucune question d'aujourd'hui ne soit répondue, euh, ce serait quand même dommage. Donc euh, on va faire comme ça et donc on va passer à la question suivante. Je pense que j'ai mis ce qui est voilà. Hein ah non, j'ai mis le bon texte mais j'ai pas mis le bon pseudo parce que n'avais pas sauvegardé. Voilà. Question donc de Jean janus pas point non je ferai pas euh, ce que fait stalker avec ce pseudo euh, pas aujourd'hui en tout cas êtes-vous plus squadron 42 ou star citizen' pas du tout la fin c'est pas du tout la même chose hein, je trouve. Ah bah je pense que la question ouais après mais il y a des bah, personnes... est-ce que toi t'as une préférence c'est ça mais moi, c est, c est la question moi je sais plus Star Citizen parce que c'est comme... comme ça que j'ai découvert le jeu c'est S... enfin, Star Citizen plutôt que Scramble 42 quoi comme beaucoup de personnes mais ouais. au nom de toi que surtout vois, dans euh, les anciens parce que, que... Ouais. dans dans les anciens euh, vraiment les tout tout premiers backers euh, C'était même pas censé être multi ou éventuellement coop, tu vois, avec un ouais. copain euh, qui fait la campagne. Donc, euh, les tout, tout premiers backers, ils ont signé à la base pour un jeu solo, quoi. Ouais, mais moi, ce serait plus Star Citizen que Squadron 42. Ouais, c'est super les... curieux de Squadron 42 et tout. Mais moi, ce serait plus Star Citizen. C'est euh, les, les plus. Euh, parce que, bon, en soi, les plus anciens backers, alors, ils sont un certain nombre. Hein, mais comparé au nombre de joueurs qui ah, sont venus oui. les années d'après, surtout les récentes années. C'est clairement beaucoup... Surtout que la promesse d'un MMO est arrivée très vite, en fait. Hein. Donc, euh, les gens, ouais. dès qu'ils sont arrivés, on va dire, dès mi-2013, entre mi-2013 et fin 2013, euh, c'était déjà quasiment acté qu'on s'orientait sur un MMO. Donc, euh, bon. Ouais. Donc, euh, en soi, euh, c'est... Euh... Ouais, c'est... Après, euh, par exemple... Combien de fois n'ai-je pas entendu, surtout avant la sitcom 2023, où justement en termes de news par rapport à Squadron, on était. Euh, enfin, c'était chiche, quoi, comme info, comme info qu'on avait à l'époque. Enfin, combien de, combien de fois n'ai-je pas entendu, je crois même sur, le, sur les chats des émissions, où ça disait que, ouais, ils utilisent l'argent de Star qu'on leur donne pour Star Citizen, pour Squadron en priorité, tout ça, ouais. tout ça. Enfin. Voilà, on... Et même aujourd'hui, hein, ça bah continue oui. toujours. Hein. Bah ouais, Malgré les, ouais. les, beaux, les belles démos que CID nous fait depuis l'année dernière, euh, Voilà ce discours reste présent. Et ça se pense ça que ça, ça le restera. Hein, parce, hein. Que, parce que bah, des gens qui ont baqué au tout début pour avoir l'équivalent d'un Squadron 42, mais plus rapide, bon, bah, mm -hmm. ils ont attendu euh, 10 ans pour euh, le développement de deux jeux, dont un qu'ils n'ont pas demandé. Quoi. Mais euh, bon, bah, c'est le jeu. Hein, ça... Enfin. Alors pour les tout tout premiers backers, honnêtement, je peux même pas dire euh, bah c'est le jeu, on a signé pour ça, non. Mais vraiment les tout premiers backers, du coup, eux, ils ont raison quand même d'être un petit peu fâchés. Euh, ceux qui vraiment euh, tenaient oui, oui. en oui. fait à oui. cette promesse d'origine, et pour qui les promesses qui se sont rajoutées derrière, ils s'en battent les couilles. Euh, Ceux-là, ils ont vraiment de bonnes raisons de se plaindre, parce que bah du coup le cahier des charges il a sacrément augmenté, alors certes il a augmenté pour mieux. Mais euh, bah si eux, ils avaient dépensé en 2012 euh, pour un cahier des charges, autant te dire que le cahier des charges, il plus grand chose à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a une ou t'aimes pas, mais euh, c'est un fait. Il y a une part non négligeable de, 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 de joueurs qui volaient juste la formule de 2012 de Started hein, Ouais, totalement. Euh, et hein. ou de Squadron. Mais pas. Euh... Après, il y en a aussi beaucoup qui sont un peu dans un. Un déni, euh, tu sais, un peu euh, contradictif. À savoir, ouais, alors, euh, nous, du coup, on nous a dit en 2012 qu'il n'y avait pas beaucoup d'ambition. Et donc, en fait, euh, il suffit juste de trouver un éditeur euh, pour signer. Et que dans, dans les 3, 4, 5 ans qui viennent, on, on avait un truc sympa, une campagne solo, euh, machin. Et qui, dans le même temps, tu vois, alors, en fait, ils ont bien retenu que, du coup, comme le cahier des charges était réduit, on l'aurait eu plus vite. Et en même temps, bah, euh, ce qu'on nous présente aujourd'hui, pour eux, c'est ce qu'il aurait dû y avoir en 5 ans. Euh, bah non, non, <laughs> Par contre, ce n'est euh, pas l'un et l'autre. C'est l'un ou l'autre. Mais euh... évidemment que la promesse d'origine de Squadron 42 en 2012, euh, s'il l'avait fait comme ça avait été promis et que ça était sorti à peu près dans les temps, ça n'aurait pas du tout eu la même gueule que le Squadron 42 qu'on a vu il y a quelques mois. Enfin, semaines. Oui, euh... voilà. euh, clairement, clairement. Donc euh, c'est c'est pour ça que pour Squadron, euh, il, faut que... Bah, il faut que ça soit à la hauteur de l'attente qu'il aura engendré pendant tant d'années et ça c'est un... une énorme pression pour le jeu et pour le studio qui le développe hein, clairement hein. donc euh, ça va être ouais mais sinon pour en revenir à la question de base donc Kyones tu y as répondu euh... <coughs> Je n'y ai pas répondu mais c'est hyper rapide euh, honnêtement donc euh, moi je suis le jeu depuis le début la promesse d'un wing commander euh, plus plus à une époque où on avait vraiment aucun jeu euh, bah, j'ai adhéré de suite quand on m'a dit que c'était un wing commander euh, plus plus avec Coop, j'ai adhéré toujours quand on m'a dit ouais on va faire un wing commander peut-être pas co-op on sait pas trop mais en plus de ça, on va faire un MMO à côté. J'ai toujours adhéré. <laughs> Donc, pour résumer, j'aime les deux. Je vois bien la différence entre les deux. C'est pas, pas la même chose. Je suis un petit peu déçu là de que la release de Star Citizen sera un petit peu tronquée, mais j'entends leur stratégie. Ça... ça me choque pas plus que ça. Voilà. Du coup, bah, honnêtement, j'attends les deux jeux de pied ferme et je les aime tous les deux. Pas pour forcément les mêmes raisons, mais honnêtement. Euh... J'ai et... aucun doute sur le fait que les deux vont satisfaire mon petit cœur de joueur. Et encore, tu parles de tronqué par rapport à Star Citizen, mais mine de rien ce qu'ils ont annoncé pour la 1.0, c'est il y a du boulot hein, pour faire tout ce bazar. Ah bah 1. et puis ouais et puis euh, honnêtement, enfin il y a et pas se de ça, jeux qui la même chose, Et c'est hein. dire que ça c'est une Et c'est dire que ça c'est une version tronquée de ce que nous on rêvait. Déjà. Ouais. Donc euh, c'est dire quoi à quel point. Et c'est carré que euh... C'est ce qui dit, pardon, qui qui dit qu'il attend que Squadron 42 soit parfait. Dans ce cas-là, tu seras déçu à 100% parce qu'il ne peut pas être parfait. Ouais. Et puis en plus, plus on met une attente, moi c'est notamment pour ça que je joue peu au jeu concrètement. C'est plus on met une attente sur quelque chose et plus de toute façon on devient hyper critique derrière. Donc c'est prendre un risque. Et c'est clair et net en fait au Squadron 42. Ce que je m'attends presque, c'est que même s'il est bon. <laughs> En fait, euh, il va se prendre une dérouillée par une partie de la commu parce qu'il a tellement été attendu qu'en fait, euh, les gens vont être vachement attentifs à des petits détails. Et puis, on peut être, euh, on peut être totalement euh, en dissonance. Hein. Il y a des fois, euh, tu nous proposes A, on dira qu'on préférait B. Hein. Mais euh, tu nous aurais proposé B, on t'aurait expliqué qu'on aurait préféré A. <laughs> voilà, les éternels insatisfaits. Quand euh... t'attends depuis 10 ans, tu ne peux être qu'un éternel insatisfait. <laughs> Par contre, ce que j'attends, tu vois, c'est un petit peu comme du cyberpunk ou même du Witcher. Hein. Les gens ont complètement oublié que le, le lancement de Witcher 3, euh, c'était bourré de bugs et c'était assez catastrophique. Mais 6 euh, mois après, en fait, euh... Alors... c'est pas qu'une question de résolution de bugs. C'est même nous, du coup, une fois que la vibe du début et la pseudo-déception initiale est passée, que tu reviens sur le jeu et que tu te dis... Putain, j'avais été dur en fait. Il est bien ce jeu finalement, oui. Mais et à mais... mon avis, six mois après, euh, du là... coup, c'est six mois après qu'il faudra regarder ce que les gens Alors, disent. Là, pour le coup, je serais pas forcément d'accord là-dessus. C'est qu'au moins, en ce qui concerne la stabilité technique et les performances, euh, bien évidemment, un, une release day one, il y aura toujours des bugs. L'équipe QA de, de, de CIG, euh, ils sont combien je sais, pas, je sais pas, ils sont combien Peut-être une centaine, peut-être tout au plus, j'en sais rien, grand maximum. Euh, et euh, peut-être que, voilà, peut que CIG peut aussi feront euh, comme font d'autres studios des tests avec des bêta-testeurs extérieurs pour avoir un premier avis, un peu un point de vue frais, plus frais de, de comment Squadron s'est comment euh, c'est reçu. Mais bien évidemment avec des NDA et pas des NDA évocatifs. Hein. Là, c'est des bonnes grosses NDA, mais bien, bien béton. Bien euh, voilà, bien énervé. Vous mieux pas les contrer. Hein, voilà. Ouais, voilà. <laughs> euh, c'est euh, voilà. C'est euh, c'est quoi? Je ne sais pas combien de sessions de tests, de bêta-testing euh, les autres studios font pour des jeux solo ou des trucs comme ça. Je dois que. Voilà. Mais c'est euh, une proportion minable par rapport à à bah, Tous les milliers de joueurs qui vont au moins jouer les premières heures dessus avec leurs matériaux à eux entre les Intel, les AMD, les Nvidia, euh, leur euh, boîtier d'alimentation, leur euh, carte mère Asus, machin, je, voilà euh, des trucs que peut-être jamais CIG n'aura touché parce que voilà, ils ne peuvent pas avoir tout le matos euh, informatique du, du monde non plus, hein CIG et même tout au tout, tout les studios. C'est euh, qui sait que telle combinaison de matériaux fait que le jeu est injouable. Enfin voilà, Il, la, la, la problématique après, c'est de faire en sorte que ça soit le bah, le moins impactant possible oui. et pas que ça soit oui, du niveau d'un cyberpunk et que ça fasse un bad buzz. Euh, mais même, ou ouais, les... mais même même Cyberpunk tu vois en fait il s'est pris un énorme bad buzz parce qu'ils ont fait l'erreur de vouloir sortir sur les hot gen alors qu'ils auraient dû lâcher oui, l'affaire moi j'ai joué Cyberpunk jour J sur mon PC il y avait quelques bugs mais c'était très loin de l'énorme trash talk qui se sont pris sur la gueule après il y avait il restait des bugs clairement Cyberpunk il est sorti trop vite euh, il lui aurait fallu encore 6 mois pour euh, bah, pour être peaufiné c'est ça, euh... ça que c'est ça que avec SoDawn va ouais. éviter le plus possible ouais, ça, ça je ouais, quand, 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 je parlais, quand, quand je parlais vraiment de prendre la température de ce que les gens ont pensé, je ne parle pas des bugs. Effectivement, je suis certain qu'il restera des bugs parce que les jeux sont tellement sophistiqués, on a plein de matériels différents, c'est très très difficile de sortir un jeu sans bug. Voilà, donc euh, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être intransigeant et qu'on ne doit pas demander d'avoir des jeux qui sont nickel jour 1. Mais il faut aussi tenir compte que la perfection n'est pas de ce monde et euh, on, on a dépassé le stade de complexité des jeux des années 90. Euh, honnêtement, avoir un jeu zéro bug jour 1, c'est euh, voilà. Ouais. Mais bon, il faut aller au maximum et euh, il ne faut pas tolérer euh, des trucs dégueulasses qu'on n'aurait jamais dû accepter. Voilà. Mais là, ce que je parlais vraiment, c'était purement ressenti, affect, euh, subjectif. Je pense que le jeu va se faire un peu trash talk dans les premières semaines, parce que l'attente est tellement monstrueuse dessus que c'est extrêmement difficile de satisfaire tout le monde, et du coup les gens vont être dans une critique. Y a, y a, honnêtement, il y a de grandes chances, et même les gens qui du coup sont un petit peu neutres, on va se faire parasiter par la critique de ceux qui euh, euh, du coup euh, sont un petit peu dans cette posture-là, et je pense qu'en fait le vrai... Ressenti des gens, et si du coup c'est bien retenu comme un bon jeu, c'est plusieurs mois après, entre 3 et 6 mois, quand euh, du coup tu vois la, la vague émotionnelle du début est retombée, que même ceux qui étaient éventuellement dans la critique au début sont revenus dessus, et là du coup tu auras vraiment si le jeu il est bon ou pas. Le... Après, ouais, c est... C est... C est... il peut y avoir aussi des déceptions sans que ça soit des bugs ou des crashs récurrents ou quoi. Il peut y avoir des déceptions ah, sur certains temps de gameplay, je sais pas un gameplay FPS qui est plus mou qu'on bah, le là, sait. Là rien que le, rien que là le début qu'on a eu, moi euh, il me convainc totalement, hein, il est parfait ce début, il est extraordinaire. Bah déjà ça fait débat. Il y a des gens qui disent ouais 1h10, le mec il a dû appuyer sur des touches, euh, si c'est 20 minutes, c'est le bout du monde. Moi je suis pas euh, dans un sur un jeu, j'ai pas forcément envie euh, d'avoir euh, tout le temps des cinématiques. Bon, alors déjà, c'est le début, c'est l'intro. Rien ne te dit que tu auras des cinématiques aussi longues tout le temps. Et puis, bah, en fait, euh, là-dessus, euh, bah on a tous un affect différent. Il y a des gens qui vont apprécier avoir, euh, avoir ça, et puis d'autres qui vont demander le contraire. Et tu ne peux pas satisfaire les deux. En fait, il y a une dichotomie là. Tu, tu, tu... Satisfaire les deux, c'est réussir à prétendre que tu peux ménager à et le Chou. Donc, je ne sais pas, où il n'y a pas au... à la hauteur. Euh, de... Voilà ils ont tellement parlé de l'IA etc que je pense que beaucoup ont des espoirs limite fous de comment l'IA est censée fonctionner dans Squadron sans les problèmes serveurs etc euh, peut-être qu'il y en aura qui seront très déçus parce qu'ils s'attendaient à beaucoup plus limite même à une ouais, révolution un du. Des... IA on a toujours des décisions ah, ça inévitablement on peut pas parler à tout le monde après oui, euh, juste donc euh jean pas point. alors je te réponds rapidement, de euh, façon comme ça, rapido. Euh, la démo en VOSTFR, bah justement, je l'ai fait. J'ai mis euh, notre version en sous-titré qu'on est en train de faire actuellement au sein de Pulsar euh, sur euh, euh, bah, voilà, notre côté. Donc on avance à notre rythme. On a pu implémenter, je crois que les 15 premières minutes, euh, comme vous pouvez le voir. Donc, euh, voilà, en VOSTFR, euh, sachant que cette, euh, cette vidéo euh, inclura également des sous-titres en anglais. Euh, je me suis aidé. Euh, je me suis aidé donc euh, voilà. Je me suis aidé de d'une communauté. Euh, la communauté d'Astropub. Peut-être que vous le connaissez, Astropub, Paul Chalet, donc euh, c'est un petit peu le monsieur euh, euh, Percastor de, de Anglophone pour, CIG, pour, pour Star Citizen. Enfin, c'est un, un, un créateur de contenu qui est très euh, spécialisé sur l'or. Et je me suis fait un petit peu aider par quelques anglophones pour essayer d'identifier euh, voilà, quelques petits passages qui ne seraient pas forcément clairs en anglais. Sachant que euh, voilà euh, le, la version originale, la vidéo originale, la démo originale sur CNG, sur, le, sur, le, sur la chaîne YouTube de Star Citizen n'a aucun des sous-titres. Il n'y a aucun sous-titre du tout. C'est le quand vous avez le, le bouton pour les sous-titres est grisé. Donc euh, voilà. Donc euh, la vidéo, euh, elle est déjà prête pour les sous-titres anglais. C'est prêt. C'est déjà terminé. Euh, maintenant, il ne reste plus qu'à traduire de notre côté pour pour le reste. Voilà. Euh, et aussi, ah, rapide aussi jean pas point. tu parles de la Vertical Slice de 2017, il y avait moins de cinématique Oui, parce que c'était à un niveau plus avancé de, de Squadron. Je crois que même. Ouais, notre... C'est plus loin, en fait. Notre, ça, ça... Euh, notre joueur était même lieutenant, gradé lieutenant, tu vois, donc euh, il avait déjà un peu gravi les échelons en termes de. En, en gros, dans l'histoire, c'est assez logique. Hein. Là, ce que tu vois, c'est une bataille. Bon, t'as vu que la bataille, on l'avait gagnée, mais on a perdu des <laughs> un peu de plumes, <laughs> pour résumer. Ton vaisseau, il est pété. Euh, du coup, euh, une fois que ton vaisseau, il est pété, bah, t'es réaffecté. T'es réaffecté dans un nouveau système, puisque là, ça se passe à Vega. Oui, c'est ça. ça, Vega 2. Oui, c'est Vega. Euh, donc ça, c'est Vega. Et en fait, euh, Vega, tu le... il y a de grandes chances que tu ne le vois plus après. C'est juste cette bataille-là d'intro. Et après, ça se passe en grande partie à... Euh... Et putain, c'est incroyable, j'ai perdu tous mes mots. Euh, ça se passe en grande partie dans un autre système, en gros, où toute l'histoire va se passer. Et donc, très certainement que tu t es, t es, t es juste euh, ben, un bidas, euh, de, euh, de, de, de des militaires qui sont déployés dans ce système-là. Et donc, cette vertical slice qu'on a vu il y a quelques années... Bah, c'est la suite du jeu quand euh, tu fais partie euh, des Bidas qui, euh, qui, qui bossent dans ce secteur-là, jusqu'à ce que euh, les vandous l'attaquent à un moment. Euh. C'est voilà. ça. Et sachant que là, pour le coup, la Vertical Slice, on l'avait sous-titré. Euh, pop, 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 et... Mais par contre, tu as raison, effectivement, cette Vertical Slice, il y a beaucoup moins de cinématiques. Donc, il ne faut peut-être pas non plus trop se laisser avoir par euh, ce qu'on a vu là il y a, y a un mois. Il y a énormément de cinématiques dans ce qu'on a vu il y a un mois, mais c'est vraiment l'intro du jeu. Donc euh, ça a peut-être été vraiment pensé comme euh, euh, voilà c'est peut-être pas représentatif de tout le jeu non plus donc euh... effectivement yes et je vous mets le lien pour ouais, la le lien, vertical ouais. slice donc là que je suis en train pour de pour ceux qui l'ont pas vu euh, voilà. qui l'ont pas vu les graphiques euh... les graphiques étaient déjà pas si mal hein, mais il on... y a quand même une belle euh, une belle progression honnêtement ouais, on ouais. voit bien la différence bah, surtout au niveau des lumières du détail des textures euh, etc enfin mais c'était déjà euh, c'était déjà très propre quand même Ouais. Et du coup, vous verrez le système dans lequel. Mais comment il s'appelle, putain, c'est pas possible euh... Euh, Ben Mendelssohn. Le système Ah non, Odin. <laughs> Je Odin. Voilà, que tu parlais de Je crois que tu parlais non, de l'acteur. Euh... Non, il y, y a un système bon, voilà, qui s'appelle bon... Ben Mendelssohn. <laughs> donc, euh, vous verrez euh, le système Odin dans lequel, euh, normalement, la très grande partie de l'histoire se passe. On sait que normalement, il y a trois systèmes en tout qui ont été modélisés pour Squadron Tout. Donc, on a vu un peu Vega. Donc il y aura Odin et, et probablement 80% de l'histoire va se passer dans Odin parce que c'est là que tout est supposé arriver plus ou moins et probablement que le troisième système ça sera peut-être un système où on, on... on ira faire une contre-offensive contre les Vandoules enfin ça sera peut-être un système un peu Vandoule quoi mais euh, là c'est de la spécul total on sait juste qu'ils ont développé trois systèmes on sait pas trop le troisième ce que c'est mais ça paraît assez logique de deviner lequel c'est quoi bon là on a pas mal dépassé <laughs> <laughs> Cro un petit peu, ça pour le coup, je suis beaucoup moins bon que Stalker pour vraiment couper net le, le truc et passer à la question suivante. Hein. Euh, voilà, je, je suis, je pense, peut-être un peu trop passionné, surtout quand ça parle de Squadron, etc. Je pense que je suis un peu trop passionné et des fois je me laisse emporter et, euh, et à la fin on diverge. Voilà, Verge. merci de rien, <laughs> je savais que tu m'attendais. <laughs> oh, mais plus que Squadron 42 qui sort, t'imagines même pas. Allez, on passe à la question suivante. Donc, je crois qu'elle est prête. De Buzz Bizarre, donc. A-t-on des news Donc, ça, c'est une question d'il y a deux semaines. A-t-on des news sur le gameplay du refuel des vaisseaux Alors, est -il déjà implémenté, non Oui, il est implémenté. Enfin, il n'y euh, a que le Starfarer qui le fait. Il y a mais... déjà ouais, y a un début, ouais. Il y a un début qui a été implémenté en 3. Point... Je sais plus quand, récemment, 3.21 ou 3.20, je m'en souviens plus, ou c'était encore avant, j'ai un doute. Le Vulcan Je sais pas quand est-ce que ça arrivé, mais oui, il y a déjà du refuel qui, qui est implémenté. Le, le Starfarer, oh, il a. Ouais, ouais, le refuel est déjà in game, enfin. Un pan du refuel avec le Star mmh. euh, Si on parle du refuel via les drones du vulcan, bon là c'est encore une autre histoire parce que là il y a la dépendance des drones qui, qui doit être mise en place, qui doit être faite. Donc. Euh... Bon, sachant que c'est une question d'il y a deux semaines, je sais pas si Buzz Bizarre est là pour, pour confirmer ou pas, mais, mais oui, le Star en tout cas il marche. Hein. C'est juste qu'il a été implémenté à un moment où on n'était que dans Stanton et ça avait vraiment un intérêt quasi nul, tellement il y avait de stations à côté. Hein. Pour se faire ravitailler sans aucun souci. Pour Pyro, alors j'ai vu par contre, alors je ne sais pas si c dans la 4.0 ou dans la, dans la 324.3, parce qu'avec les trois mises à jour en même temps, euh, live, oui. PTU, EPTU, là je suis un peu, euh, un peu compliqué de se retrouver. Euh, j'ai cru comprendre que beaucoup de réservoirs de vaisseaux se sont fait pas mal nerf. Euh, je ne sais plus dans quelle mise à jour récente. Et que euh, voilà, il y a pas mal de vaisseaux qui risquent de ne pas pouvoir faire tout d'une traite, euh, pyro euh, parce qu'il y a eu certaines valeurs euh, en termes de réservoir euh, carburant qui a été, qui ont été retouchés récemment. Donc, euh... eh ben très bien, voilà. Bah buzz bizarre, t as, t as eu ta réponse, c'est parfait. il n'y je... a pas vraiment grand-chose à dire de plus, hein, euh, donc, euh... bon, moi j'ai rien de plus à. Ouais. Si Buzz bizarre est content de la réponse, eh bien, eh bien nous, nous, nous aussi nous le sommes. Voilà, nous sommes contents que tu sois content. Alors, euh... une petite seconde, le temps que je mette la question suivante. Ah oui, euh, juste une petite. Euh... Donc il y a quelqu'un sur YouTube qui disait, euh, qui demandait peut-être hein, euh, ce qu'il en était pour les, les systèmes de récupération de carburant dans l'espace. Ah. Euh... Ouais. Et ça, il a pas totalement tort, effectivement. Mais d'ailleurs, même, ap... enfin bon, après, euh... donc effectivement, je ne crois pas que. Mais de toute façon, pour l'instant, on a de mémoire ce truc-là, c'est le Gemini qui l'a et le Starfire de base ne l'a pas. De non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oh, c'est ouais. l'inverse, d'accord. Mais euh, sachant que, en plus, euh, c'est des vaisseaux qui, en fait, mériteraient un petit refresh. Accessoirement, les, les différences Alors... entre les deux sont. Ça, ça, a, en fait, il y a deux aspects par rapport à ça. Enfin, deux, au moins deux aspects. Il y a la récupération automatique du moment que tu es dans l'espace, peu importe où. Y, je ne sais pas, il euh, y a quelques atomes d'hydrogène, j'en sais rien, qui se baladent et que tu traverses dedans. Je ne sais pas, bah, tu, le, ton vaisseau récupère automatiquement un peu de carburant qui te permet d'avoir de, 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 une certaine. Euh, comment dire C'est comme. C est, c est, imaginez un tout petit peu les, les batteries qui se rechargent avec les freins dans les voitures électriques. C'est un peu. Mm -hmm. Voilà. C'est un peu dans ce principe-là. Euh, il y a par exemple, je crois que c'est la série 100, je crois, l'origine 100i et les variantes qui possèdent une technologie qui. Euh, qui et je est... me demande si ce pas de... l'Archimède aussi, le P72. Peut-être, euh, je ne suis pas très sûr, mais en tout parce cas, voilà. Après... Comme il est... Alors, c'est particulier parce que c'est le carburant de, tu sais, l'équivalent de post-combustion. C'est ça. Et en plus, euh, par contre, ils avaient dit, ça c'était dans les articles Shipyard de 2017, ils avaient dit que les chasseurs, aucun chasseur n'en serait, euh... serait euh, capable. En fait, de, de faire de la, du ramassage passif, entre guillemets, d'hydrogène, ouais. euh, comme ça, dans l'espace. Euh, ça, voilà. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est carrément d'aller, par exemple, sur une géante gazeuse, et de ouais. ramasser en masse euh, de l'hydrogène, je suppose, euh, via, par exemple, le système de, du Starfarer. Et qui, pour, pour le coup, enfin, dans le concept à l'époque, ça impliquait également aussi une sorte de raffinage, en fait, de ce carburant. Euh, alors, je ne pense pas qu'il y avait vraiment de gameplay. Je crois que c'est un raffinage plutôt moins automatique qui te permettait de remplir tes cuves par toi-même. Tu fais de la récolte de carburant, véritablement. Euh, donc, euh, pas, pas, euh, ça te permet bah, de ne de pas devoir payer du carburant dans je ne sais quelle station. Tu peux en ramasser, entre guillemets, gratuitement euh, dans des géantes gazeuses. Ça c'est ce qui est censé pouvoir faire le staff horreur dans son concept. Ouais. Mais le problème c'est que ouais. depuis quasiment sa sortie, on n'a rien eu. Sachant que pour le carburant du Quantum, le Cantanium est devenu maintenant un minerai. Donc euh, c'est plus un gaz aujourd'hui, le, le Quantum aujourd'hui, est-ce que l'on sache Donc, À mon peu... avis, de toute façon, c'est ce genre de feature. Alors là, je, je fais un peu de spécu, mais très rapide. Ce genre de feature est, for est lié euh, fortement à la capacité des vaisseaux à aller euh, en monde sous-marin. Alors oui, ça paraît totalement. Euh... C'est quoi le rapport Bah simple, pression positive. En fait, euh, techniquement parlant, pour pouvoir s'enfoncer dans les couches profondes d'une géante gazeuse, il faut euh, avoir implémenté dans le jeu euh, les efforts sur les coques liés à la descente en profondeur et donc ce qu'on sait qu'ils ont développé parce que le gameplay sous-marin ils en ont pas parlé mais n'empêche qu'on sait qu'ils ont développé des briques techno dessus et à mon avis euh, tant que ça c'est pas en place et donc que les vaisseaux une... sont pas capables d'aller en pression positive en tout cas que le gameplay autour de cette fonction là n'est pas prévu et que ce sera juste un truc assez binaire genre t'es trop profond avec patte et puis voilà euh, bah du coup c'est un peu compliqué de proposer euh, de reposer un gameplay de récupération de carburant ça ça viendra à mon avis et euh... deux vont euh, donc euh, voilà, euh, Kuneski, qu'est-ce qui se passe Non, j'ai eu un crash d'opéra, je sais pas pourquoi, mais tout est ok. Ah, d'accord. <laughs> mon, opéra... oh, mon opéra a crashé, tout est ok. Euh, fait... C'est la... la diva, elle est tombée sur une marche et du coup euh, l'opéra a crashé. Te... Ouais, C'est bon, tu peux revenir sur le vidéo Oui, je... Et... je vais faire ça. Yes, et coucou Stalker. Hey Stalker J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on ah t'entend oui. Oui, bien. Bon vu, que je suppose que tu es sur portable. Je pense que tu ne vas pas te mettre en cam, à mon avis. Je vais pas se faire affronter. Pas, pas d'heure, écoute. Ça, ça marche. Mais après, euh, personnellement, j'ai réussi à intégrer Isosama après le, la, le début du live. il hein. ouais, y en a qui maîtrisent. Et... un pro. <laughs> non, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais. <laughs> c'est bon. Mais euh... bon, comment il va, Stalker ça, ça va, ça va. Grosse journée de formation, mais c'était sympa. J'imagine, ouais. Formation le dimanche. Ouais. et eh bien, donc. Ouais. C'est pas facile ça. Eh ben. Bon. Mais eh attends. ben. Moi, je crois que ma caméra a bugué. Ah oui. Oui. Bah, je te laisse euh, Vous la refresh. Quand même, hein. Oui, on t'entend. Oui. oui, on t'entend. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, mais. Ok. Euh, bah, je <laughs> vais en profiter pour donc passer à la question suivante. Donc, de Quincy Forder, qui a été posée euh, aujourd'hui. Quelle qui est la suite. Et eh, zut, j'ai oublié de sauvegarder pour ça. Voilà. De Quincy Forder, donc, je disais. A-t-on des news Mais non, c'est pas ce texte. Oh, crotte. Non, à ce R5 Non, c'est pas ça. Non, 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 parce que j'utilise des fichiers texte pour... Voilà. Euh, mais, et... du temps, mais du temps à ce R5, il y a ça aussi. Voilà, c'est ça. C'est juste que j'ai oublié de sauvegarder le fichier. Donc là, on est bon. Pourrait-on imaginer des conteneurs de 24 ou de 32 SCU aménagés avec des sièges pour un premier jet Je pense qu'il voulait parler par rapport au gameplay de transport de passagers. Euh... Je sais pas, je pense pas. J'ai un doute là-dessus. Pas très éthique ça. Hein. Ouais. Ça va les... dans des camions, ça passe pas les douanes. <laughs> ouais, moi je... j'y crois pas trop. Mais je... euh... oui, c'est euh, bah, Par contre, euh, ouais, ils avaient parlé par des boîtes d'animaux. Oui, ouais, pareil jeux... ils en ont parlé mais il y a super longtemps quoi. Mais vu hein... que l'on parlait du gameplay de transport de passagers euh, il y a quelques minutes, je pense que c'était par rapport à cette question là. enfin ouais, C'est un, un passager. <laughs> non c'est un c'est un cargo. Donc oui mais voilà si tu mets des gens dans des boîtes et que tu... ça devient, ça devient du fret aussi, ça devient de, des cargos oui, mais euh, je pense... Non, je pense que vraiment non, s'ils veulent développer des gameplays de transport passagers, je pense c'est avec euh, tout ce qui est E1, euh, etc. au moins. Hein, je, Bien sais. Sûr. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Ouais. Après, ça veut pas dire que... Je suis désolé, la caméra est en train de se relancer. C'est bon, yes. Voilà, ça doit être bon. Euh... Oui, du coup. Euh... Ça ne veut pas dire par contre, effectivement, on en avait parlé il y a quelques semaines. Que pour un, on va dire une sorte de tiers zéro du gameplay passager, les passagers soient pas vraiment représentés graphiquement et que du coup ça soit pas traité comme une sorte de cargo quoi. Mais mais de là à physicaliser entre guillemets en disant ah non mais là du coup on va carrément transporter un container et dire qu'il y a des passagers dedans ouais non ça ou alors c'est de la contrebande c'est pour amener des esclaves ou Bon. Oui. Bref, on commence à sacrément spéculer, quoi. Oui. Alors, t'avais juste... oublié de remettre ton chrono, ah. du coup. Oui, oui, je, je, je oublié mais enfin, bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense pas qu'on se voilà. ça qui me spam, il vous spam aussi Oui, alors, en fait, c'est parce que toi, en fait, Stalker tu as cliqué sur les icônes, tu sais, de croix pour la question de buzz bizarre. Okay. Il faut que tu les enlèves pour qu'il arrête de te spammer. Il y a un problème avec ça. J'ai des problèmes avec notre bot qui, qui nous spamme de messages privés mmh. parce que. Parce que moi aussi je me fais spammer aussi. Donc euh... heureusement je suis un mode streamer sinon vous serez spammé de notif. Euh, mais oui donc le temps que ça, soit, ça se termine. Euh, donc euh... ouais donc par rapport à cette question je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. Euh, mais bon pour moi non je pense qu'ils vont ils voudront vouloir euh, faire du transport de passagers. Euh... Avec au moins un vaisseau dédié pour ça et je pense le E1 Spirit et peut-être même, les Phoenix le... même ouais, le Phoenix ou le ou le 600i Touring, je sais pas. C'est, ça reste. À bah, voir. Techniquement, ils sont faits pour. Hein. Euh, le, le même le 400i, il est un peu ambigu mais euh... après voilà, a... dans, dans le transport de passagers, il y a plusieurs sous gameplay, il y a vraiment le transport de passagers de base où là du coup c'est, euh... on va dire, c'est presque comme du fret entre guillemets et ça va pas beaucoup plus loin donc avec vraiment euh, soit du volume entre guillemets euh, soit euh, des missions euh, clairement définies quoi et après il y a des missions plus de luxe euh, typé euh, 600i 890 hein, ce genre de choses où là du coup euh, la composante fret est un peu moins grosse et ce qu'il faut réussir à quantifier c'est la qualité du vol mais euh, ce que j'avais déjà raconté il y a quelques semaines on sait même se faire ça sur Fatimator donc en réalité c'est pas euh... C'est pas un gameplay si ouf que ça implémenté tant que tu cherches pas à le représenter avec des PNJ qui bougent. Bah c'est enfin, je pense c'est là euh... un petit peu le bloquant je pense parce que si je pense dès ouais, la première mais... itération ils veulent le lier avec des comportements Ouais mais jouent. là je pense qu'ils ont intérêt à zapper l'affaire parce que si tu post release alors là du coup je je mouille mon doigt hein, entre guillemets euh, voilà. Mais post release, ils ont quand même intérêt à ce que le plus de vaisseaux possible et un gameplay associé on va dire un minimum intéressant et fonctionnel. Voilà. Et techniquement parlant, sortir un gameplay de transport de passagers, il n'y a aucune difficulté à le faire à partir du moment où tu te dis Ok, les PNJ, on les rajoute dans un second temps. Ouais. Et du coup, ça serait vraiment dommage d'avoir des vaisseaux type 890, etc., qui servent à rien d'autre qu'à faire du RP. Juste parce que euh, tu as mis la barre trop haute. Ça, normalement, typiquement, c'est la philo même euh, de l'itération et donc euh, de l'agilité. Euh, il faut savoir faire des compromis et viser qu'est-ce qui est nécessaire le plus rapidement possible pour avoir une fonctionnalité qui apporte du contenu. Avoir les PNJ qui bougent, ça n'apporte rien. Es pas obligé d'avoir les PNJ qui bougent pour faire du transport de passagers, ça ça paraît absurde dit comme ça, mais c'est factuel. T'as pas besoin d'avoir une représentation des PNJ qui se baladent à ton bar pour malgré tout euh, pouvoir gérer du transport de passagers. Certes, tu peux le rajouter certes, après, mais euh, certes, oui, l'agilité inclut cet aspect là, mais c'est un jeu de Chris Roberts, oui. Chris mais le problème, c'est que c si, si tu cherches, si tu là, non, justement, ils sont allés à l'inverse. En disant, OK, on va sortir une release et on améliorera la release après, là maintenant, on, on arrête l'idée qu'on va sortir un jeu euh, qui soit euh, fonctionnel, complet, qui permette aux gens de s'amuser dessus et on l'améliorera dans un second temps. Du coup, on fait des compromis, on est capable de faire des compromis. Bah, c'est ça que ça signifie, typiquement, c'est ce genre de compromis. C'est à vouloir tout sortir en un coup parfait euh, et du coup avoir un gameplay joueur euh, passager complet. Et bah en fait tu le sors jamais ton truc parce que parce que bah, t'as au moins trois ou quatre briques à développer séparément, là où en fait t'en développerais déjà une, tu, tu pourrais déjà proposer la fonction, euh, tu peux déjà la mettre quoi. Oui. Mais on verra bien hein, les prochains mois et tout ce qu'ils vont pouvoir dire et euh, ce qu'ils diront, qu'on enfin, fasse ce qui qu vers où ils iront, hein, mais euh, Parce que c'est pas du tout sûr que du coup le gameplay passager Ils le développe. Je dis juste qu'ils sont en capacité de le faire et de proposer quelque chose et ça serait dommage de pas le faire, mais effectivement euh, c'est pas dit dans la musique, quoi. En tout cas, je... parce qu'il y avait une vraie question à la base, le coût des containers, non, j'y crois pas c'est une seule seconde, ça par contre. Sauf pour du transport du coup illégal, type esclave, etc. où là du coup c'est vraiment traité comme du fret. Ouais. Après, il y a un autre aspect de transport de passagers, c'est la chasse à la prime avec les les, les criminels en stase aussi. C'est un, un, un transport de passagers aussi, dans un sens. Ouais, <laughs> oh, mais c'est ouais. pareil, c'est du fret, quoi. C'est du... Ouais. du fret, tu sais, c'est du fret un peu comme les trucs chimiques qui explosent au bout d'un certain temps. C'est du fret avec des conditions de transport particulières. Voilà. Ouais. Bon, je ne sais pas si ce Stalker veut rajouter quelque chose par rapport à tout ça. Ah non, euh... pas, pas forcément. Yes, pas. Bah, écoutez, on va, on va passer donc à la question suivante. Et la question suivante, donc on revient sur une question d'il y a deux semaines. Et là, attention, il y a un petit pavé, donc euh... <coughs> il va falloir que... un petit peu de lecture. Donc c'est parti. Il faut qu'on se concentre, C'est pas le moment de caresser ah, oui. son chat. Mm -hmm. Exactement. Question par commandant Karl Messer. Le hub social et mémo sera sur un serveur de service dès sa parution. Qu'en est-il des mécanismes du jeu qui eux réclament un rework vers cette technologie de service A-t-on une liste exhaustive Comment suivre la progression de ce travail spécifique Peut-on imaginer que les affichages des cours de trade, enfin des cours du marché, euh, qui sont des JPEG pour le moment, soient un jour des affichages dynamiques gérés par cette technologie de serveur de service eh ben, C'est une belle question quand même. Voilà, c'est pas même, plusieurs questions. Non, euh, juste un petit truc. Surcouf, coucou au passage. Euh, c'est point d'exclamation Q et pas Q point d'exclamation, sinon le bot ne le prendra pas en compte. Merci. Donc tu peux recopier coller ta question. Exactement. <laughs> Complètement. Heureusement, Dieu a inventé donc, copier coller. Donc <laughs> Très pratique. Euh, cette question. D'ailleurs, vous savez quoi Vu que c'est là, elle est quand même assez fat Je vais la mettre également sur. Ouais, qu'on puisse la relire. YouTube, euh... YouTube, euh, voilà, sur le chat, comme ça, c'est. J'ai pas compris. Alors, déjà, euh, la première question, on va passer, faire question par question. Le hub social et MMO, alors je suppose qu'il parle de tout ce qui est Spectrum et tout le tintouin, je suppose, et tous les applis d'Orga Je pense. Oui, non, non c ça dans l'idée, oui, c'est ça. ça. Enfin, c'est comme ça que je comprends. Sur... Voilà. Sera sur un serveur de service, oui, voilà. dès sa parution. Donc ça veut dire que c'est un service indépendant du serveur de simulation du jeu. Qui euh, voilà. communique avec le jeu, mais qui est indépendant. Voilà. C'est ça, c'est un service, voilà. voilà. Oui, voilà. genre. Oui. Euh... Ouais. Un petit peu à la Spectrum qu'on peut retrouver sur euh, directement IG quoi. Exactement. La okay. liste d'amis, par exemple, c'est pas le serveur du jeu qui, qui le gère. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et voilà. oui, ça serait le c'est affirmatif, donc ça, ça correspond. Qu'en est-il? Voilà. Oui, qu est oui uh ah, c'est sûr que ça sera... Enfin, Spectrum sera un moment euh, où une partie de Spectrum sera sur le... sur le jeu comme sur le serveur, ça ça a été. Oui, non, non, mais sur le jeu même en fait. Ah oui, Vas-y, oui, bah, ouais. vas-y, euh, deuxième, c'est que... vas vas voilà. ça. Des... La voilà, ça c'est la question subsidiaire. Qu'en est-il des mécanismes de jeu qui, eux, réclament un rework vers cette technologie de service En a-t-on une liste exhaustive voilà. Alors je, bah, je pense liste, pas qu'il existe une pas. liste exhaustive, mais on peut la mais créer. Enfin, ouais, on peut plus les... ou moins l'imaginer, la créer, parce que c'est sûr qu'il y en aura une, déjà. Parce qu'ils avaient dit qu'ils voudraient que bah, Spectrum soit un petit peu plus utilisé, pour que ça puisse être utilisé hors-game et euh, in-game. Mais après comment on va à dans la Mobiglass, voilà. peut-être... Euh... Bah effectivement, ouais, on, on, peut se voir, sera, on a parlé y aura des... Des... Il y a Pas tout en même temps, que oui. Moi je pense oui. qu'il y aura un panel spécial Pectrum qu'on pourra utiliser euh, pour la de pour la glace. du coup. Après je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont mettre exactement sur le monde du, du chat, sur le monde de quoi partager des trucs directement. Je sais pas trop après ce qu'on pourra faire plus que ça. Bah t'as tous les trucs aussi euh, de gestion. Oui. Comment de... T'as ça aussi, hein, qu'il qui va, qui va falloir intégrer, donc euh, qui, qui font partie du hub social. sociaux. Mais euh, du coup, euh, attention, il faut, faut bien penser dans les deux sens. C'est-à-dire que là, ce qu'il est en train de... Donc, euh, ouais. les mécaniques de jeu qui réclament un rework vers sa technologie de service, a-t-on une liste exhaustive Donc là, c'est vraiment les gameplays internes dans le jeu qui euh, s'appuient en fait là-dessus sur les systèmes communautaires. Donc effectivement, tous les trucs de guild, éventuellement effectivement les trucs de marché, tous ces systèmes-là, effectivement, il va falloir les hybrider. Et encore, tout ce qui est marché, etc., ce ne serait pas plus des services de StarSim ou Quantum anciennement qui géraient ça, un autre service autre que le hub social mais tous les services vont devoir communiquer entre eux de toute façon. Oui, tu as parfaitement raison. T'as as, as raison, hein. sur le papier, t'as as parfaitement raison. Mais là où lui, il a raison, c'est qu'en fait, euh, pour la partie sociale, donc euh, pour la partie euh, gestion de, 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 nos, de nos échanges, enfin voilà, euh, ben bah, en fait, à la fin, ce qu'on va voir, c'est plutôt euh, bah, cette partie de service-là. C'est plutôt, si tu veux, tu vas pas avoir Quantum tel quel. Tu n'auras pas un service Quantum accessible. Ce que tu vas voir, c'est le service social. Qui va te remonter des informations du service Quantum. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et d'ailleurs, la fin de sa question avec euh, l'histoire des, des panels de trading euh, va totalement dans ce sens-là, effectivement. Ouais, je, je remonte la question euh, comme ça pour que vous voilà, la sur le, sur le, sur le overlay. La suite, c'est comment suivre la progression de ce travail spécifique Bon, ça, on peut y répondre assez rapidement bah, il n'y en a pas vraiment. À part euh, bah, bah... Si. Quand, si, quand il y aura sur... des technos qui seront vraiment nommés Et où ils vont être vraiment dedans Et que ça va être quelque chose qui va les accaparer suffisamment Et eh ben ça. ils vont en parler dans les ISC Et puis tu le verras dans euh, dans, dans, dans leur truc de suivi voilà. Mais il mais y, où... mais... y a plein de trucs aussi Et il y a plein d'autres trucs qui probablement Ne seront pas vraiment nommés en tant que Ce que tu es en train de désigner comme ça Et qui du coup ne seront pas vraiment euh, suivis Dans le détail quoi. Yep donc, mmh. euh, c'est. Ouais. Euh, Par si... j'ai pas trop compris les affichages de cours de trade qui sont des JPEG. Sont Alors, pour l'instant, des... trop... Pour l'instant, dans le jeu, du coup, t'as des écrans qui t'affichent oh, euh, oui. des, des, des trucs économiques. Et en fait, c'est juste des images fixes pour faire décoratif. Ah, et donc la oui, question oui, qui là. se pose, c'est est-ce que... Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Quantum et de... En, en gros, Quantum fait que l'économie oui. fonctionne. Oui. Euh, il fonctionne en tant que service. Il y a un service ensuite communautaire qui permet de faire une IHM, donc une interface homme-machine, oui. voilà qui va remonter les infos de Quantum. Et typiquement, à la fin, ce que tu peux obtenir, bah, c'est une feuille de trading qui, elle, est dynamique et qui se base réellement sur Quantum et qui ensuite s'affiche dans le jeu. Et je pense qu'il n'a pas tort, à terme, c'est vers ça qu'on va aller. Par Moi contre, je quand, pense, comment... Quand même... euh, je... je pense que ce n'est vraiment pas prévu euh, pour maintenant, ça sera vraiment quelque chose de secondaire. Euh... Bah, il, faut secondaire. Des... il faut déjà que Star Sim soit là pour l'économie PNJ, on va dire. Ouais. Euh, et que vraiment il y ait un, une évolution dynamique de, des cours de tels produits, euh, parce que pour le moment euh, il y a une certaine élasticité des prix qui évolue selon une, une, euh, une, une logique d'offre et de demande, mais extrêmement limitée. Et donc il y a une plage en fait dans laquelle les prix euh, des tels ou tels produits se baladent. Euh, il y aura d'ailleurs des changements par rapport à ça avec la 4.0. Ils en ont parlé dans, sur Spectrum récemment dans un enfin, patch watch. Mais euh, sinon. Euh, C'est vraiment Star Sim, Quantum, qui euh, va véritablement mettre en place une vraie logique euh, globale, holistique de la chose, euh, et qui ne sera pas juste des, des simples euh, fourchettes, de. de qui, les prix ne vont pas juste balader dans telle ou telle fourchette de prix euh, qui sont indiquées de façon arbitraire. C'est vraiment quelque chose qui va être suivre une certaine logique d'offres de, 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 et de demandes. De, de telle ouais. disponibilité de produits et tel machin, des chaînes de production, ce genre de choses. Enfin, si le, que tout ce que nous a dit est en usure avec, tient toujours. Hein. C est, c est Mais vrai ouais, que ouais du coup, il faut, il faut se déla Star Sim en premier et après, ensuite, on, on verra bien. C'est ça. Euh, ça comme autre gameplay que je vois euh, qui peuvent euh, aussi être euh, dans cette euh, logique de devoir être connecté à des services euh, autres, la chasse à la prime. Qui utilise aussi une partie de, de Star Sim, enfin, si tant est que c'est bien ça, c'est ce fameux service d'IA virtuelle. Euh, L'IA virtuelle, entre autres, permettra de pouvoir générer des PNJ qui auront un certain historique, on va dire. Si on suit euh, mm -hmm. ce qu'a dit Tony Zurovec il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'on aurait donc une... Euh... Oui, oui, Armadez, j'ai de nouveau envoyé un MP à TheSummon pour, euh, pour le bot. Euh... Et donc, oui, l'IA virtuelle, ça permettrait par exemple de. Je ne sais pas, imaginons, euh, tu as un PNJ qui a buté euh, des PNJ ou des joueurs, et donc sa ça, ça criminalité augmente, et donc la prime pour le capturer ou le tuer euh, augmente de plus en plus, etc. Mais cette PNJ, il faut qu'il dure dans le temps, il faut qu'il ait une activité, ce PNJ est une activité euh, à lui, qu'il qu puisse se balader, euh, voilà, qu'il puisse faire entre guillemets sa vie entre guillemets selon les caractères selon les traits de caractère qui lui auront été donnés et donc ça c'est ce sera quelque chose qui de ce que l'on sait la v2 de la chasse à la prime qu'on en entend parler depuis des années et dont on sait que s'il y a eu du travail dessus mais ça a été un peu laissé de côté pour le moment cela euh, permettra justement aux, aux chasseurs de primes de pouvoir vraiment faire un jeu de chasse et de souris en fait euh, un jeu de chat et de de, chat et de la souris euh, et qui permet justement il faut consulter des terminaux euh, peut-être qu'il y aura aussi des blades ou des des des, 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 des lames serveurs pour notre avionique qui permettraient par exemple d'accéder je sais pas à une base de données à partir de notre vaisseau pour euh, consulter euh, je sais pas les activités de tel ou tel criminel il a été détecté par tel satellite euh, dans telle région dans telle zone dans telle ville ce genre de choses donc c'est ça, l'IA virtuelle. Bah, si l'on en croit euh, ce qui a été dit par Tedious Revek à ce moment-là, c'est un service. Ça fait partie de Quantum Star, -Star Sim. Euh, donc cela va et le, la chasse à la prime V2 va probablement bénéficier de ça. Donc là aussi, il a besoin d'être accordé à un service. Et euh, voilà. Ce qui me vient à l'esprit. Il y en a sûrement d'autres, mais. Euh... C'est facile, liste un petit peu non exhaustive, on va dire. Je sais pas si Stalker va rajouter quelque chose. On l'a perdu. Ouais. Bon. Ah, vous le faire ah, euh, ça, on bah, t'entend, on on mais c'est un peu, c'est un peu, ouais, c'est un peu. Un petit peu étouffé, mais. Euh... Et là maintenant, c'est mieux. Mieux, ah ouais, ouais c'est bon, parfait. Ça, mieux. Disant, ça ah, va être d'accord. Euh, bonjour à tous, c'est Stalker. Bonjour. Euh, je n'aurai rien à ajouter. Ok. Ok. Très bien. Alors euh, donc ça c'est fait. Euh, question suivante. Question suivante donc bah, je suppose que c'est une... Voilà, une question d'aujourd'hui donc ce sera celle de Matysla. Euh... <laughs> As inversé, c'est ça T'as fait euh, question de. J'inverse entre aujourd'hui et il y a deux semaines, oui. D'accord, tu fais une sur deux, ok. Exactement. Et donc, je crois qu'elle est prête. Donc, cette question est donc. Ben, allons-y. Question donc de Matisla. Avec les vaisseaux qui leakent en PTU 324-3, est-ce que toutes les annonces de l'IAE ne vont pas faire un gros flop Ou est-ce que CIG a encore des choses à présenter je suis, perçu, je suis persuadé qu'ils en ont encore sous la pédale et nous les ont déjà liqués eux-mêmes bah euh, oui euh... ouais puis après l'IAE c'est pour vraiment l'occasion de faire euh... enfin c'est pas le moment qu'on attend tous avec impatience bah, non, pour avoir des il annonces en fait euh, l'IAE les... ça a pas de flop ni quoi que ce soit il y a tous les vaisseaux qui sont là c'est quelque chose qui est annuel enfin on, on a la voilà, enfin, on... je veux dire euh... c'est un événement en plus c'est cool de l'avoir Ouais, ouais. Euh, pour, pour ma part, bah, les leaks, il y en a déjà eu, je veux dire, dès le moment où le, P le, le PTU de la mise à jour de l'IAE est lancé avec les tests de, de salle d'expo, etc., il bah, y a du data mining qui va avec, et donc les vaisseaux sont déjà spoilés euh, une ou deux semaines à l'avance. C'est le cas, et cette année, il ne fait pas exception. Euh, sachant que là, pour le coup, CIG a anticipé le coup, euh, ils avaient déjà annoncé le nom des vaisseaux. En confirmant les fameuses ombres chinoises sur fond orange qu'on a eu l'année dernière, ils ont rajouté oui. des noms. L'intrépide, euh, le... l'intrépide, le... euh, il restait le Guardian, je crois que. Euh... Mais Guilly, pour le coup n'est pas, euh, pas encore apparu. À euh... mon avis, il va apparaître et là, on va avoir une surprise. Ce ne sera pas une surprise le parce on le connaît, on le connaît, le jeu, on le connaît déjà. Oui, mais on, on, on voit la forme. On ne sait pas à quoi il sert, On ne sait pas à quel. Euh, on sait pas tout ça. C'est ça qui est intéressant. Mm, oui. ce que je vous trouve un peu que. l'intrépide ou pas encore euh, On en a parlé au tout début. Mais ce que okay. je trouve. Ce que je trouve. Euh... Bah après, ce que je trouve bizarre, c'est que le Guardian ne soit pas du tout apparu avec l'intrépide, le Starland Lancer Max et le Thérapin Médic. Si vous avez euh, sorti ces vaisseaux-là déjà, pourquoi pas le Guardian je sais pas. Peut-être que le Guardian, ils veulent le réserver comme vaisseau pour la 4.0. J'en sais rien. Ce serait un peu bizarre, mais. Mais ouais. En tout cas, concernant la question pure. Euh... Enfin voilà, le, le truc là, c'est de présenter euh, l'IAE comme étant un moment où euh, CIG a attendu en tournant pour euh, ses annonces. Euh, à part des annonces de vaisseaux inédits et peut-être de vaisseaux qu'on n'attendait pas sortis et qui, qui, qui sortent, euh, c'est le bout du monde et euh, ouais, ok, euh, peut-être qu'avec les qui ils, ils ont loupé l'occasion de... De, de... de faire une surprise. Waouh. Bon, c'est pas... Voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Euh, du coup, il euh, n'y a même pas de gâchis entre guillemets, parce que bah, les okay. joueurs, quoi qu'il arrive, euh, auront une surprise dans tous les cas et puis voilà, quoi. Après, Donc, la question ouais. que je me pose... De plus en plus, avec toutes ces années de leaks, etc., c'est que de toute façon, je pense que s'ils ont déjà annoncé, par exemple, avec le, le panel vaisseau de la sitcom, s'ils ont déjà annoncé déjà le nom de l'intrépide, rien que le nom de l'intrépide et du Guardian, à mon avis, c'est parce que toutes ces dernières années, ils ont toujours essayé de le rendre secret, mais il y a toujours les data mineurs, sans forcément parler de leaks venant de sources internes, machin, non, même pas ça, c'est juste des fichiers du jeu, mais il y a toujours des traces dans le code. De tel vaisseau, voilà, du moment qu'ils commencent à tester les salles d'expo, il bah, y a les maps avec le nom des vaisseaux à l'intérieur. Enfin bref, euh, ils savent déjà que c'est un peu perdu d'avance, entre guillemets. Et euh, ils se disent, bon bah écoute, autant que ce soit nous qui anticipons le plus et que ce soit nous qui, entre guillemets, l'exclusivité, euh, la, la primeur de ces, de ces noms-là, on va dire, bah écoute, euh, allons-y, quoi. Ça, ça, ça sert à rien de, de faire poireauter plus que ça. Et en ce qui concerne les ligues concernant les vaisseaux, je me demande si. Alors. Je me demande si ça a vraiment un aspect nocif, véritablement. Même pas. Non. Je me demande même si ça, non, même, non. Si ça même pas un effet bénéfique. Bénéfique, j'en sais rien, mais euh, parce qu'il y a des gens qui vont y avoir, euh, euh, que ça peut, euh, que ça peut impacter négativement, d'autres positivement et d'autres ils s'en foutent complet quoi, donc. Euh, ça fait parler, il y a de l'émulsion, les gens se posent des questions, ça fait monter un peu la hype en fait de, de savoir qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas encore tout à fait, il y a des discussions, ouais. regardez la taille 3 il est passé en taille 4, donc c'est pas plus mal, pas plus mal Oui alors pour le coup ça c'est une discussion qui est apparue suite à l'officialisation oh. du vaisseau donc c'est pas totalement un leak pour le coup c'est... Oui, c'est pas tout à fait un leak, mais c'est parce qu'ils avaient déjà, justement, ils avaient commencé à l'annoncer en amont, euh, qu'il n'y a que certains qui ont pu avoir y, y avoir accès, mais mmh. que tout le monde l'a bien vu, et, et, et c'est pour ça. Alors c'est pas un leak, on est d'accord, mais euh, c'est parce qu'ils ont justement évité euh, les leaks et qu'ils ont commencé à prendre les devants, comme tu disais, pour avoir la primeur, que, que nous on a pu commencer à, à poser des questions et que, que voilà. Et en vrai, en taille 4, moi, je le préfère. Il a une meilleure tête. Je, je trouve pas fou non plus mais il est quand même bien, bien plus sympa. Oui. <laughs> tu veux vraiment parler ouais. de la trépide toi hein <laughs> Ouais. Non, parce que je non mais je le trouvais dégueulasse hein. avec sa taille petite 3 3 3 il y a la con là mais avec une taille 4 genre une Rhino, ouais ouais ouais, il commence à avoir une bonne tête. Enfin bref. Ouais. Sujet suivant. celui commence. <laughs> ça va quoi, c'est c'est parti là. Euh... Peut-être avec un bon skin euh, ça peut le faire. Ouais, peut-être. Ah là là. Mais sinon, euh, ouais, par rapport à cette histoire de bon, les euh, les, les ligues vaisseaux qui, f... je pense pas que ça ait vraiment. En tout cas, en ce qui concerne les vaisseaux, nocif franchement, je ne crois pas. Ça n'a jamais empêché de CJ d'engranger des millions euh, pendant le mois d'octobre et le mois de. C'est souvent déceptif. Parce que tu t'attendais à un truc et au final tu ne le vois pas. Des fois, enfin, comment dire, Les leaks, oui. c'est soit euh, le truc exact, soit tu t'attendais à un truc et tu ne le verras jamais arriver. Et, et ça énerve des gens alors qu'en fait, ils n'ont jamais rien annoncé, en fait, ça, CIG. Oui, non, alors ça, c'est là où le, les leaks peuvent être nocifs. Mais quand ce sont des leaks oui. d'un truc dont on est quasiment sûr que c'est dans les prochaines semaines que ça arrive. Oui, voilà, en gros, les vaisseaux va. de l'IAE, ça va. En termes de génération d'attente, euh, c'est raisonnable. Ça, ça crée une attente plus ou moins raisonnable. Euh, par contre, quand ce sont des trucs qui sont beaucoup plus lointains euh, et qui, dans les codes du jeu, par exemple, c'est écrit en mode tu sais, il y a un P pour faire placeholder, ou work in progress, ou je sais pas quoi. Euh, euh, voilà, il y a par exemple des années, il y avait dans le code, dans les fichiers du jeu, on pouvait avoir des références sur d'autres types de grenades que la simple grenade explosive qu'on a aujourd'hui, à fragmentation. Des grenades de, de stunt de stun plutôt, de, des grenades de stun, des grenades incendiaires, des, des grenades EMP, enfin IEM, enfin, euh, tout ça, ce sont des trucs qui étaient dans les fichiers du jeu, enfin qui étaient dans les, dans les strings, comme on dit, euh, de, de, des codes du code du jeu, à un moment donné, et pourtant ils ne sont toujours pas là. Donc ça veut et dire qu'ils ont bossé à un moment donné sur ça. Mais que ça veut pas dire que ça sort euh, tout de suite. À, ah oui, ça veut dire sortir dans les prochains mois. Non, bah non. C'est... Il y a plein de trucs mais comme ça. Y a, bah, Après, je pense qu'ils ont plein d'idées pour le jeu, mais et qu'ils ont commencé à bosser sur pas mal de choses, mais simplement, ça n'a mmh. pas été peaufiné et, euh... et ça sortira plus tard. Ouais. Parce que, sûr, que différents types de grenades, je pense bien qu'à à... l'avenir, ça sortira. Ouais. Oui, oui, bah, oui, clairement. Encore une fois, de toute, toute façon, c'est même, le... même pas le genre de truc qu'on verra lié à l'IAE, de toute façon. Sa... Non, non, non. Bah non, L'IAE n'est pas un c'est c'est pas un moment de grosse annonce pour, non, euh, non. pour CIG. Ouais, éventuellement le euh, éventuellement ouais, les, là où il peut y avoir des annonces intéressantes c'est euh, l'espèce de célébration oui. live de noël là euh, qui font qui en fait célèbre aussi la, la fin euh, historique de mais qui font même pas forcément la même date en réalité mais euh, où ils font souvent un petit live entre pour euh, donc je veux dire que bah, le studio appartement maintenant est en vacances donc il y aura plus trop d'actu jusqu'à janvier donc juste avant les vacances donc fêter un peu Noël et le Nouvel An faire les dernières annonces et accessoirement ça tombe à peu près au moment où en fait la... le, le, comment le Kickstarter d'origine en 2012 il s'est arrêté et là là à ce dernier live de fin d'année il y a eu des fois où on a eu des, des annonces importantes ont été fois, faites à cette mais même pas systématiquement mais l'IAE non c'est juste c'est un moment où voilà ils vendent des vaisseaux point ça. et puis c'est une semaine c'est ça fait partie de deux ou trois fois dans l'année où du coup les gens peuvent tester le jeu gratuitement pendant une semaine voilà c'est ouais. surtout ça hein, l'IAE donc ça euh, aussi, ouais. tous les vaisseaux et tout même tout avoir accès en à, à nous, tous les vaisseaux euh, game mmh. oui c'est ça voilà donc, euh, donc ouais euh, donc, le risque que ces ligues génèrent un flop pas vraiment tant que ça euh, par contre après peut-être que du fait de l'enthousiasme par rapport au projet à l'heure actuelle et à, je sens comme beaucoup moins présente que l'année d'avant dans la même période l'année dernière vous vous en souvenez on était dans la ride de la sitcom tout ça les 12 mois machin ce genre de choses enfin, ça, ça y allait euh, or, euh, là, on, là, on est un peu plus dans, un, dans une hype euh, plus basse. Je pense que ça, il y a un moins grand enthousiasme. Il euh, y a peut-être l'annonce de la sitcom, il y a peut-être aussi euh, euh, l'ingénierie qui a été décalée de la 4.0 aussi qui en a pris un coup. Euh, voilà, l'état aussi de la jouabilité de la 324.2 qui n'aide pas, pas du tout. Euh, voilà, donc... Euh... Et euh, bon, à voir. Euh... Parce qu'il y aura sûrement un concept. On peut très facilement deviner que c'est du handville vu que c'est le dernier jour de l'expo. Et euh, merci de ne rien leaker par rapport à ça. Parce que oui, il y a eu des leaks par rapport à ce, ce concept-là. Merci de ne... Hein voilà. Ça au moins s'il vous plaît, abstenez-vous. Gardez-le pour vous. Mais euh, sinon... Courant, euh... Et je suis content. Voilà. <rire> <rire> enfin bref. Donc euh, voilà. Ouais. de toute façon on a fini le on a fini le chrono donc bah, je pense qu'on ouais, peut passer à la ça. question suivante. La question suivante donc eh bien elle est prête. Bonjour, à quand l'intégration de la P8 Assault Rifle donc P8 AR dans le jeu Alors je te réponds ça tout de suite, c'est déjà fait. C'est déjà intégré. Euh, pour les personnes qui ont acheté le pack de goodies euh, Petitcon bah on... on peut déjà les personnes peuvent déjà y jouer voilà. Mais il n'y a pas encore la possibilité de l'acheter game et la question suivante, qui est là pour le coup, peut-être nécessitera un petit peu plus d'explications, de, et la possibilité de claim ses armes et armures lors de la mort. Merci. Voilà. Eh bien, moi je Aire ne peux absolument jeu. rien dire. Voilà. Donc c'était ma seule intervention pour cette question. Je vous laisse euh, discuter. Pour la p 8 en jeu, je l'ai essayé, j'aime pas du tout. Pour l'instant, je ne l'aime pas. Elle a pas du tout le rendu que j'aurais imaginé. Elle est en semi. Par rapport à une FS9, je prends la FS9 tous les jours. Euh, après, en style, elle est sympa. C'est tout ce que je peux dire. Après, pour le fait de Reclaim, euh, ils en avaient parlé à une époque, mais on pouvait le faire. Mais c'est pas revenu ça, non Non, c'est le truc que tu as acheté. Alors, c'est pas revenu, ça n'a jamais été implémenté dans l'absolu. Ah oui, ça n'a jamais euh... été implémenté, mais ils en avaient bien parlé à une époque. Hein. Ils en avaient bien parlé, il y a euh, deux versions. Alors, pour le coup, à, à la sitcom, euh, c'était Tyler qui avait parlé en fin août que euh, tout ce qui est récupération d'objets uniques, appellent, fin, ça, ça inclut les objets, tout ce qui est payé avec de l'argent ouais. réel, quoi, en gros, ce qui est tout ce qui est actuellement dans votre compte, objet tout ça. Euh, ça ferait partie d'un sujet plus global, euh, voilà, etc. C'est pour ça que moi, personnellement, je disais que l'assurance sera un aspect qui sera abordé. Bon, ça a été abordé, mais pas autant en détail que je l'espérais avec le panel de la 1.0. Euh... Du coup, je vais mentir moi-même et intervenir en disant Je suis d'accord avec toi. Voilà. <rire> <rire> euh... La... Ils avaient montré des bornes de récupération. De... Je pense que c'est à ça qu'ils parlent. À Alors, ça qu'ils parlent, on est d'accord Oui, les, les items banques, mais ça va utiliser ouais. les items banques. Mais, mais oui, c'était, mais ça n'a pas... pas été repris. Il y a une news quand même. C'était lors du Star Citizen Live le premier, là, celle de reprise post sitcom avec l'équipe de tout ce qui est créatures et caractère enfin personnages, comme donc avec Zach Price, et etc. Et il y a eu une question sur ça justement la récupération d'items, sub, pledge, etc. Et ce qu'il disait, c'est que, ce que tous les items sub déjà, vous aurez le blueprint. Quand les blueprints seront implémentés. Mmh. Vous l'aurez dans votre. Enfin, ce sera lié à votre compte. Ça Vous l'aurez, vous n'avez pas à looter, vous n'avez pas à le chercher, vous l'aurez. Donc, par exemple, vous possédez. Enfin, je suppose que ça marche aussi pour les packs de goodies. Euh, vous avez le pack de goodies euh... enfin, et vous avez le P8AR dedans. Mmh. Bah, vous pourrez, si vous le perdez, le crafter pour le réavoir. Mais ils ont rajouté que ça ne remplaçait pas l'assurance pour ces objets. C'est deux systèmes différents. C'est qu'en plus, donc vous avez la possibilité de recrafter si vous l'avez perdu corps et bien ou parce que vous n'avez pas payé l'assurance, je ne sais pas comment ça marchera. Mais ou sinon, vous avez la possibilité de faire marcher l'assurance pour récupérer l'objet sans avoir besoin de le crafter. Voilà. C'est la dernière news qu'on a eue par rapport à ça. Et elle date d'il y a deux semaines. Euh, par rapport donc... Euh, à ce sujet, donc avec euh, ces actrices qui avaient répondu euh, sur ce sujet-là et Jared aussi. Donc euh, voilà, vous avez donc deux options pour récupérer vos armes que vous perdez, enfin vos armes achetées IRL euh, liées à votre compte assurance, craft. Voilà. Et j'ai oublié d'activer le timer, mais bon, je suppose que là, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus, à mon avis. Bah moi du coup, j'ai rien, euh, rien de spécial à dire sur la, sur la question, donc... Ouais. Oh là là, le, le bot plus ça là qui me, qui me spam encore de MP, mais pourquoi Parce que... Pardon, désolé. Et je pense qu'en fait, ça a créé des timeouts et je pense que ça sature le serveur à mon avis, le bot. C est, c est, c est, je pense que c'est ça. Si the salmon est toujours là, je sais pas si t'es là the Sammon, si tu nous écoutes, euh, mais ça, je pense que c'est parce que le bot nous spam, tout spam tout le temps. Parce que il y a quelqu'un qui a cliqué sur une croix, tu sais, pour rejeter telle ou telle question. Euh, ben, le, le bot nous spam de MP pour euh, voilà de, de donner la raison, donner la raison. Et au bout d'un moment, ça time out. Et je pense que c'est ça qui fait cracher le bot. Voir enfin, son, son, ouais, son port d'écoute, de... mais par contre, moi je j'ai arrêté ça donc je dis côté, c'est pas moi qui est en qui problématique. Non, mais moi je l'ai eu. voilà, j'en ai eu encore euh, 17 messages de. Décrivez de, 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 la raison, s'il vous plaît, euh, 60 secondes en parenthèses ouais. parenthèse. Donc, si vous... <laughs> et au bout moment, time out. Donc, euh, non, non, c'est. Enfin, bref. Il y a un souci. Il y a un souci, voilà. Oui. C'est comme la 4.0. C'était bien, on est, dans, on est dans le thème. On est dans le thème. <laughs> Notre bot a des codes 34. Alors. <laughs> Question suivante aujourd'hui donc de Jean-Janus, pas point. Et. Ah. Je... Mais je te laisse l'exclusivité de faire cette blague Stalker la prochaine fois, n'est-ce pas <laughs> voilà. Aujourd'hui, c'est classique, voilà. Jean-Janus, pas point. Et pas donc... Pas. Tu ne pas t'en empêcher, hein Non <laughs> je, vais vraiment, je pense vraiment que je vais mettre des jingles pour les personnes qui posent des questions de façon régulière. Je ne sais pas comment je vais m'en organiser, mais je pense vraiment que je vais le faire. Alors, j'ai déjà en plus un jingle. Attendez. Et je crois qu'il est. Il est pas là. Non, c'était ici. J'ai. C'est celle-là. Waouh! Ah oui, bête. <laughs> vous vous souvenez de ce son Alors, je, sais pas, je crois que Kyonest était là. Mais InsoSama, je pense. Euh, je sais pas. C'est ce son-là. Waouh! Ah, <laughs> ça me dit rien du tout. Ah. Waouh! <laughs> bah, c'est Stalker qui a fait ce son-là. <laughs> ouais. Je ne sais plus pourquoi on parlait d'un truc. Ouais. Ah, ah, The uh, salmon qui dit LOL, il signait avec ça si tu voyais la gueule des logs. <laughs> ah, bah tu m'étonnes, les logs, devaient être écrasés, c'est un truc en tout fond. Ah, ah oui, oui, oui. Voilà. Donc, euh, voilà. Euh, Comment donc, dire euh... Question de Jean-Janus, pas point. Donc, ouais, <laughs> The en mode bonhomme au séjour actuellement. Allez, c'est parti. Donc, euh, la question Regardez les silhouettes de vaisseaux de la sitcom. Je pose qui parle de cette année. Il y a un vaisseau qui ressemble à l'intrépide, mais en pas pareil. J'ai pensé à Knou ou à Anvil, à votre avis. Ouais. Eh ben, non. je. Je suggère que l'on regarde euh, tout ensemble. Ouais, euh, voilà, euh, déjà, oui, voilà, déjà, ça se passe ça va un... yes. <laughs> oui, mieux. Exactement, donc je vais. Euh... Le plein, là, non Pardon Je sais pas où. Le vaisseau plat C'était quoi la question C'est lequel de vaisseau euh, euh... Les silhouettes de vaisseau, il y a dit mais c'est tout, il n'y a pas... Oui, mais les silhouettes, de... on est d'accord que c'est les... les silhouettes bleues, parce qu'il y a que les bleus, ou il y a encore... Ah oui, il y a euh, ceux-là, oui. Oui, oui c'est euh... les bleus, hein. enfin, Je pense. Attendez, il faut que je retrouve sur le bon. Donc ça, c'est le... pour l'IAE, ça, c'est le Polaris. Et voilà. Les 12 prochains mois, alors, juste, que l'on soit bien clair. Ce sont les vaisseaux sur lesquels ils vont commencer à bosser les 12 prochains mois. C'est pas les vaisseaux qui vont sortir mmh. les 12 Alors. prochains mois. Très important. Et donc on va y aller, visionnons tout ça. Hein donc ça, c'est le CSV FM, donc euh, la variante drone du CSV. Je pense que là on est tout le monde euh, d'accord. Excel euh, gratuite, c'est ça. C'est ça. On est d'accord voilà celle ci ça pour le coup je crois que c'est une... un châssis nouveau ça pour le coup c'est inédit on n'a pas de vaisseau enfin, on n'a pas de véhicule de ce genre non. donc euh... like, j'aimerais bien on verra c'est peut-être mm. un peut ouais enfin en tout cas il a de gros de bons gros pneus euh, voilà on... on voit bien avec ouais. les... Les... les stries donc, sur le côté pour elle hein. sur le toit il y a une tourelle sur le toit mais c'est un, un Grey 4, hein. c'est les feux d'un Grey 4, hein, c'est sûr. C'est un Grey Oui, c'est un Grecat. Et il y a même eu des data mining de Grey 4 récemment. Mais je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas, je, je pas au-delà. Voilà. Oh, Ou des bon, chenilles, bon. oui. Ça, c'est une plateforme Atlas. Donc, oh. genre Spartan, oui. Centurion, machin. C'est euh, pas la version euh, de construction il y a des personnes qui disent même... qu'au vu de sa tourelle, non. etc., ça peut pas être. Ouais, une tourelle ah... quand même. Après ça... Pas très quoi. Après, ça peut être une tourelle de défense avec donc un module oui, pour construire ça. derrière, mais bon. Ça peut. Oui. Parce qu'après, il y a, y a la construction militaire aussi où tu peux avoir, euh, pas forcément à créer des tranchées, mais créer des ponts ou créer des tourelles sur un terrain, on va dire, entre guillemets, un peu euh, compliqué où il faut quand même pouvoir te défendre pe pe pendant que tu mets tes tourelles. Ça peut ouais. pas être débile non plus. Je sais pas. On ouais. verra bien. C'est ouais, ça c'est un truc à voir. Attends, stalker, voilà, je t'ai augmenté un petit peu parce qu'il était un peu faible chez moi. Euh... Ouais, Excuse-moi. Non, non, mais c'est na... normal. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. Euh, donc voilà. C'est mon micro nul. <laughs> oui, bon bah c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est une plateforme Atlas. On verra bien ce que ça donnera. Passons à la suivante. Ça, c'est les variantes du Hornet Mark II. Donc, bon, ça, c'est pour l'IAE. Donc, ça, il n'y a pas de surprise. Ça, c'est aussi... un ghost et un tracker. Et un tracker. Donc, bon, ils y sont déjà, d'ailleurs, dans, dans le page ouais, ils sont notés. Euh... Ça, c'est le thérapin médic. Donc, ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Qui me chauffe beaucoup, pour le coup. Ça, c'est a priori pas le gardien. Ça, c'est peut-être le, ah, peut le Guardian. Ah non. Alors, ça y ressemble. Mais en fait, c'est est bizarre qu'il soit aussi là. Il est. De côté, il avait l'air d'avoir, dire, cette espèce de quatre pattes là, d'être beaucoup plus fine. Là, il a l'air énorme, Donc, comme s'il avait gonflé. C'est bah, peut-être qu'il a gonflé je dans sais... sa production. Hein, J'en sais rien aussi. Hein, ouais, peut-être, peut-être. Voilà. Ça pour le coup. Euh, voilà. Peut-être. Peut euh... Oui, ce serait pas la première fois qu'il y a des petites modifs. Euh... Alors attends. Euh, notez le devant du véhicule. Tu parles de. Ouais. Je ne pense pas qu'on y, y soit déjà à ton, à ton vaisseau qui ressemble à l'Intrépide, je crois. Enfin, je ne pense pas. Pardon. Donc là, on a un vaisseau MISC qui est très ressemblant à un prospecteur mais dont on pense que c'est une variante ou un vaisseau à part de recyclage. Il y a son nom, un misque de scrap, un truc comme ça, non Il y avait un nom mais vu que c'est toujours encore du leak dataminé et que je crois pas que CIG l'ait officialisé, je, ouais. je vais m'abstenir de, de dire quoi que ce soit. Euh, merci, mavriquet. Attends, pour le coup là, le premier. Euh... Il... Ils n'étaient pas, c'était pas écrit justement sur leur liste des vaisseaux qui arriveraient. Non non non. non Parce qu'il n'y avait pas de prospector slash misc comme ça. Non non. Ah ouais, il y a une soute arrière. C'est ça. Ouais. Il est bas... il est gros hein, il est gros. Mmh, Je sais pas si c'est es plus gros, gros que le prospector. C'est peut-être, euh... c'est peut-être un biplace salvage. C'est pas impossible vu qu'il y a deux personnes. le voilà. Donc. Euh... Mmh. C'est donc... ouais, gros pour un biplace. Enfin. Pas forcément hein. Je veux dire, quand on voit les C1 ou etc. maintenant qui sont des biplaces. Euh... Enfin bon. Voilà. Avançons oui. en tout cas. Euh, C'était celui-là. Ouais, le tout plat. C'est celui-là, le tout plat. Bon, on va, va l'appeler le, le tout plat d'ailleurs. Il va s'appeler comme ça le vaisseau. <laughs> ah, ne pas confondre avec le multiplat. Exactement. Exactement. Merci pour cette blague. <laughs> c'est un plaisir. Euh, donc ouais, tu disais donc, attends, pour reprendre la question, on va revenir à la question. Je rapido. Ah oui, Re... c'est vrai qu'il y avait une question à la base. <rire> <rire> Il y a un vaisseau qui ressemble à l'Intrépide, mais en pas pareil. J'ai pensé à que nous, ou ah, oui, hein. à votre avis. Voilà, c'est ça sa question. Donc c'est lui. Ouais. Exactement. Euh, je reviens et je crois que J'ai pas copié-collé le truc. Donc je vais vous mettre maintenant. Tiens. Voilà, c'est fait. Donc, bah là, on peut vraiment que spéculer. Hein. C'est pour le coup. Euh... Ça, il est très ouais, plat. Une signature coup, générale. Est... Une... Ouais. Ça, en fait, il y a un truc qui peut faire penser à Duquesne, c'est son pied à l'avant. Ici, vous voyez là sur, euh, sur le côté gauche. Ça, il euh, y a des personnes qui ont noté une grande similarité avec euh, des structures du païonir. Euh, par exemple, euh, bah, on a eu des, on a des, des images du pionnier à l'intérieur. Euh, attendez, vous voyez là. Ah. Voilà, ici, par exemple, vous voyez des structures comme ça, diagonales, euh, avec. Euh, Pardon. Voilà, des, des, des ouais. structures comme ça, je ne sais, sais pas comment. Voilà, des, en diagonale, quoi. En... Et euh, quand on compare. Il euh, y, y a un truc que je n'avais pas vu. Il y a une espèce de structure comme une grande aile sur le côté gauche, vous voyez, devant le cockpit. Oui, il y, un... y a un truc là, ici, là. Euh... Oui. Oh, je vois pas... Oh, sur, la gauche, ouais. là, sur la, la gauche, ouais. Sur la gauche, ici, là, ouais. Je, je sais euh... pas si c'est une aile, mais... Ouais. Il y a quelque chose. A... Si tu avances un peu ou tu ralentis, ouais, ça devient un peu plus net, mais je... je... Attends, voilà, hop, ici. C'est peut-être juste une... quelque chose de décoratif aussi, hein. ouais, voilà. les CIG ils sont assez euh, ouais. friands de ça. Bah, c'est super, super pointu en tout cas et très fin. Par contre, il a un ventre très proche du sol. Oui. C'est limite, on voit limite une tourelle en dessous qui limite te touche le sol, c'est un peu bizarre. Mais... Ce euh... le vaisseau que je vois aussi bas, ce serait le Corsair ou les trucs comme ça hein, de chez Drayen. Je dirais un Andeville ou RSI, RSI, je pense pas. Ouais, c'est difficile à dire. RSI, moi je pense pas. Sinon, il est un peu des lignes. Non, en tout fait, est... enfin, la, la forme a l'air d'être vraiment simple. Il est très, très linéaire, droit... Ouais, c'est ce de... que je veux dire. Ouais. Il, y il de... est slick. Il n'y a pas de voile au-dessus. Alors, euh, Kyoness et Costalker, votre voix commence à se robotiser. Je ne sais pas si c'est un problème avec Discord. Je suis en train de voir. Ah ouais Ouais, ouais je n'ai aucun problème. Je les entends bien. Donc, c'est de ton côté. Ouais. Attendez. Ouais, Ouh, je viens de me rendre compte que tu t'étais embêté à binder les caméras sur cette, euh, sur cette scène. <laughs> oui, youpi <laughs> <laughs> GG. Euh... Euh... Attendez, je vais imposer une région. Il y aura une petite déco. Un vaisseau de dropship. Très bas pour faciliter le déploiement et la mise en place des véhicules. Ce vaisseau de dropship, c'est censé être pas... armé. Bah ouais c'est ça. Je suis d'accord euh, qu'il devrait être armé un petit peu. Or là ouais. on a vraiment aucune tourelle. Enfin en tout cas on voit aucune tourelle hein. Ouais si voilà, parce a, que ça serait... se trouve. pour le côté, ouais. comme il est très plat, ça serait peut-être sur le côté du coup. Non, où c'est caché euh... et en fait euh, c'est dessous. Voilà. Ah, en Des fait, dessous, comme c'est en ombre ouais. chinoise, hein, tu peux pas le voir, mais ça se trouve c'est un peu latéral dessous. Et sur un dropship, ça c'est totalement plausible parce que mm -hmm. ce que tu viens surtout protéger, c'est le dessous pour euh, ouais. pouvoir euh, canarder la zone pendant que tu déposes les mecs. Mais euh, bon. Voilà, bon. Après, voilà. c'est juste un argument. Ça ne veut absolument pas dire que je pense que c'est un vaisseau dropship. Voilà. Hein. Donc, ça c'est le bébé corsaire. Mais oui, moi je veux savoir qu'est-ce que c'est ça. Il m'intrigue de fou. Ouais, il est... Bon, il est, un petit peu difforme quoi, comme voilà. le bon, On euh... sait pas où est le cucu, on sait pas où est la tétette. <rire> <rire> bon, bah, est quand même, il est quand même, c'est assez clair et net. on voit le cockpit devant. Ah, ouais. Bah, on voit le cockpit devant ah, bah, avec oui. les deux petites toupiotes Et t'as l'arrière. Euh, ils sont tous oui. dans le même. Et en plus, ils sont tous dans le même sens. Donc, cherche euh, ouais. <laughs> pas. Ah ouais, ça c'est plutôt. C'est plutôt clair, hein. Ah oui. C'est oui. <laughs> une éolienne le machin. Après, <laughs> euh, après Stalker, si toi t'as des idées tordues et que t'arrives pas à voir où il est le cucu et la tête, euh, c'est pas un problème de CJ, hein, faut le savoir. <laughs> euh, ça, on avait dit ça. Prêt, mais c'est pas grave. Ça, ça, je crois que c'était l'apollo. Ouais, ça, c'est l'apollo, ouais. ouais. De cet ouais, angle, hein. de, de cet angle, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça l'apollo, mais je... il y a très forte chance que ce soit celui-ci. Il n'est pas à l'aise en vrai. Ouais. Ça, c'est le Star Lancer euh... Tac. Pour le coup et donc voilà la variante euh, là. Oh. le Perseus. Ah. Oh mais vous. Ah oh, ouais, le Perseus. L'ironclad. Mm, oh mais vous. <rire> <rire> euh, Et On ça c'est la et ça c'est la variante de base parce qu'il y a qu'une seule tourelle sur le côté à l'avant. Voilà. Tout à fait. C'est pas l'assaut. Et le Pioneer. avec un le... hornette qui décolle. Euh, donc euh... Et je crois que c'était tout. Voilà, c'était tout. Pour info, euh... que sur le net, là. <laughs> Et donc ça normalement, c'est les vaisseaux qui sortent dans l'année quoi. Non. Je le répète. C'est pas des vaisseaux qui sortent <laughs> dans l'année, c'est des vaisseaux sur lesquels ils vont commencer à bosser l'année prochaine. Enfin, cette année là, les 12 prochains mois. Alors, il y avait écrit, il y avait bien écrit dans les 12 prochains mois, mais si tu l'écoutes, il dit que ils vont, ils vont travailler, le travail va avancer ouais. dans ces 12 prochains mois. Ou ouais, commencer, vraiment... ah, avancer ouais, ou commencer le monde de salaud. Ah ça. Il ah, y a beaucoup de personnes qui l'ont mal compris justement. Tellement c'est... Parce qu'ils ont enchaîné les, les, les ombres oranges de l'année dernière et les ombres bleues. Euh... Voilà quoi. Enfin, ah. les, les devs, ils, 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 ils savent, ils savent peut-être développer, mais putain pour communiquer, punaise, mon hein, dieu, hein, des fois c'est quand même c'est l'inverse, ils savent communiquer. Voilà. C'est juste qu'ils euh, n'ont absolument pas pour intention euh, de réellement euh, communiquer comme tu aimerais. <rire> ouais, <laughs> c'est me... extrême. Tu veux dire que les développeurs de CG seraient des menteurs à pire que ça. Ah à Pire que ça. Eh, hey, tu vois, Stalker, lui, te il te Lui, au moins, il l'assume. <laughs> okay, mais j'ai pas. J pas y a, je <laughs> te charrie comme les bœufs. Euh, mais voilà, voilà, ça, c'était mon argumentaire. <laughs> Quel argumentaire oh non, de qualité oh non, On t'apprécie, hein. <laughs> Voilà. C'est gentil. <laughs> Et moi, je rajouterais, on t'apprécie quand même. Donc, alors, <laughs> je suis méchant. Alors, euh... le temps bah qu voilà. que je. Remet... Du coup, tu vois tes conneries, t'ont fait perdre ton latin. C'est terrible. <laughs> non, c'est surtout que ça, euh, voilà. C'est pour ah, les. Un dictionnaire pour retrouver tes mots. Non, 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 c'est bon. Non, Merci. Il, faut, il faut trouver un moyen <laughs> de copier-coller les questions plus rapidement. Ouais. C'est surtout chose. ça. Et puis surtout, bon, on m'appelle ouais, l'encyclopédie, ouais. donc je euh, n'ai pas besoin dictionnaire. L'encyclopédie. Suis... <laughs> <L> l'encyclopédie, <laughs> <On> <laughs> <laughs> Bref, allez, question suivante de Lucky Stars X. Bonjour. À quand un système de. Quoi? Ah bah si, c'est ah la... si, le claim pour de les armes et armures pour, pour l'ordre de la alors la... C'est ça, c'est pas la même personne. C'est pas la même question. Mmh. C'est enfin, le... la même question mais pas... Mais pas la même personne, voilà. Ouais. Voilà. La question se ressemble beaucoup mais... C'était ouais. On oh, n'est on, 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 on pas la même personne mais on a la même question. Voilà, si vous avez la rêve de ça... <laughs> j'ai pas la rêve mais j'ai pas la rêve en beaucoup de choses alors oh, euh, en tous les cas euh, c'est pas compliqué. Alors, année 2000... Euh, ligue de football professionnelle, arbitre, publicité, voilà, comme ça. Ah, on aurait <laughs> été très loin. Okay. Voilà. Ah, on n'a pas le même maillot, mais on est sur le même terrain, un truc comme ça, non, non. Mais on a la même passion. On a la même ah passion, oui. Ouais. du coup, il ouais, fallait avoir les mots exacts <laughs> déjà en premier. Mais... Oui, je l'ai un petit mais peu Oui, la tournes. question, c'est à peu près la même, mais. Euh... Ouais, donc coup, on va, va pas. Genre, on va Ouais, on va Ou pas y coup revenir Du tout ça. Du ça. ça. Ouais. Ouais. Donc euh, bon bah, vu qu'on a déjà répondu, on peut passer à la question. Suivante. Et là, il faut que... Voilà, vu que... Et je pourquoi fait... cet accent de merde <rire> 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 Il y a de faire quelque chose, c'est déjà ça. Ce que c'est comme ça. Vélo, lui, il s'amuse à faire des trucs. Ouais, je m'amuse, je m'amuse. Mmh. En plus, suis je, vois je vois, je vois que... Le... Je vois que le Lucky Star, il a une couleur différente. Ça veut dire que tu as deux textes différents. Ouais. Mmh, ouais. Alors, non, non, ça pour le... Oui, enfin, oui, enfin, je... je... J'ai voulu être, bon, être un peu fancy. <laughs> euh, voilà. oui, oui, J'assume pas, <laughs> mais euh, quand même, en vrai. Voilà. Allez, question suivante. Question de Mamelon Céleste. Exactement. Selon vous, quelle variante d'un ancien vaisseau pourrait faire du base building C'est ce que je vais dire. <laughs> le Caterpillar. Euh, le caterpillar ah, c'est pas cool. Ouais. Ça sur le principe, c'est pas bon, con, sachant qu'en oui. plus, il est modulaire et il peut transporter du fret. C'est vraiment pas con. ouais L'Endivore... Ah ouais, il y a... les... les vaisseaux... Ouais, un module un sur son... l'Endivore, ouais. De gros cargos, des choses comme ça. Oh, ça alors peut... déjà qu'ils arrivent à sortir les autres modules sur l'Endivore avant de commencer à en rajouter s'il vous plaît. <laughs> alors, l'Endivore, la problématique, c'est qu'il n'y a qu'une seule partie du vaisseau qui peut être, euh, atterrir sur Terre. Ah, c'est vrai. Mmh. Ah, ouais, bah du coup, ouais, ça complique. Euh, ça pourrait marcher oui, mais... pour les stations spatiales. Voilà, <laughs> c'est ça. Mais vu qu'ils ont dit que ce serait le Pioneer qui serait le seul à le faire, bon, je sais pas. Ouais. J'en sais rien, c'est un peu. À bizarre. mon avis, ouais, c'est mort, ouais. 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 Euh... Sachant que, bon, bah, le Pioneer arri arrivera plus tôt que les Divor, de toute façon, donc ça, on est, on est assez sûr de ça. Mais sinon. Euh... Un Karak peut-être aurait plus de. Il oh. y a des drones en plus sur le Karak. Ouais, un Carac ça aurait du sens totalement. Ouais. En tout cas, euh, pour jusqu'à une certaine taille, on va dire. Ouais. Parce que comme c'est un vaisseau d'expédition, ça lui correspond bien. Il y a Maverick qui parle du Reclaimer. Oui, c'est, oui, j'ai entendu chercher non, mais le nom, c'est bien la grosse baleine là, le Reclaimer. <laughs> Ouais, ouais. bon, c'est un, un, plus... un gros. Moi je le vois plus comme une grosse tarentule. Oh, hein. hein. tu, 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 tu vois une araignée, une tarentule. Tu vois ouais, ça, les, tarantule. les araignées, tu vois l'arrière la, 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 du corps. Voilà, c'est ça. C'est bien, c'est Reclaimer, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Exactement. Mm. Euh, ça peut l'être, même si je pense que s'ils veulent faire des variantes ouais. du Reclaimer, je pense qu'ils ne vont pas y bosser avant qu'ils aient véritablement fait un gold standard dessus. Ouais, c'est clair. Parce que son intérieur est tellement vieux que je pense qu'ils vont y retoucher un peu comme le Starfarer, à mon avis. Il y a plein de vaisseaux qui ont le potentiel d'avoir des modules ou une variante installation de base. La mmh, problématique, ouais. après, c'est euh, il faut qu'ils fassent un choix. Parce que tous ces vaisseaux qu'on vient de citer, ils ne vont pas avoir tous des modules de, ou des variantes de, de construction de base non mmh, plus. Non, bah non. Euh, Après bah, pour le là, ça peut vraiment euh... se tenir. Sinon, il faudrait vraiment des vaisseaux. Ouais, ouais moi le cater. Assez gros le déjà, jeu... de base, des, de gros vaisseaux déjà. Mais... ouais À voir. Le jour où ils nous annoncent des modules pour le cater, je suis comme un fou. Hein. Oh. <laughs> mais euh, peut-être des modules sur un... Euh, sais, ça serait vraiment extrêmement niche, mais comme je disais, un, un vaisseau furtif comme le RETA. Euh, qui permettrait d'aller sur site sans se faire voir pour commencer à construire des trucs. Il, ré... il est toujours pas. furtif aujourd'hui, le retard Oui, il l'est. Ouais. Il ah, est, hein. ouais. ouais, ouais, il a des modules de furtivité. Des modules de furtivité et, euh, des il modules de ça. Enfin, des... il a des modules, tu peux lui installer des gros modules de furtivité. Enfin, tu sais, des composants, ce que tu des composants de furtivité. Ah, oui, mais ça, c'est un peu comme tous les vaisseaux, pour le coup, non euh, Oui, mais là, vraiment, lui, il était été designé il a une ligne spéciale pour ça, pour tirer des torpilles. Enfin, ouais. j'espère. Oui, Agronac, oui, euh, Rick Lamer, Nostromo, oui, on peut éventuellement faire ce, ce parallèle. Oui, le Nostromo, bien sûr, oui. Ouais, mais elle a dit qu'elle n'avait pas de rêve. Ouais. Non, mais attends, c'est pas parce que... Oh, Moi, je n'ai aucune culture, franchement, non, mais euh, vraiment, je n'ai absolument rien. C'est pas parce qu'elle est née... Enfin, a priori, t'es née après 2000, je suppose euh, Oui, mais j'ai vraiment... Enfin, j'ai vraiment voilà. aucune, aucune culture, vraiment. <laughs> voilà, c'est... Dans ce cas-là, ça veut dire que tout, euh, toutes les personnes qui sont nées après 1815, ils ne devraient pas avoir l'arrêt de Napoléon. Non, c'est qui Napoléon <laughs> euh, C'est le, le cochon, Napoléon. C'est oui, lui qui a bah, créé le saint hélène c'est ça C'est ça, exactement. Oh, 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 elle est bonne, celle-là. Ah, là, là, je, là, je valide. Alors, dans ce cas-là, je pense qu'au lieu de faire la, la caisse claire... Ah bah non, ça ne marche pas, donc euh, on va se contenter de ça. 7 c'est pas nécessaire. Euh, oui, je pense qu'on a fait un, un, le tour de la question là, c'est parce que après on a vu que des gros vaisseaux mais il euh, y aurait peut-être moi ce qui me ferait marrer ce serait un, 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 un dragonfly euh, qui permettrait d'avoir au lieu d'avoir quelqu'un à l'arrière, tu as un espèce de module qui permet d'ouvrir pour créer que des petits trucs, genre des petites tourelles manuelles ou des trucs comme ça. Ouais, un petit où top, hein. Oui. Où est-ce qu'il va chercher ses idées lui <laughs> c'est euh... pas mal, hein. t'es sûr que tu veux ouais. pas essayer de postuler chez CIG toi ah bah, de, bah, fa... de, t... de toute façon, je pense que toute personne au sein de la communauté euh, Peuvent postuler chez oh, CIG parce bah, que, bien sûr. évidemment, ce que propose la communauté est mille fois mieux que ce que font les devs. Mm. C'est très connu. Évidemment, c'est. Ouais. Voilà. D'ailleurs, <laughs> les meilleurs conseillers pour euh, la création de. que ce soit des films ou tout support globalement, en fait, c'est les consommateurs. Généralement, quand écoutes les bon. mecs à la sortie du cinéma, tu sais faire un bon film. C est, c est... Ils sont de très bons conseils, ces gens-là. Et quand écoutes les joueurs, tu sais comment faire un bon jeu. Après, voilà. ce... Après bon, selon le studio ou le média, il y a vraiment des, des studios ou des boîtes où on se dit que franchement, des fois, euh, les fans seraient peut-être à même de faire de meilleurs films ou jeux vidéo que... que les personnes qui y travaillent. Enfin, en tout cas, les personnes qui dirigent le truc. C'est bon. pas gentil pour Ubisoft. Oh. Ah, je, 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 je ne visse personne et je parle de divers <laughs> médias, films, jeux vidéo, tout ça. Oui, oui, oui. oui, oui. On va voilà. arrêter de taper sur les gens gratuitement. Voilà. Mais bon, après, tout ce, On si... ce après... qui est ici n'engage après... que nous. Après, est-ce que après, est que... <laughs> après, est, que si est dans cette catégorie okay. Bon bah. Si vous détestez le master mode, peut-être que vous mettrez CIAD dans cette catégorie. Parce que peut-être que vous, vous pourrez proposer un meilleur modèle de combat. Voilà. Et je ne vais pas aller on plus fait... loin parce que les, mas... parce que les master modes, c'est notre conflit israélo-palestinien à nous. C'est ouais. quand on l'évoque, on s'y fait, fait. On s'y fait. Comme le conflit, ça. Non, allez, j'arrête. Donc, non, non. Mais les, les nouveaux cockpits aussi, ils sont difficiles à lire des fois. Je trouve qu'il y a certains trucs qui ne sont pas pas optimum. Alors, mais C'est pas, sait... pas les masters mode pour le coup. Ça c'est encore autre chose. C'est encore. Le... Ça c'est les interfaces. Non, mais c'est le, le pilotage quoi, bref. Enfin bref. Enfin, ouais. euh, Qu'est-ce qu'on qu va pas les... Truc rigolo. On... <laughs> Je sais pas si vraiment. Bah, on a peut-être fait le tour tout bêtement. Voilà. Je sais pas. moins à, à moins que Quesne veut rajouter quelque chose. Non, du tout. Très bien. De toute façon, ouais, voilà. on a fait le tour des, des vaisseaux anciens qui pourraient éventuellement avoir une. Voilà. Pardon, désolé. Yes Ah, le galaxy, ça serait marrant, non Oui, mais c'est pas un vieux vaisseau. Non, mais je blaguais, Audi, je blaguais. <laughs> non, mais, voilà. mais il te répond premier degré. Alors, alors, alors quest alors, que alors, hein alors, le galaxy, c'est notre conflit ukrainien. Voilà. Ah, ouais, ça, ouais. <laughs> ah, ouais, ça, ouais. Alors, euh... boum, 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 boum. boum. Et ça, fait... Ah, et ça fait bim bam boum mon Dieu pourquoi j'ai cette chanson dans la tête alors oui. My God <laughs> de, de de trop longtemps Ah oh, le Herald <laughs> non mais on va arrêter là <laughs> je pense que c'est bon moi aussi t'en euh, as marre qu'on te mette des musiques dans la tête euh, résiste hein. prouve que tu oh. existes Oh mon Dieu <laughs> oui comme on disait en électronique soit un homme résiste <laughs> ah, elle est bonne ah. je suis mignon. Bah bon, donc alors, question suivante, donc de. Ouais, il est temps là, parce que je, je sens euh... que tu t es, t es en train de. <laughs> ouais, On est je en train que... de te perdre là. Voilà. Question suivante, donc de cruel amalgame. Bonjour. Un PDC de prévu sur le gladiateur, comme à l'origine. Un PDC, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, je PDC, sais ce que c'est, mais pas les, ça. C'est les Point Defense Cannon. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Ce sont, en gros, ce sont les petites tourelles automatisées qui sont collées au Polaris, au 890 Jump et aux Constellation Phoenix pour le moment. Sur le Perseus aussi, il est censé y en avoir aussi, la Ouais. Quand il sortira. Ouais. Ok. Ok. Un PDC prévu sur le ouais. Gladiator. Euh, ça, sur pour le, le coup, gladiator. Je... je ne sais pas. Il faut que je vérifie ça pour le coup. Gladiator, il a, il a déjà une tourelle de défense avec quelqu'un dedans, non euh, Déjà, mais attends, je regarde. C'était prévu, ça, ça me parle pas, tiens. Euh, en tout cas, là, je ne vois rien dans l'absolu. Je sais pas si vous avez vu la taille qu'elles font. Mmh. C'est quand même de sacrés bébés, hein. Euh... Mmh. Sur un gladiator, ça ferait, ça ferait bizarre. Je sais pas, attendez. Euh... Euh... Dans la page wiki du Gladiator, attendez, euh... le vaisseau a une paire de, trois ta... de... de taille 3, donc enfin, une paire de taille 3, contrôlée par le pilote, ainsi qu'une paire de taille 3 par euh, donc, la tourelle manuelle. Il, a... Il est censé avoir, Il était censé avoir des... une tourelle automatisée en remplacement de la tourelle, disent certains. Ah bon Ouais, je trouve ça bizarre. Mais dans ce cas-là, ce serait plus un blade alors, à mettre en place alors, à la place. Ouais, pour être solo piloté, ça serait ouais, c'est serait plutôt ça. Attendez, je retourne à la page originale. Donc il faut que CJ donne de l'amour au gladiator Il faut qu'il fasse quelque chose. Il date du 26 novembre 2014. Ça remonte à loin. J'avais déjà pledge. Ah, ce serait quoi ces petites tourelles-là Mais c'est pas. Non mmh. Alors. Non, j'ai jamais, jamais entendu parler d'un PDC sur, euh, sur un gladiateur. Enfin, d'une un, tourelle automatisée. Enfin, moi je n'en ai absolument aucun souvenir. Bah, après en 2014 je n'y étais pas encore donc euh, peut-être que... En fait je confondais les vaisseaux, c'est lequel des vaisseaux C'est quand même l'encyclopédie les de Star Citizen qui vous dit ça donc euh... là ah, je ouais. vais dire techniquement l'hypothèse est très Non mais ils ont raison il y a une petite tourelle mais c'est pas du tout le même style. Là on euh, sur les PDC actuellement on ressemble, ça ressemble plus à des, à des non, mais... boucliers de défense qu'on a sur les navires. Mais en il plus cette tourelle, tourelle dans le dos. Bah, en plus cette tourelle là, là qui est là, là ce, ce concept qu'on est en train de voir là. Ouais. C'est une, je pense que c'était l'ancienne tourelle euh, qui est d'aujourd'hui habitée. À mon avis. Oui, qui était censée être à l'arrière du cockpit et pilotée par Henri remote, Je suis d'accord. C'est ça je crois le, le... le... le gladiator. À l'époque il disait pas PDC mais canon géré par IA. Mm -hmm. euh... Attends bah, je vais chercher. Euh... Attends. Euh... Interroge j'ai GPT. <laughs> euh, pas sûr que tu. Cherche-moi, je vous dis bonsoir. J'avais une fenêtre de tir très très Je vous dis bonsoir à tous. Et ben, yes. bonsoir, bonsoir je euh... à la la vidéo. Bonsoir. À la prochaine. Je... Bonsoir à toi. Et puis, à, à bientôt pour nouvelles aventures. Chocolaté, bien sûr. Oui. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut, salut. Merci d'être passé, en tout cas. Bisous. bisous, bisous. Merci Audit d'avoir Yes. Okay. Dans deux semaines, tu prends le relais on en reparle. D'accord. <laughs> <laughs> euh, attendez. En tout cas, dans le concept de base, je ne vois rien qui dise que. Je vous partage la page comme ça, vous pouvez le lire en même temps que vous, hein, pas, pas de raison que ce soit nous seuls qui regardons ça. Euh... Non plus. Merci, grâce à toi, je viens d'avoir Shrek en tête. Quoi Grâce à toi, j'ai Shrek en tête. Tu viens de me me. -mer. Ah, j'avais pas, fait... pas fait que j'ai fait, fait, fait une bah, référence fait me -me -me -me. Ah, d'accord, j'avais voilà. pas que c'était une référence à Shrek. Ah, T'as pas la ref, euh... tu peux le mumer? Me -me bon, je... alors, revenons ouais. sur le sujet. <laughs> Ah Merci. mais tu vois y arrives bon. Un Gladiator, non, euh... Back City is occupied by Autana. Oui, à l'époque même, il disait que la BA bon pouvait éventuellement être convertie pour faire du transport léger, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de modularité, entre guillemets. Mais je sais pas si c'était des trucs de l'or ou si c'était confirmé okay. que ça allait être modulaire à terme. Mais... Enfin voilà. Je joue avec là pour le coup, je suis, je sais pas. Et moi en plus, ça me parle pas du tout, honnêtement. Ouais, c'est parce que à mon avis, je pense que cette mini tourelle qu'on voit là. On me disait, disait c'est quoi LCH 2.1 ah oui c'est vrai que LCH c'est pas forcément clair c'est launcher launcher ok très je sais pas si terme, je vais le garder d'ailleurs le launcher parce que avoir, connaître la version du launcher bon c'est pourquoi pas mais bon, c'est peut-être pas aussi important on verra euh... mais oui pour, pour personnellement oui il y a ce concept là mais à mon avis je pense que ça c'est devenu la tourelle habitée qui est, sur la, qui est à l'arrière, qui est vraiment devenu un, un vrai emplacement pour, euh, pour le joueur donc après euh, ouais je sais pas trop quoi dire de plus clairement euh, parce que ça se base vraiment sur un, une image concept et je crois pas qu'il y ait vraiment eu de texte qui parlait d'une un, tourelle automatisée le fait qu'à terme le gladiateur puisse éventuellement avoir la tourelle automatisée via les blades ça pourquoi pas, c'est pas impossible mais sinon pardon, sinon euh, pour le reste Ouais quoi. Je suis d'accord avec ton analyse de la situation. Yes. Tu as mon assentiment le plus total. Bon d'accord, j'arrête d'en faire des caisses. <rire> <rire> euh... Tiens, on va passer sur un sujet extrêmement léger. Vous allez voir. J'ai presque peur du coup. <laughs> Ça, vous allez voir, c'est pas du tout un sujet clivant. Euh... J'ai je... ouais. ouais, encore plus peur. <laughs> c'est parti donc la question de Buzz Bizarre. Le gameplay d'exploration ne sera-t-il pas un peu léger avec 5 systèmes Quand léger. je vous avais dit que c'est. C'est déjà pas mal, hein <laughs> Enfin, moi je trouve que c'était quand même déjà pas mal 5 cinq, euh, cinq systèmes à découvrir. Parce que Ring de son temps, est quand même vachement grand. Et puis, ça se fera en ils seront différents. Il y aura d'autres choses à voir. Moi, je pense que c'est déjà pas mal. En fait, après... Euh, le après, pro... il y aura plus que 5 systèmes, plus tard. Hein. Plus tard, oui, c'est clair. Après, la, la problématique, en fait, si tu veux, c'est que, durant les premières années, à l'époque où CAG euh, n'était pas avare en promesses, on va dire ça comme ça, en annonce un peu tonitruante, euh, disons que CAG... Euh, Vendait un rêve d'explorateur euh, du genre euh, oui. explorateur qui, qui découvre un système dans un horizon lointain euh, oui, euh, voilà oui. qui reprendrait un petit peu le narratif des grands explorateurs du, du, quoi, du 15e au 16e siècle, j'en sais pas, ou 17e. Euh, un narratif d'ailleurs que Inso -sama, euh, fait réf... auquel réf... Euh, fait référence Inso-sama très très souvent, n'est-ce pas euh... Je vois absolument pas de quoi tu parles. <laughs> Mais. Euh... Après, euh, c'est cet aspect un peu d'expédition, de en fait, qui est pour le coup. Ouais, est, sera... est ce que dire. Qui est pour le coup, risque d'être bah, délaissé pour la 1.0, clairement. Par contre, il y aura un pan d'exploration oui. qui, je pense, sera là, mais ce n'est pas l'exploration dont la grande majorité des personnes rêvaient. C'est l'exploration dans la prospection. C'est ça. C'est dans la recherche de ressources, c'est en fait de, de parcourir des zones que l'on connaît déjà, des planètes que l'on connaît déjà, mais qui on pourrait euh, découvrir des, des sources de ressources euh, à miner ou à salvage ou j'en sais rien, euh, qui pourrait nous. Euh, qui peut être des infos de valeur qui peut être revendues plus tard, avec donc de transfert de données, euh, tout ça, tout ça. Donc de et de pouvoir euh, euh, comment dire, euh, découvrir tout ça et euh, en tirer de l'argent de ça. Soit en le gardant pour soi, ou en le partageant avec ses potes, et on, on exploite le filon, ou sinon on le vend à quelqu'un, mais à un certain prix, euh, voilà quoi euh, qui sera déterminé, Alors, je ne sais pas si le joueur pourra le déterminer soi-même, ou si c'est le jeu qui déterminera de façon euh, automatique, euh, selon la valeur de, des choses que tu découvres, on verra. Mais voilà, donc c'est euh, pas l'exploration dont beaucoup rêvaient au début. En fait, euh, il faut bien déjà faire la part des choses entre l'expédition et l'exploration. Et déjà, la, le narratif de l'explorateur que du coup CIG vendait un petit peu au début, c'est la jonction des deux. C'est à la fois l'exploration et l'expédition. Donc si je veux faire la distinction entre les deux, c'est exploration on cherche des choses. Et en fait, concrètement dans le jeu, c'est mis en œuvre par le gameplay de capteurs. Très concrètement, à partir du moment où vous mettez en œuvre des capteurs, vous êtes dans le gameplay exploration. Donc vous cherchez euh, euh, des rochers à miner en faisant des scans. À partir du moment où vous dé déployez des scans, de toute façon, vous faites par essence de l'exploration. Donc après, il y a la méta-exploration, c'est-à-dire vous, en tant que joueur le fait de vous impliquer dans cette fonction et de dire, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas de miner, c'est de couvrir de grandes surfaces pour aller trouver des endroits où on peut faire du minage. Et je vendrai l'information de, bah là, j'ai trouvé un endroit où faire du minage. Ça, c'est vraiment le gameplay exploration, du coup, et pas juste le, la, la brique techno de gameplay qui va derrière. Alors que l'expédition, du coup, c'est le fait de dire, je vais aller là, c'est très loin, et j'y vais en autonomie. Donc je dois être capable de m'auto-gérer du début à la fin, euh, voire mmh. faire l'aller-retour complet. Et la jonction des deux, typiquement, quand tu mets en œuvre avec un carac ou un ENDEVOR, c'est le carac ou l'ENDEVOR utilise ses scanners pour détecter à longue portée. Alors en vrai même si on utilise les deux. L'Endevor va utiliser ses capteurs à longue portée pour détecter la présence d'un éventuel point d'intérêt. Donc là, le, le capteur en question, c'est l'espèce de télescope. Hein. Voilà, si vous n'avez pas ça, l'Endevor, euh, il n'est pas supposé faire de l'exploration sans ce truc là. Mais donc, si vous avez le gros télescope, le but de ce télescope, c'est de dire bah, là-bas, très loin, il y a des points d'intérêt qu'il faudrait aller voir. Et donc, dans l'idée, vous allez ensuite L'Endeavor Il n'est pas vraiment fait pour de l'expédition profonde, il n'est pas si solide que ça. Donc, soit vous prenez que la capsule à vendre de l'Endeavor soit vous de vendez l'information à quelqu'un qui est équipé pour faire de l'expédition, typiquement un carac. Et donc, vous allez faire une expédition pour aller au plus proche des points d'intérêt et identifier les points d'intérêt avec des capteurs. C'est ça ah. l'exploration. Et donc, techniquement parlant, je viens de répondre à la question bah, avec 5 systèmes, vous pouvez le faire. Ouais. Voilà. Après. Euh... Moi, je pense que c'est quand même déjà bien pour débuter 5 systèmes. Ouais. Bah après, il y, y a des parties de l'exploration que vous pourrez pas faire. Euh, par exemple, chercher des points de saut. Bah forcément, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Il y aura moins de points de saut à chercher. Euh, ensuite, ce qu'il faut aussi tenir en compte, quand même, c'est qu'il ne faut pas oublier que les planètes, elles sont immenses. Hein. Dans oui, votre vraie ça, vie aussi. à nous, on n'aura déjà pas le temps d'explorer de, la planète Terre. Alors, explorer euh, des dizaines de planètes sur cinq systèmes, je vous garantis mm. que vous n'aurez pas le temps. Donc, en vrai, oui. Mais euh, la question, en fait, c'est plutôt pour que l'exploration ait du sens, il faut absolument qu'on puisse donner du corps à euh, le fait de pouvoir vendre ces informations-là. Mm. Bah, mm. Que l'on gagne sa vie avec quoi, c'est clairement ça. Dans ouais, c'est ça. Ouais. Euh, ah ouais. Après, ouais, euh... ça. Ouais. ce qu'ils peuvent éventuellement ça, faire, c'est facile hein, techniquement. Juste un truc comme ça, là je spécule, hein. mais euh, c'est pour vous donner une idée qu'en fait, euh, ce que je vais dire, c'est pas si ouf et euh, c'est facilement déployable dans le jeu. C'est pas du tout forcément ce que Star... CIG va faire, mais c'est juste pour vous illustrer un peu comment on pourrait envisager le truc. Vous avez un vaisseau de minage, type, euh, je sais pas moi, prospector. Voilà. Dedans, vous avez des scans qui vous permettent de chercher des rochers aux proches. Ok, très bien. Formidable, vous avez du coup un vaisseau qui est capable de faire de l'exploration minière et de cumuler la fonction d'exploration minière avec la fonction de d'exploitation minière. Très bien. Mais du coup, euh, bah, vous avez des scanners qui sont quand même limités et qui vont vous obliger à couvrir de grandes surfaces pour aller trouver ce qui vous intéresse. Maintenant, imaginez qu'il existe des scans très longue portée de minage, mais qui nécessitent des slots, jamais vous pourrez monter sur un prospecteur. Par contre, des vaisseaux d'exploration type euh, au pif le Carac, ont des slots dédiés pour des capteurs de très grande taille. Et bah, vous mettez un scanner de très grande taille de minage, et le machin, il est capable de vous donner à 1500 km à la ronde. Partout, il commence à y avoir des points d'intérêt. Et si vous vous en approchez, vous aurez plus d'infos. Et cette info-là, vous pouvez la vendre. Voilà, ça, c'est de l'exploration. Et en plus, il euh, y a de très fortes chances que les scanners à bord des vaisseaux spécialisés d'exploration/slash prospection/slash machin auront des radars spécialisés qui permettront d'avoir des infos plus profondes, plus détaillées sur ce qui, sur, lequel il, sur, sur quoi ils tombent par rapport aux radars plus, euh, bah, plus standard qu'il y aura sur tous les vaisseaux. Voilà. Il y aura aussi, je pense, cette différenciation qui n'est pas encore présente aujourd'hui, euh, mais qui, je pense, sera à terme là pour que des vaisseaux tels que, euh, soit des vaisseaux éclaireurs comme Terrapin, ou euh, dans leur domaine en tout cas, ou des vaisseaux d'Explo comme le Karak, ou même le 315p, par exemple, pour vraiment euh, commencer par la petite taille, ben, et même pourquoi pas l'Aurora ES, je crois, c'est la variante d'Explo, je crois, hein, l'Aurora ES, c'est... Mmh. pas C'est pas impossible, pas un, voilà, c'est pas impossible qu y ait que que même un Aurora ES puisse commencer un peu à tirer son épingle du jeu avec son radar qui serait propre à, à cette variante d'Explo. Parce que plus l'info plus serait précise, peut-être que plus la valeur sera... Forte pas. de cette info. Je sais pas. Ouais. C'est oui. une possibilité aussi de, de faire tourner ce gameplay comme ça. Et c'est facile, à... en fait, techniquement, c'est pas bien difficile d'implémenter le, le gameplay, puisqu'à partir du moment où vous avez un scan, il suffit de prétendre que ça génère un fichier, un fichier informatique. Et même si les autres joueurs, du coup, c'est peut-être pas si facile que ça, de... enfin, les autres joueurs se disent, ouais, pff, moi, euh, chercher des endroits où miner, euh, je suis capable de le faire tout seul, quoi. Je m'en bats un peu les couilles. En vrai, euh, c'est assez facile de dire qu'une fois que le fichier a été généré de scan, euh, ça devient euh, un bien commercial et euh, il peut y avoir un système qui du coup, suivant ce que vous avez scanné, la valeur de ce que vous sc avez scanné, en déduit la valeur d'un scan et euh, vous allez à une station spatiale quelconque et euh, du coup, c'est même pas une mission en fait, ça, ça devient ouais, ouais, un, un bien ouais. que vous pouvez revendre. Point. Mm. Donc, de ce que j'en compris, ce que Ça tu disais, c'est que façon, ouais. Star Citizen, c'est un scan. Bah, l'explosion, c'est un scan. <laughs> euh... un scan. Euh, je... Alors, euh, bon, à l'été, le jeu de mots était quand même bien trouvé. Je vais te mettre ouais. un carton jaune <laughs> sur celle-là. Voilà, tu as le droit à ta disquette jaune. Star <laughs> Citizen. Voilà. Euh, ouais. Et sinon, euh, alors. Fapiche, euh, tu as posé une question. Bon, on y répondra sûrement pas ce soir parce que là, on va bientôt commencer à, 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 à fermer à les, On va à, commencer à, le à terminer. On va commencer à ouais. fermer le rideau. Euh, on va en répondre encore à quelques questions euh, parce que moi, contrairement à soccer, je peux streamer à partir au-delà de 20 h parce que voilà, au moins j'ai j'ai pas d'autres personnes qui les, voilà, qui m'attendent. Il y a euh, que mes mois. chats et ils s'en foutent, ils sont à côté de moi. Exactement. Là, euh, Fapiche, donc <laughs> pour en Voilà, euh, Fapiche. Euh, non, non. Si tu veux que ta question soit bien enregistrée pour qu'on y réponde la prochaine fois, Mets point d'exclamation Q et tu mets la question, comme ça elle sera enregistrée, et on y répondra en temps et en heure. Voilà. Merci, euh, merci, merci d'avance. On a bien avancé sur les questions quand même. Euh, oui, 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 sachant que pour le coup, en termes de questions, on, on a été plutôt raisonnable. Enfin, il les... n'y a pas eu trop de questions, les de nouvelles termines. questions aujourd'hui, sachant qu'on a quasiment oui. terminé les okay. questions de, de, de cette semaine, je crois, presque, presque. presque. D'accord. Peut-être qu'il en restera, on verra. Euh, on revient donc sur une question donc posée bah, aujourd'hui justement, à nouveau de Mamelon Céleste, et je vais donc, que elle était où Elle est là. Voilà. J'ai l'impression que Plus Grand Monde chez CIG bosse sur du Origine. non ah C'est marrant, c'est ce que je disais l'autre jour Ah oui Bah, pour le moment, il y a un non, seul. Oui. Ça vide en, en, vrai, en ce moment. Oui. Il n'y a pas grand-chose, franchement. Euh... Bah, en fait, depuis le... la sortie du 400i, euh, on n'a pas trop entendu parler, et ça fait un petit moment qu'elle est sortie déjà. Oui, le 400, catalonis en 2000... 2021, je crois. Non, non, non. Ah non 2022, je pense. Pas 2021. 2022 peut être. Ouais, oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est oui. C'est 2022. no, hein. euh... ah no, non, non, non. Non, non no, ah, c'est non, le... 2021, no, 2021 no, 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 complète en oh Ah ouais Ça Ouais, ça no, 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 ah après, ouais. ça fait longtemps Je sens ta choquitude. Voilà. Ma santé d'origine, ça va plus, là. <laughs> Visage choqué. Mais, euh, non, mais le... Oui, oui, non, non, ça, ça fait déjà trois ans. Hein. Euh, oui, parce qu'en 2022, c'était le... les Spirits en concept qui sont sortis. Et je me souviens que 4 c'était l'année d'avant, en 2021. Mais... Euh... Alors, ouais. Euh... Ouais, bah du coup... On n'a pas de nouvelles sur des sorties d'Origin dans ce cas-là. Non. Par contre, euh, a... il enfin, y a un seul véhicule, c'est même pas un vaisseau qui reste de chez Origin à faire, c'est le G12. Mais là, c'est plus une question priorité parce que je crois qu'il n'y a aucun bloquant dans l'absolu à développer le G12. Enfin, ils peuvent le développer maintenant comme ils peuvent le développer plus tard. Quoi. Oui, c est, c est, bon, c'est Beaucoup le considèrent un peu comme OZEF. Euh, mais disons que c'est un vaisseau concept qui, lui, pour le coup, ne souffre d'aucune dépendance avant que ça puisse entrer mmh. en production. Enfin, Okay. c'est un véhicule à quatre roues euh, il y a la variante du G12R je crois qui a une qui a un IEM mais bon bah, on a des véhicules avec IEM hein, le ouais, cyclone le X1. ouais le X le X1. oui c'est vrai que le X 1 est sorti la moto récemment mais c'est pas un vaisseau quoi. mais voilà c'est pas un vaisseau il y a plus de vaisseau Origin euh, concept qui reste à mmh. faire c'est fini en tout cas pour le moment j'aimerais qu'il fasse un petit Origin euh, médic mais après ça c'est que de... c'est que mon avis personnel ah c'est vrai qu'il a un style un peu entre guillemets euh, un peu blanc euh, ouais. blanc stérile qui peut être pas bah, mal euh... propre en plus surtout ouais ça c'est très propre hein, c'est <coughs> ça ça pourrait être bien qu'il fasse un petit médic mais bon ça, ça peut à voir avec le temps. ça peut être intéressant alors après on peut considérer ah. le rework de l'intérieur du 610 comme une sorte de nouveau vaisseau mais enfin voilà ouais et après il est quand même gros là du coup hein. oui voilà mais, euh... mais euh, je verrais un peu plus euh, dans la taille euh... Entre un 300i et un 400i. Un petit peu entre les deux pour un médic. Enfin, un petit peu comme un Pyseed, mais euh, en version origin un peu plus gros. Ça peut être un 400i médical. histoire de faire. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être un 400i médical. Euh... Le 300i serait trop petit pour un médic, par contre. Ouais. Mais euh, ouais, un... Après... un 400i médical à peu près. Ouais. Après, euh, donc pour la... revenir à la question de base, j'ai l'impression que... Plus grand monde chez CIG boss sur Origin. Ouais. Bah, je pense que oui, pour le moment, euh, Origin. Ouais, euh, oui, je pense qu'ils sont tous sur du, du RSI, bah, avec le Polaris, bien évidemment, ça va de soi. Ouais. Euh, le Knou avec le Pioneer à venir. Un peu de Drake avec ce bébé corsaire. Euh, un peu de Greycat avec ce véhicule, a priori, là. Euh, le, de Landville avec euh, bah, les Hornets Mark II, le Thérapin médical et cette fameuse euh, plateforme Atlas. Euh... Pour le coup pas depuis un bon bout de temps aussi après dit il ya tellement déjà euh, ouais, y a ils des, ont... la flotte est tellement conséquente pour le moment que c'était pas voilà il y a peut-être d'autres priorités pour l'instant ouais. donc euh, oui non je pense que c'est pas qu'une impression ouais je pense que c'est même pire que plus gros monde je pense que pour le moment personne chez CIAGI boss sur du original actuellement ouais oui. Alors Charles Surcouf, euh, je mets combien en bannissement euh, pour ce qu'il vient de dire là euh... <laughs> Ah là là, mais euh... personnellement, ouais le, bah on verra. Pour le moment, je pense qu'ils sont tellement occupés à tellement d'autres marques que pour le moment, euh... Origin, ça. Euh... même en concept, je pense qu'ils le laissent euh, de côté. On va dire ça comme ça. Très bien. Eh bien on va passer à une, une autre question. Allez, on se dit que l'on répond encore à trois questions. Ça vous dit okay. Ça vous va On fait comme ça. Allons-y. Allons-y, allons-y. Allons Ou peut-être plus si les questions se, se font en une minute. Hein, mais bon, c'est Ce ouais. toujours jamais. Euh, donc, question suivante. J'aurais dû faire ça plus tôt, de copier-coller la question et machin. On t'en veut pas, t'inquiète. No stress. Mmh. Alors. Est-ce que là, ça marche Non, c'était un peu trop. Désolé, hein, le système n'est pas optimal. Euh... Euh... Voilà, là normalement c'est bon. Voilà, on est mieux. C'est parti donc. Question donc de syntaxe error TW. Avec cinq systèmes, il y a de la place. Mais ne pensez-vous pas que les, choc... ah, les checkpoints, euh, stations, jump points et autres points d'intérêt, euh, ne pensez-vous pas donc que tout cela sont trop petits Vous voyez à plusieurs millions par shard avec des billets de vaisseaux attendant de passer à un point de saut mmh. voilà. Je vous copie euh, aussi ça Ça, sur le chat. justement... Normalement, il devait avoir le, le fait que soit euh, tous sur le entre guillemets, même serveur, mais qu'on ne verra pas tout le monde à l'intérieur pour pas qu'on soit surchargé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, ce fameux méga les... shard euh, ouais. pour unifier tous les autres entre guillemets. Mmh. Mais... c'est dans un, les ténèbres, un, les comme des canaux, enfin vous savez, euh, euh, sur le, le même endroit, il y a, euh, imaginons, on va dire six canaux pour que toutes les personnes, enfin. On... Elles faut départager là-dedans et que du coup on soit pas, euh, au lieu d'être 1000, on est départagé entre les six quoi. Ouais c'est. Euh, Moi je pense dé... qu'il y aurait un système comme ça, sinon parce euh, que en fait faire des, des stations énormes, euh... je sais pas trop. À, après, de après, quatre, ouais, après de ce que j'en, après de ce que j'en sais, c'est que l'histoire du mega shard où tout le monde serait sur un même sur un même grand mmh. univers unique. Euh, mmh. De ce que j'en ai compris, j'ai eu des discussions avec un CM récemment. C'est que ça ouais. tient plus du rêve que quelque chose d'un vrai objectif. Ça c'est pas Parce... facile. Ouais. Parce que, y a des tout simplement, c'est c'est même pas une question de d'argent ou de compétences ou de, des développeurs. C'est une limite physique pour le coup. C'est la vitesse de la lumière et même aussi ça après le ping en fait tout simplement. C'est à dire que un char d'unique, ou par exemple des joueurs qui sont aux États-Unis, qui croiseraient des joueurs asiatiques, australiens et européens, avec des pings hyper variés qui peuvent aller de 30 ms pour les, si on est juste à côté, à euh, pas, 300 euh, millisecondes si on, vraiment, on est à l'autre bout du monde. Il enfin, y a toute ce, tout ce, cette problématique-là, euh, qui pour le coup est un problème physique euh, véritablement. Et, c et oui, d... la réalité, c'est terrible quand même. C'est est, est est, obligé... difficile. C'est <laughs> de... voilà, est, est difficile euh, d'aller au-delà de la vitesse de la lumière. Et même aussi après les machines, euh, les machines ne sont pas non plus instantanées en termes de traitement de données. Quoi. Entre le, la réception et l'envoi de paquets, il euh, y a aussi un petit, un petit délai, aussi un, un minimum. Donc il euh, y aura toujours cette problématique-là. Donc de ce que j'en comprends, ce shard unique, euh, voilà, ça tient vraiment plus vraiment du rêve. Vraiment du rêve euh, pour CIG. Ouais. Euh, donc ça s'arrête là. En ce qui concerne par contre des shards régionales, ça oui, c est, c est, ça se fait dans beaucoup de jeux vidéo euh, multi, MMO, tout ça. Donc bon bah... Il n'y a pas de raison que CIG n'y arrive pas à un moment donné. Euh... Et même peut-être que parmi ces shards régionaux, peut-être qu'il y aura plusieurs instances, peut-être. Alors peut-être pas des milliers, mais je ne sais pas, deux ou trois, deux ou trois shards EU en même temps que deux ou trois shards US. Enfin, c'est. Oui. Est... Après, la question est de savoir, c'est quel genre de données sont partagées entre ces shards. Par exemple, imaginons, il y a une orga qui construit une station dans je ne sais quel coin de tel système. Est-ce que cette station, dans les autres shards, sont visibles. Et est-ce que donc cette zone, même si vous êtes sur un autre shard, ne peut plus être occupée par une autre station Voilà, ça c'est l'enjeu aussi. C'est à quel point euh, il y a une persistance en fait de l'occupation de telle zone par tel groupe de joueurs, euh, comment ça se répercute sur les autres shards Sans forcément que les joueurs soient là. Euh, ça c'est une problématique que, bah, de game design, hein, tout simplement, euh, en même temps que la technique euh, en termes de données qui doit être euh, réglé. Euh, je crois même que Benoît Séjour, je me demande s'il n'en a pas un petit peu parlé, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si c'était Benoît ou les devs euh, chargés du base building, euh, lorsque Commander Fran les avait interviewés. Euh, je crois me souvenir, je ne sais pas si Inso, tu te souviens de ça. Il y avait, on n'avait on avait pas posé une question, justement, sur euh, euh, quand la répercussion de quand on installe une base, est-ce que c'est copié dans tous les autres shards, ou un truc comme ça, non Ouais, mais, enfin, je suis pas... Pas sûr, je, je crois qu'on avait évoqué la question, mais je suis pas sûr qu'on l'ait réellement posée en fait. Ouais. En, en tout cas, je me rappelle pas du tout de la réponse donc, euh, je... bref. Ouais. Euh... Voilà, après, euh... c'est vrai que là en, en plus, en relisant la question, c'est vrai que là on est en train un petit peu de répondre à côté. Je, je, je... parce que là on parle de l'installation des joueurs, etc. Et sachant qu'en plus, j'ai encore oublié le timer. Voilà, c'est la... plus les, les points, qui... les, les, les points d'intérêt qui sont déjà installés par les développeurs. Les stations, les points de saut, les machins. Euh, bah, comme le dit euh, Maverick euh, sur le chat, il euh, y a des problèmes déjà, par exemple, avec les villes. Lorsque l'on a fait des tests à 1000 joueurs, par exemple, lors des tech previews du server machine, on a vu tout de suite que le nombre limité de hangars. Et surtout, enfin, le, pas le temps de nombre de hangars, mais le nombre de portes par lesquelles on peut sortir euh, nos vaisseaux du spatioport euh, sont trop limités pour pouvoir supporter des chars à mille joueurs. Donc à un moment donné, il faut que les, euh, les développeurs doivent revenir sur les landing zones pour euh, rajouter plus de portes, plus de sorties, pour qu'il y ait le moins d'embouteillages possible euh, si on veut monter dans des chars à 500, 1000 et au-delà. Donc euh, voilà. Les stations c'est un peu la même chose. Peut-être qu'ils devront rajouter plus de portes. Plus de ça aux portes physiques. Euh, pour qu'il y ait le plus d'entrées de, et de sorties possibles entre les joueurs et qu'il y ait le moins d'attentes possible. Euh, donc euh, c'est toute une problématique euh, que, que les développeurs vont devoir aborder à un moment ou à un autre. Je pense que pour le moment, pour la 4.0. Le, les derniers chiffres, le, la capacité maximum actuellement sur les serveurs est de 380 joueurs par shard. Alors, peut-être qu'au day one, quand tout le monde va vouloir ressortir en même temps, je pense que peut-être que là-ailleurs, il risque d'y avoir des embouteillages. Mais euh, peut-être qu'avec euh, les villes actuelles, ça peut encore être ok. Encore. Mais peut-être qu'après coup, s'ils veulent. Euh, augmenter le nombre de joueurs par shard parce que le serveur machine s'améliore, etc., et que ça devient plus performant, bah peut-être que là les développeurs devront revenir sur les zone pour ajouter quelques portes en plus. Et peut-être les stations aussi. C'est. faut voir. Donc ouais, c'est en l'état actuel des choses, oui, il y a certains points d'intérêt qui nécessitent un... un un pass de la part des devs pour accueillir plus de joueurs et que ça soit plus solide. Et qu'il n'y ait pas trop d'embouteillages. De, Ça me fait penser, d'ailleurs, je crois que dans le dernier rapport mensuel, donc le bon, rapport mensuel d'octobre, je crois me souvenir qu'ils avaient rapidement évoqué quelque chose à ce niveau-là. Euh, je vais vous la sortir. Voilà. Et pendant que je cherche, Shinso-sama, n'hésitez pas. Hein, je, je, vous, je Ouais. Voilà. Euh on a fait un peu le tour quand même je pense et puis euh... en fait il y, y a beaucoup de spécul quoi après faut pas oublier ouais les, les points d'intérêt ben justement c'est aussi pour ça qu'ils ont expliqué que il euh, y avait un système de génération procédurale de, de points d'intérêt et qui en même temps est un peu organique donc il y, y, y a une certaine logique dans la création des points d'intérêt sur le sol mais effectivement il y a des points d'intérêt comme les portes comme euh, qui, qui vont forcément poser plus de soucis mais euh, ouais ben... Voilà, ça... ouais. Alors, alors c'est pas exactement euh, parce que l'équipe c'est l'équipe c'est euh, en fait il y a cette partie là que je, que je vous ai mis en sobriance. Euh, je vais vous la, la, la traduire à l'arrache un peu. Euh, l'équipe a également donc là l'équipe c'est l'équipe de contenu IA a également travaillé sur des tâches pour l'Alpha 4.0, y compris la validation d'IA sociale dans diverses stations autour de Pyro. Elle a également examiné les zones d'atterrissage de Stanton pour voir où des améliorations pouvaient être apportées. Bon, en fait. C'est pas exactement, euh, voilà, c'est plus par rapport à l'IA, donc c'est pas vraiment euh, ce que moi je pensais. Je pensais que cette phrase-là parlait plus d'un développeur de game design ou level design qui, qui reviendrait sur des stations pour améliorer que ça, mais au final, non, c'était pas, pas exactement ça. Voilà, donc, euh, au final, euh, ne prenez pas en compte euh, ce que je viens de dire. <laughs> ce n'est pas une source euh, valable pour le sujet actuel. On t'en veut pas, <laughs> sache-le. Je m'en excuse. Euh... Bah, question suivante. Question écoute, hein. suivante, ouais, allez. L'avant-dernière. On va dire ça comme ça. Et. Euh... Zwick. Alors là, pour le coup. On aura peut-être besoin de... de tes souvenirs, mon cher Insosama. Peut-être. Oula, merde. cest euh... à dire qu'il faut que je branche la cervelle, là. Bah disons que je crois de nous trois, je crois que la question porte sur une période où toi seul était en... déjà backer. Ah, ah ok. Oui. Voilà. Donc euh... <laughs> c'est bah, parti. Question donc de Cynique X. Est-il vrai que euh, le changement de la promesse d'origine pour le développement en plus d'un MMO a été acté suite à un sondage auprès de la communauté. Ouais, donc effectivement, moi, j'étais pas du jeu, donc je sais pas du tout. Alors moi, j'étais, j'étais clairement dans la commu à l'époque. Euh, par contre, j'avais pas encore baqué. Il faut savoir que j'ai suivi dès le début. Et putain, qu'est-ce que je m'en mords les doigts d'ailleurs de pas avoir acheté dès le début. Mais bon, voilà, bref. <laughs> Et euh, j'ai baqué beaucoup plus tard. J'ai baqué euh, avril 2014. Non, attends c'est re... ça avril il... Euh... il regrette de ne pas s'être fait arnaquer plus tôt non mais je te jure le lavage de cerveau euh, que... totalement non mais en vrai <laughs> euh, si si il bah, y, y, y a des trucs qui ont été offerts euh, dès les, au, au tout, tout premier backer et je savais très bien que j'allais acheter c'était 25 balles quoi enfin j'ai tourné autour mmh. du Allez, pot bêtement. J'ai acheté en avril 2014 avec la signature de mon CDI. Voilà, pour la petite histoire. Mais donc, en tout cas, j'étais là quand ça a basculé en MMO. Par contre, honnêtement, euh, j'ai suivi cette bascule d'un peu trop loin pour être absolument certain de sous quelle forme ça s'est passé, surtout aux États-Unis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que. 2012-2013, donc il y avait déjà une partie de la commune française. On a tapé fort dès le début hein, en France, quand même, il faut, faut en avoir conscience. Mais euh, en fait, le gros de ce qui se passait était quand même très orienté USA. Bon, c'est toujours le cas actuellement, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on, on avait des, les infos un petit peu avec un train de retard. Euh, à moins d'être vraiment dans le corps commun, ce qui n'était pas mon cas, n'étant pas backer. Euh, c'est un petit peu compliqué. Mais deux mémoires, moi les bruits de couloir que j'avais du coup en France, voilà, c'est comme, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est en gros ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que moi à l'époque, les infos que j'avais, je les avais un petit peu en indirect euh, comme une forme de conclusion. Et oui, j'ai vaguement souvenir qu'il y a eu euh, un sondage. En fait, il y a eu une période très ambiguë dans laquelle ils voulaient faire un jeu solo avec une composante coop qui augmentait, augmentait, augmentait progressivement. Et en fait, il y a un moment où ça a commencé à manquer de cohérence et on ne savait plus trop où on allait. Et deux mémoires, mais je prends des pincettes, hein, mais deux mémoires, effectivement, il euh, y a un moment où le studio s'est dit, euh, en fait, on ne sait plus trop où on va mais euh, nous ce qu'on vous promettait à la base c'était un seul jeu est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de on sépare les deux et, et alors est-ce que c'était vraiment sous la forme d'un sondage je ne suis plus très très sûr mais je suis presque sûr qu'il y a bien eu un échange avec la commu voilà. alors voilà. pour moi les, les... alors j'ai pas de souvenir pour les coups parce que c'était une parce que je n'y étais pas là mais de ce que l'on m'avait dit c'est que les sondages, que, que j'ai entendu parler ne portait pas tant sur le fait de créer un MMO, enfin de passer Star Citizen à un vrai MMO ou je ne sais quoi. C'était plus par rapport à si on continue de, 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 le modèle de crowdfunding ou pas. Enfin de, 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 ah, ça, de, ça, ça de, c'est un autre truc. Oui, De créer des stretch goals, etc. Euh, oui. D'ailleurs, je les ai retrouvés, d'ailleurs. Les, les, les sondages étaient dans les lettres de Chris Roberts, les Letters from the Chairman. Euh, je vous les montre si vous voulez par exemple je crois que le premier sondage qui a été fait c'était le palier de 19 millions et euh, là euh, on peut même toujours voter d'ailleurs si vous voulez un hein, point toujours... <laughs> je pense pas que maintenant ça sert à quoi, à quoi mais non sérieux ouais, ouais ouais enfin je crois hein, attendez parce non. que on a il on a, y a trois choix donc qu'est-ce que nous devrions faire avec le, le compteur de crowdfunding après que nous avons atteint notre but à l'époque c'était donc les 23 millions ouais. euh... Euh... Voilà, voilà j'ai du mal un peu à la traduire, je suis un peu fatigué. Mais voilà. Take the funds, raised counter down after 23 million dollars. Mission achieved. Donc je pense que ça, c'est l'option vraiment. On arrête le crowdfunding maintenant. Et on, se, et on se débrouille avec 23 millions. Voilà. How the funding counter display the amount towards the current stress goal feature, not the total amount once we reach 23 million. Euh, bon, ça, je dois être comme ça, j'ai du mal un peu à comprendre ce que ça veut dire. Euh, et l'option C, keep it through development and continue to offer stretch goal rewards in addition to extra features and development milestones. Donc ça, pour le coup, là, c'est assez clair, c'est continuer le crowdfunding au-delà des premiers stretch goals qui avaient été faits à l'époque. Euh, donc, euh... Genre, en réalité, bah, c'est aucun des trois. Vu que c'est pas vraiment des stretch goals qu'on a, il n'y a plus joue de stretch goals. <laughs> Alors il y a eu des stretch donc goals, donc, mais euh... jusque, jusque dans les paliers des 60 millions, je crois à ce moment-là. Ouais, mais du coup, voilà, il y a un moment où on a arrêté les stretch goals et, euh, et en plus de ça, euh, du coup, euh, bah, petit à petit aussi, c'est presque une com', un problème ouais. de com, euh, on a retiré aussi la, 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 la notion de, c'est un crowdfunding quoi. Petit à petit, on a basculé. Mais c'est pareil, là de derrière, il y a plein de politiques. Euh, genre, pendant très longtemps, ils rappelaient à la commu, attention, euh, quand vous achetez un vaisseau, vous n'achetez pas un vaisseau, vous faites un don. Et donc là, clairement, on était encore dans une logique de crowdfunding. Et en fait, ils ont été rattrapés par la patrouille. Alors, ils n'ont pas tort sur le principe. Hein. Mais en fait, euh, du coup, il y a un moment où ils ont dû basculer de communication. Puisque, euh, alors, de mémoire, il y a une décision de justice américaine qui a dit, et puis même la loi, en fait, euh, les mettait dans une position un peu ambiguë, et du coup, ils ont fini par reconnaître, non, non, du coup, il y a bien un achat de vaisseau aussi, et du coup, à partir de là, vraiment, le, le, le langage, enfin, le, les, 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 les mots euh, crowdfunding et, et ce genre de choses ont fini par disparaître du langage de, 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 de CIG. Mm. Parce qu'en fait, euh, ben même en termes de com, ça ne les mettait pas forcément dans une situation qui était si voilà. confortable que ça. Voilà, donc voilà par exemple, donc on a ce sondage en 2013, déjà, en septembre 2013. Il y en a un autre, c'est devrons-nous continuer Donc, ça, c'était d'une autre, là, quand on avait franchi le palier des 46 millions, 12 juin 2014. Devons-nous continuer à offrir des stretch goals Oui, non, pas de préférence. Voilà. On, peut, on, peut, on peut toujours voter, si vous voulez. Et là, je crois qu'il n'y a rien. Tôt. Alors, moi, je voudrais oui. Parce que j'estime quand même que quand ils vont dépasser le milliard, ça serait quand même sympa qu'on ait un Idris chacun. Je... Voilà. Euh... Voilà. Euh... Je sais pas si celui-là, il y avait. D'accord, ça c'est d'autres sondages, sondages, mais qui ne sont pas en rapport avec le crowdfunding. Euh, voilà. Donc, que je... Oui Amanda as parfaitement raison hein. Et en fait c'est toute une ambiguïté Mais c'est pour ça que je me suis Moi même j'ai dit Ils ont pas totalement tort en réalité C'est juste qu'avant ils insistaient beaucoup Et même nous dans la communauté française On le disait beaucoup Et depuis il y a eu des décisions de justice Où typiquement euh, ben, Par exemple il y a des gens Qui ont dit ben, moi j'ai acheté un truc Que j'ai pas eu donc euh, je voudrais remboursement Et du coup en fait il y a ils ont ni tort ni raison. En Alors. fait, c'est quasiment au cas par cas. Si vous allez devant un juge et que vous dites que vous n'êtes pas satisfait, c'est le juge qui prendra la décision par rapport à votre situation qui est propre. Voilà. Okay. Peut-être. Euh, mais en fait, ces sondages-là, là, que je viens de mentionner, sont pas les sondages que toi, Youssef tu mentionnes. Non, 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 non. C'est autre chose. Et je suis, comme je dis, je suis plus très, très sûr de toute façon que c'est réellement été sous la forme d'un sondage. C'est la question que je me pose. Par contre, je sais qu'il y a eu un échange avec la communauté et que quand la décision, enfin, en tout cas, je sais, c'est le souvenir que j'ai. Quand on a commencé à vraiment parler d'un MMO, euh, ça allait avec l'idée de, on a interrogé la communauté et apparemment la communauté est plutôt OP avec l'idée qu'on sépare les deux jeux, qu'il y a un MMO d'un côté et le solo de l'autre. Voilà. Oui, et que ça soit un ce c'est pas juste une campagne solo dans. Star et Street, et ouais. du coup, s'il y a peut-être eu un sondage, mais moi à l'époque j'étais un peu trop éloigné de la commune et pas suffisamment intégré en tout cas à la communauté américaine. J'avais plutôt des des retours d'infos de la communauté française a posteriori. Et du coup, je n'ai pas été euh... Euh, comment Je n'ai pas été concerné par la forme de cette interrogation et donc je ne suis plus en mesure de dire sous quelle forme elle était exactement. Alors. Euh, je, ça, je, je suis prudent. Oui. Tu me dis si je me trompe, mais alors par rapport à ce que j'ai dit, ce que je, je crois que en fait c'était d'abord c'était Squad qui était censé être le main game et Star oui. Citizen une coop. Alors pas C'était un c'était un jeu début, coopératif, un jeu multijoueur. Non non. Au, en fait au tout tout début, en gros pour vous faire la granularité step by step et sachant que il faut bien vous dire que là je vais vous présenter un truc comme si c'était écrit dans le marbre. En vrai, euh, d'une présentation à l'autre, donc d'une un, vidéo à l'autre, les développeurs eux-mêmes n'étaient pas très sûrs et du coup, ils pouvaient donner des messages qui étaient un peu contradictoires. Donc, je vais vous présenter quelque chose de sûr parce que bah, le langage fait qu'on est très affirmatif quand on dit les choses. En vrai, euh, non, non, euh, il y a une semaine, ils disaient un truc et la semaine précédente, ils disaient un truc qui contredisait légèrement ce qu'ils avaient dit précédemment. Voilà. Mais en gros, pour vous représenter la Grunelverité, au début, on devait avoir un InCommander solo. Ensuite, et en plus, au tout début, l'idée, c'était même pas de le développer en interne, c'était d'avoir une petite cellule de développement interne, mais en gros, c'était de montrer qu'il y avait un marché et des gens qui étaient intéressés par ce type de jeu pour trouver un studio et un éditeur pour financer le gros. Donc nous, en tant que backers, on était supposés juste aider et montrer qu'il y avait un potentiel. Point. Voilà. Petit à petit, du coup, l'argent a coulé à flot et donc euh, ça s'est transformé en on va essayer de le développer en interne. Puis ça s'est transformé en on va carrément se passer d'éditeur et donc euh, on compte sur la communauté pour financer à 100% le jeu. Il n'y aura pas de financement extérieur. Voilà. Et le jeu Wing Commander s'est progressivement transformé en jeu avec une composante coop qui, du coup, d'ailleurs, a disparu. Actuellement, même la dernière présentation qu'on a eue, ils ne nous ont pas parlé de co-op dans le jeu solo. Pour votre info. Ceci étant, il y a eu quand même jusqu'à, il n'y a pas si longtemps, jusqu'en 2017, 2016, de temps en temps, ils parlaient de la co-op solo, et donc ça ne serait pas incohérent euh, post-release qu'il y a un mode co-op qui sorte pour la partie solo. Mais prenez-le avec des pincettes, mais dites-vous que CIG a parfaitement conscience que c'est comme ça qu'ils ont vendu le jeu solo à la base et que euh, ils ont peut-être un petit impératif à essayer de le sortir à la fin, même s'ils en parlent plus et qu'ils essayent de mettre ça sous le tapis. Donc euh, Après... prenez les pincettes avec. Euh... Mais donc à la base, jeu solo co-op. Ensuite, ce qui a commencé à être en discuté... Il y a plein de gens qui disaient Ouais, mais du coup, si on peut jouer avec des copains, euh, bah nous on aime bien les jeux 4x. Et donc, est-ce qu'à la fin de la campagne solo, est-ce que comme dans un Witcher ou un truc comme ça, on peut continuer à profiter de la carte et puis jouer avec les autres Et donc il y a une composante multi-post-solo dans le jeu solo qui a commencé à s'installer. Du coup, qui petit à petit est devenue, à l'époque on parlait de jeu en tant que module. Et du coup, la partie solo devenait un module dans l'ensemble, et du coup, on devait avoir un espèce de jeu sandbox multi en coop, qui progressivement s'est transformé en deux jeux séparés, avec le solo d'un côté et la coop qui est devenue carrément un MMO séparément. Mais, voilà. Mais en, si dans l'idée, c'est un peu comme ça si que je ça progresse. Euh, je crois que, par exemple, dans la FAQ du Kickstarter, je l'ai sous les yeux d'ailleurs, euh, en plus, la dernière mise à jour de cette FAQ, c'est le 19 octobre 2012. Euh, Star Citizen était déjà mentionné, je crois. C'est possible, mais comme je dis, dans une espèce de composante Alors, modulaire, qui est venue, qui est disparu, qui est revenu, qui a redisparu. Enfin, c'était. À l'époque, en fait, donc en plus la toute première question de cette FAQ, en plus je vais vous la montrer, c'était celle-ci. Est-ce que Star Citizen est un MMO <laughs> La réponse toute première, non. <laughs> Star Citizen prendra le meilleur de tous les mondes possibles, allant d'un monde permanent et persistant, similaire à ceux que l'on trouve dans les MMO, à une campagne solo hors ligne, comme celle que l'on trouve dans la série Wing Commander. Le jeu inclura l'option de serveur privé, comme dans Freelancer, et offrira de nombreuses possibilités aux joueurs intéressés par la modélisation du contenu, le modding, quoi. Euh, contrairement à de nombreux jeux, aucun de ces aspects n'est une réflexion après coup, ils se combinent tous pour former le cœur de l'expérience de Star Citizen. Voilà. Donc dans l'idée, ça tu vois, c'est quand on était encore au stade modulaire. Alors par contre tu vois, je n'avais pas souvenir qu'ils en étaient déjà là dès 2012. Pour moi c'était des, des trucs qui, qui étaient en 2013. Mais à mon avis ce qui s'est passé c'est comme je vous dis, il hein, y a eu des rebonds. Donc en fait c'est quelque chose qui a, été discuté, euh, qui a été discuté en 2013 encore euh, vivement et où c'était pas encore très clair. Mais du coup là on est vraiment dans la partie où en fait il y a le jeu solo. Et ensuite, vous avez une composante un peu coop, hein, vous pouvez mmh. jouer en multi, un petit peu comme vous feriez euh, un euh, Spice Engineer par exemple, hein. du coup, voilà, avec des serveurs privés, et qui vous permettrait de prolonger l'expérience euh, solo après la campagne pour profiter de la, de la pour... map et faire un peu ce que vous voulez. Quoi. Pour, euh, comp pour, euh, pour complémenter ce que tu as dit, euh, si, moi, le, ce que l'on m'a dit de, de cette époque, c'est qu'au départ, euh, il voulait que le jeu solo Squadron soit financé par les joueurs. Voilà. Parce que je, de ce que j'ai compris, Chris, il voulait d'abord rechercher un éditeur pour financer le jeu solo ainsi que la composante multi Star Citizen. Mais que, bon, bah, a priori, bon bah, il s'est fait retoquer. Donc, il est passé par le crowdfunding pour, euh, voilà, pour, entre guillemets, essayer de prouver aux éditeurs, bah, voilà, vous voyez, il y a, les joueurs qui, il y a une attente des joueurs pour euh, ce genre de jeu, entre guillemets. Et à l'époque, de ce que l'on m'avait dit, c'est que Squadron 42 serait financé par les joueurs. Oui. Et qu'avec le Pardon. succès espéré de Squadron 42, il y aurait des éditeurs qui se manifesteraient pour financer Star Citizen. Dans l'idée, ouais. C'était un a... truc comme ça. Mais je... comme je te dis, de toute façon, le truc, c'est que tout ça est à la fois vrai tout en se contredisant. Parce qu'en pratique, euh, bah, c'était surtout le sujet de discussion. Voilà, c'était oui. pas du tout marqué dans le marbre, c'était euh, d'une semaine à l'autre, euh, ils savaient pas trop. Et en même temps, c'était difficile à l'époque de spéculer à quel point euh, l'argent allait tomber. Enfin, euh, je pense qu'à l'époque, personne n'aurait mouillé sa chemise pour imaginer qu'on allait dépasser ne serait-ce que les 100 mm -hmm. millions, ou euh, puis après les 200. Puis, enfin, c'est compliqué, quoi. De... Oui, 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 Et oui. pour rebondir euh, sur juste euh, les paroles de Hakim Bey. Oui. Euh, ouais. oui. Bah oui, c'est exactement typiquement pour ce type de choses euh, très légales qu'en fait euh, la notion de crowdfunding et de pur don a disparu euh, parce que bah, typiquement euh, ça fait quelques années maintenant, je crois que c'est à partir de 2015. 2016, 2016 je crois. 2016. Où, euh, parce où on a commencé à payer la TVA et le fait de payer ouais. la TVA signifie bien que vous payez un produit et donc c'est pas un pur don, voilà. Parce que je crois qu'avant ça il y avait pas de réglementation européenne concernant les achats numériques non. Des TVA je Non. Crois. Et puis même, non, non, mais même. Ah, si, si. Si, si tu si, achètes T'achètes, Adobe, t'achètes, t'achètes Photoshop. T'avais bien les 20 ah ouais, C'est bon bien ça. parce qu'en fait, ils jouaient sur le côté. C'est un crowdfunding, donc un don. Donc, il y a pas de TVA. Si tu, par exemple, juste un truc au pif. Tu vas sur Kickstarter, tu payes, tu payes un don. Donc euh, tu achètes, je sais pas moi, une imprimante 3D qui vient de sortir. Voilà. Donc tu vas payer, euh, tu, tu fais un don pour obtenir le produit, et à ce moment-là, tu ne payes pas la TVA, techniquement parlant. Oui. En fait, très souvent, ils viennent vers toi dans un second temps pour te dire, ça y est, le produit il est prêt à être lancé. Donc là, maintenant, ton don se transforme en achat, en fait, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et là, en fait, ils viennent vers toi en disant, bon, bah, du coup, il nous faut 100 euros de plus pour le transport, et du coup, tu nous dois 150 euros, ça c'est la TVA. Tu vois ce que voilà. je veux dire? Ouais, C'est ouais. ça, cette bascule-là, en fait, techniquement, elle, elle a été faite en, autour de 2015. Et du coup, elle vient casser l'idée d'un crowdfunding et. Euh... Et donc, elle vient bien dire non, non, on achète bien un produit, on achète un jeu. Et donc, si on nous, en plus, en Européen, euh, on allait devant un juge pour se plaindre, le juge nous écouterait. Ça veut pas dire qu'on aurait forcément gain de cause sur tout. Mais en tout cas, euh, CIG pourrait pas se cacher derrière l'idée ah, ben c'est un don, euh, du coup, on n'a euh, aucun engagement à tenir, aucune promesse. Euh, bah, en fait, si, quand même, un minimum. Je, je vous remets donc euh, cette FAQ euh, donc, euh, qui a priori date du 19 octobre 2012. Enfin, mise à jour en tout cas le 19 octobre 2012 euh, au plus tard, euh, sachant ah oui. que c'est là aussi qu'il y a eu cette euh, promesse qui n'a a pas été euh, euh, comment dire euh, amendée depuis. C'est ce fameux, c'est un pay to play. Star Citizen, enfin, c'est vous achetez Star Citizen, vous n'avez pas d'abonnement à payer par la suite pour y jouer, et, euh, et que aussi bon bah euh, à l'époque, certains items in-game pourraient être. Disponible en tant que microtransaction, certains items, bien évidemment, <laughs> mais, mais nous nous vendrons, et là ils ont mis en majuscule, jamais, never, vendre quoi que ce soit qui ne peut être acquis à travers du gameplay honnête et fun entre parenthèses. Bon, ce qui n'est plus tout à fait vrai, mais du coup, c'est. Ouais, après, c'est du détail. Hein. Honnêtement, voilà. la plupart <laughs> des items sont effectivement in-game. Euh, ils ont même dit les items les plus. Tu vois, genre le, le, le bar, la, le million de bar, hein. ils ont bien dit qu'il y aurait euh, une quête hyper balèze pour essayer de le choper euh, ouais, interne au va... jeu. On, on verra ce qu'il en est, c'est pas très grave en soi. En euh, soi, le craft euh, coup... de vaisseau et le blueprint, tout ce système-là. Bah oui. C'est. Enfin après euh, jusqu'à quel point ils vont mettre des blueprints. Enfin jusqu'à quel détail. Enfin quel genre d'objets. Est-ce que c'est même le. Même je sais pas le stylo exclusif. Je sais pas quoi concierge. Qu ils vont le mettre aussi en craftage Je sais pas. Y a même pas. Non alors ça mais... ils ont bien dit Qu'il y avait quelques items vraiment voilà. exclusifs. Euh... Mais c'est du pur cosmétique. Oui voilà c'est ça. Euh... Mais bon, voilà. Donc... Bah, typiquement par exemple les trucs que vous avez pour des events. Oui, ça, oui. Les trophées des ventes, etc., euh, bah, vous les avez tant mieux, vous ne les avez pas, vous ne pourrez plus jamais les acquérir. Voilà, c'est ça. Sachant que quand ce sont des armures avec des skins exclusifs de tel événement, généralement le modèle, tu le retrouves. Oui, l'armure, c'est euh, juste le skin exactement. qui Il manque. Il y en a peut-être voilà. quelques-unes Et... encore d'armures qui ne sont pas achetables in-game avec des avec couleurs plus basiques. Ouais, mais pas. elles le seront, normalement elles le seront presque voilà, toutes. Euh, mais pour l'instant, ça, ils s'y sont à peu près tenus quand même. Et effectivement, euh, les, les, les trucs qui, qui le sont pas, c'est l'épaisseur du trait et c'est des choses. Ça paraît assez logique, quoi. Voilà. T'as un trophée pour avoir participé à la season con de 2016. Euh, ça paraît assez logique que tu puisses pas l'acquérir in game, quoi. Oui, voilà. Celui qui ira me soutenir le contraire et qui ira me dire ah c'est scandaleux, machin. Et puis euh, bon, bah, euh, bon, et je pense pas que ce soit vraiment un drama que ça soit pas craftable ou blueprint du tout. Ah, je... non. Ah, une trophée de sitcom d'il y a 7 ans, bon, non c'est pas la mort non plus. C'est juste un ouais. petit fierté pour les plus vieux qui ont toujours ça et qui pourront, se le... Qui pourront le... Le... le montrer fièrement dans l'armoire à trophées <laughs> Et je te dis, au, au final, le truc qui est le plus tendancieux et où au final, c'est pas, pas si grave que ça s'il le tenait pas, mais euh... voilà, le truc le plus tendancieux, c'est l'histoire de Million Bar. Pour l'instant, ouais. c'est le seul vrai ouais. item qui du coup a quand même une fonctionnalité in-game, même si elle est de l'épaisseur du trait, et qui pour l'instant est extrêmement limitée à quelques personnes qui l'ont acquise en euros, et où il y a eu une promesse de, ouais ouais, euh, normalement on l'aura bien in-game, vous pourrez l'obtenir par vous-même, mais attendez-vous quand même à un niveau de difficulté... Euh... Euh... Ça serait pas étonnant que ça soit presque aussi dur que faire une station spatiale, euh... honnêtement. Hein. Parce que pour l'instant, faut se dire, il n'y a eu que... Je sais plus, il y a 2000, je crois. Donc il y a 2000 personnes dans le monde entier qui l'ont et basta. Ouais. c'est pour vous donner une idée de la difficulté quand même d'acquisition du truc. Mais pour l'instant c'est le seul truc effectivement où s'ils le font pas in game, il y en a qui pourraient gueuler. Euh, je ferai partie de ceux qui gueulent accessoirement. Hum. Même euh... si c'est de l'ordre du détail, hein, c'est un bar mais. Yes. Ouais. Allez, on répond à une petite dernière question. On avait dit trois. Euh... Là on avait fait la deuxième. Euh... On a, on a pris beaucoup trop de temps avec oui. cette question, mais c'est de ma faute. Hein. C'est moi qui n'arrive pas à, à couper le truc. Enfin, euh, voilà, c'est difficile. Stalker a moins de scrupules, mais c'est bien justement. <laughs> euh, et d'ailleurs, je me demande si on n'y a pas déjà un petit peu répondu à cette question la dernière fois. Enfin, j'ai souvenir qu'on y a répondu déjà. Je vais vous la lire quand même. De Nasbin 20 une idée de l'apparition des aliens dans le vers avant la 1.0 ou pour celle-ci possible ou pas j'ai l'impression de me souvenir quelque chose oui oui ça me dit oui. quelque chose une on a répondu une question très proche de ça en tout cas quelqu'un enfin, quelqu a posé une question très très similaire soit la FAQ oui, précédente oui. ou celle d'avant ouais. bah, j'étais là donc c'était celle d'avant que... ouais. c'est ça ah, hein. j'étais là et j'étais pas là celle de la précédente là c'est ça donc ouais. je attends je je, je... 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 Après, ça n'empêche pas d'essayer d'y répondre malgré tout, hein. attention. Oui, toujours. Euh, après, euh, attendez. Euh, je suis en train de voir, je suis en train de, 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 de naviguer dans les chapitres de la FAQ précédente. Ah, c'est ça. C'était de Anonymous ou Gedav de Sade euh, sur euh, la FAQ numéro 134. Euh, C'était cette question-là. A-t-on des infos sur les races aliennes Verra-t-on des aliens sur les systèmes dispo Ce sera une future mise à jour après la sortie. Voilà, c'était ça la... la question de la semaine dernière, euh, d'il y a deux semaines, pardon. Ok. Donc je sais pas trop. Bah, et puis de mémoire, la réponse euh, c'est alors. Du coup, la réponse de cette question est qui. Tu peux remettre la, la nouvelle question euh, Oui, c'est. Bah, une petite nuance. Une idée de l'apparition ouais, des aliens dans le verse avant la 1.0 ou pour celle ci Alors bah, pour les, les banous, c'est quasiment sûr qu'on en aura. En tant qu'adversaire, ah, voilà. ah bon Parce que oh, oui, ah oui. en adversaire. Il euh, y, y, y aura des incursions banou dans, dans certaines zones. Vandoul, tu veux le dire euh, Vandoul, pas banou. Euh, excuse-moi. Oui non. Euh, excuse-moi, excuse-moi. <laughs> euh, vandoul, vandoul, Excusez-moi. Euh, donc oui, c'est une quasi-certitude. Par contre, un système vandoul, bah non. Euh, peut-être que, ou alors peut-être qu'on aura un système vandoul qu'ils n'ont pas listé. Pour le teaser, entre guillemets, on pourra l'explorer, il sera hyper dangereux. Vous prendrez une grosse tâche Alors, ça, si vous y ça, allez. Ça, Mais, y euh, est... Normalement, non. Je, je, ben, je me demande si tu étais, ben, si étais là la dernière fois, je pense que je l'avais déjà raconté c'est que le portfolio dans le dernier magazine Jump Point, il euh, y avait un portfolio qui est consacré à la, à la faction qui occupe Levski, donc l'Alliance du Peuple, People's Alliance. Et, euh, là, okay. voilà. Et en fait, il y a un passage sur lequel, en fait, où. Apparemment le système Nix est en train de subir des petits raids Vanduul et que ça inquiète cette faction de People's Alliance et qu'ils sont en train de, de collaborer avec des gangs du système comme les Moraines pour essayer de repousser ces raids euh, le plus possible mais ils s'en inquiètent d'avoir une invasion à grande échelle quoi. Ouais, euh... Mais du coup, ouais. euh, là, t'as au moins l'explication lore juste pour justifier Parce... effectivement de croiser des vendoules de temps en temps. Parce que Nix est, euh, est lié à, avec un point de saut avec Virgil, euh, sachant que euh, aussi par contre, ce qu'ils ont dit, et ce ça, c'est intéressant. Je pense qu'ils préparent le terrain là-dessus, c'est que l'alliance du peuple, enfin les factions du système Nix, ne veulent pas l'intervention de l'UE. Parce que c'est un système qui n'est pas UE au passage. Hein. C'est un système qui est occupé par des humains, mais qui ne sont pas occupés par, pas, pas, pas par l'Empire. Et donc ils refusent l'assistance de l'UE. Ils ne veulent pas l'UE sur leurs pattes. Voilà. À mon avis, c'est parce que nous, nous aurons un certain rôle à jouer là-dedans. Bah <laughs> oui, du coup, ça oui. va générer des missions de protection, ça va. Mais en tout cas, voilà, normalement, les Vandoules, donc, on en croisera. Euh, ensuite, les Banu, il euh, n'y bah, a pas de système banou donc ça paraît compliqué. Euh, les Xian, petits temporaux, euh, on sait qu'ils ont pas mal bossé sur les vaisseaux Xian. Donc euh, pourquoi ils ont bossé sur les vaisseaux Xian, etc. Bah on ne sait pas. Mais du coup, potentiellement, on pourrait imaginer... Alors toujours pas de système Xian, il hein, ne faut pas rêver. Non, oui. Mais on peut imaginer au moins croiser des Xian. Et pourquoi pas avec des vaisseaux Mais... un peu inédits que nous on n'a pas. D'ailleurs, je possible. crois même que pour le jeu Squadron 42, bon, je l'ai déjà spoilé la semaine dernière, donc bon, voilà, hein, tant qu'à faire, il y a eu des mentions dans des rapports mensuels il y a 2-3 ans qui travaillaient sur le rigging d'un personnage Shian. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui, 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 totalement. Donc, euh... on sait qu'ils ont bossé. Alors, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'effectivement, comme justement c'était pour Squadron 42, on sait que euh, du coup ça donne des indices. Euh... Euh, sur le fait qu'il y a une intervention Xian pendant la campagne à un moment ou à un autre. Voilà. Et après, on peut juste spéculer, ils ont pas mal bossé dessus. Euh, ça serait assez étonnant que de temps en temps, on croise pas un vaisseau Xian bah, qui, qui se balade dans nos zones. Euh, ça, ça paraîtrait assez cohérent d'en croiser. Quoi. Mais tant qu'il y a pas de vrai système Xian, euh, voilà, ça paraît compliqué d'avoir un vrai développement Xian euh, qui va plus loin. Ouais. Je suis en train de voir. Euh... Euh... Alors, Cecily si, si, et Edari Darius, là, on est vraiment en train de parler, on ne spécule pas à long terme, on est vraiment en train de dire au moment de la release avec les cinq systèmes. Point. Après, normalement, si tout va bien, en espérant qu'il ne se pète pas un mur comme a pris euh, euh, Elite Dangerous, c'est un peu le risque, hein. Mais euh, en fait, ce qu'espère CIG, c'est que bah, l'argent continue à arriver comme. Euh, c est, c est, c est, voilà, que même post-release, ils arrivent à tenir le rythme qu'ils qu ont aujourd'hui, et du coup, qu'on aura des itérations après la release. C'est d'ailleurs quand même leur promesse à la base. Hein. À la base, euh, en, en gros, pareil, pour vous faire un petit retour euh, très vieux, à l'origine, euh, ils voulaient faire comme Elite Dangerous, c'est-à-dire sortir des modules, des modules très simples, qui interopèrent les uns avec les autres, et qui, du coup, ils pourraient sortir très vite et en fait Elite Dangerous a fait le choix de sortir très rapidement une release en espérant pouvoir sortir euh, des itérations euh, après et en fait euh, ils n'ont pas eu assez d'argent et pas eu assez de succès pour pouvoir financer les itérations et donc à partir de là en plus il y a eu des petits problèmes de sous-traitance euh, les vieux savent de quoi je parle mais c'est ça que je rentre plus dans le détail mais donc CIG a changé de fusil d'épaule a dit finalement les modules c'est une mauvaise idée et l'itération post-release c'est une mauvaise idée donc on va essayer de sortir une release y faut complète et donc là ils viennent pendant très longtemps pendant euh, six ans quasiment on est resté sur euh, même sept ans huit ans on est resté sur cette idée de ok on aura une release complète et peu d'éléments qui sortiront post release à part du contenu euh, voilà et là ils viennent de revenir en arrière en disant non non bon euh, il faut que le jeu il sorte donc finalement on revient à ce qu'on avait dit au début on va sortir une release un peu réduite et on vise des itérations derrière voilà et donc il euh, y a la release en 1.05 système, c'est à ça qu'on répond pour les aliens. Par contre, si euh, ils arrivent à faire des itérations, si, si, à terme, on est censé supposer avoir des systèmes Oxyane, des systèmes Banu, des systèmes Vandoule, et donc des, de, de voir des aliens. Quoi. Le, le, le... La 1.0 n'est pas la fin de Star Citizen. Ouais. ouais, totalement. Bon, après. <laughs> Alors, si, ça pourrait l'être en ça cas d'échec. Être... Oui, aussi, oui. Voilà, euh, comme, euh, comme un Elite Dangerous a euh, bouffé le bouillon parce que parce qu'ils n'ont pas eu euh, ils ont pas eu le succès escompté. Après, je crois qu'ils s'assagissent un peu parce que même, je crois d'ailleurs, ils n'ont pas annoncé récemment qu'on pourrait aussi commencer à installer des bases dans Elite Dangerous dans l'avenir. J'ai cru voir passer cette news là. Ouais, bah, euh, un, peu après, Elite Dangerous... un peu après Star Citizen, la CitizenCon, oui, oui. je crois qu'Elite oui. Dangerous, bah, ils ont dans... aussi emboîté euh, Et... le pas un petit peu sur ça, hein. Ouais, mais Elite Dangerous, en fait, euh, même s'ils ont bu le bouillon dans la mesure où ils espéraient vraiment pouvoir sortir des itérations rapides avec un studio, euh, c'était vraiment un concurrent de Star Citizen à l'époque. Hein. Euh, C'est pas pour autant que le développement est fini, il continue, il y a toujours un studio, il bossent toujours dessus, voilà. Ils bouffent le bouillon parce que. Euh, parce que il, bah il... Ils n'ont pas pu tenir les promesses qu'ils avaient parce que, parce que le succès n'a pas été au rendez-vous. Ouais. Et, et là, du coup, CIG, euh, j'en avais longuement discuté quand on avait fait la, euh, tu sais, la, la revue après euh, la CitizenCon. Euh, il va y avoir vraiment stratégiquement un changement de paradigme à faire du côté de CIG et il va falloir qu'ils arrivent à faire le virage. Ouais. C'est ça qui m'inquiète, mais en même temps. Jusque-là, ils y sont parfaitement arrivés. Au fond, il faut juste qu'ils arrivent à continuer à obtenir des fonds comme ils le font aujourd'hui, post-release. C'est tout. Je... S'ils y arrivent, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas des itérations régulières. Ça fait un petit moment que je l'ai affiché. J'ai retrouvé quelques références, justement, de ces fameux corps ou rigging de personnages chiens dans, dans Squadron. Euh, la mention la plus ancienne que j'ai pu trouver, c'est le rapport mensuel de décembre 2020, septembre 2020. Donc, il disait ceci, c'était le character art. Des progrès importants ont, ont également été réalisés sur les personnages extraterrestres. Euh, le corps chian corps, corps est en phase finale et est presque prêt à être rigué. Euh, L'équipe est actuellement en train de, 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 de riguer un armure vandôle. Bon, après, c'est sur l'armure vandôle, etc. Donc, euh, ça, donc, ils ont d'abord bossé, a priori, sur un modèle 3D, je suppose, d'un corps chian standard, à mon avis, tout comme les personnages. Euh, voilà. Donc, euh, sachant que quand on parle de rigging, tu me dis, euh, Isosama, si je tombe juste ou pas, c'est tout simplement de, de faire en sorte que le, le corps puisse bouger de façon logique euh, avec des jointures là où on imagine qu'il y a. Ouais, joueurs... En gros, c'est créer le squelette d'animation. Faire ça. en sorte que je, tu puisses bouger le bras, ce genre de choses. Voilà. En, en fait, vous commencez par modéliser un bras. Et le bras, euh, du coup, c'est un solide mort. Quoi. Donc si vous le prenez, euh, bah, vous le manipulez bêtement et vous ne pouvez rien en faire. Et donc le rigging, bah, c'est dire, ok, donc là, je vais mettre un petit trait dans la phalange, un autre trait dans la phalange. Et entre les deux, du coup, je mets un axe rotulé mono-axe pour tourner sur ce truc-là, alors que par contre, du coup, à l'extrémité de la phalange, donc sur mon doigt, bah là, je mets une rotule à deux axes, je peux faire ce mouvement-là et ce mouvement-là, et, et puis je peux définir les amplitudes maximum, et je remonte comme ça, tac, 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 et une fois qu'on a tout le squelette, et bah, du coup, ça fait que le bras, ensuite, vous pouvez le manipuler. Et après, bah, vous pouvez y lier euh, des règles physiques pour faire en sorte que, bah, par exemple, le doigt, euh, il ne puisse pas aller en sens inverse, qu'il oh. euh, va pas rentrer dans la peau ce genre de truc mais déjà le rigging c'est juste créer le squelette d'animation qui ensuite va permettre de faire de la motion capture euh, faire de la cinématique etc, etc. L'autre la référence que j'ai trouvé donc ça c'est janvier 2021 un autre rapport mensuel. Donc là, c'est la tech animation qui a pris le relais pour commencer le rigging justement du, du corps chien, du modèle qu'ils ont fait. Donc l'équipe d'animation technique a commencé l'année avec les rigs du corps et du visage du personnage chien et explore actuellement le langage, les mouvements du corps et le placement des articulations de l'espèce extraterrestre. Des tests de skinning ont, ont éga sont également en cours afin d'assurer la meilleure base possible pour les rigs d'animation. Donc là, c'est ce que Nitsosama vient de décrire. Donc c'est de... D'essayer de, de trouver un, une animation cohérente pour que, bon, ben on a l'impression que le corps bouge de façon euh, réaliste, entre guillemets, enfin, euh, euh, crédible, on va dire ça comme ça. Donc, ça, c'était en 2021. La dernière euh, référence que j'ai vue, bon, c'est très, très, euh, ah oui. très, très court, ah bon c'était l'équipe animation. Ils ont également testé, donc, ça, c'était mai 2021, ils ont également testé un rig pour la race extraterrestre Xian, corps et visage. Et ont prise en charge plusieurs scènes de, de l'histoire du jeu. Bon après, je passe si les deux ont Donc c'est une, mais... une certitude absolue qu'on aura dans À un moment, on va croiser Dexian dans en Squadron 42. Voilà. C'est ça. C'est euh, donc euh... donc voilà. Sachant qu'on avait même discuté la dernière fois où il y a celle d'avant que qu éventuellement on pouvait éventuellement voir un corps Chiana qui flottait dans l'espace euh, dans la. Dans le trailer, euh, enfin dans la démo, à la toute fin de Pardon. la démo euh, de cette année de Squadron. Oui, c'est vrai, ça oui. ouais. parle. Alors, Nosferatu sur le YouTube, il parle de Starliner et de drone de récupération depuis quelques minutes. Je pense, Nosferatu, que tu es en train de. Bah non, mais le problème, c'est que si je dis là comme ça, ça sert à rien. Je pense qu'il est en train de regarder le truc en retard sur YouTube. <laughs> enfin bref. Euh, Tévarin es, et Banu. pour le moment, il n'y a aucun, aucune mention de quelconque travail que ce non, soit pour, euh, non. pour ça. Euh, le Banu, si, on sait quand même qu'ils ont travaillé, euh, mais c'est un peu sur les aspects lore, quoi. Quand, quand ils ont commencé à travailler sur le design euh, des ont... premiers vaisseaux, euh, ils ont commencé à travailler aussi sur des aspects un peu holistiques, sont... on va dire, de la race Banu au sens large. Et ils ont modélisé un visage, en tout cas, pour euh, le trailer, le, le court métrage du Mercury. Mais dans une question de stase, mais bon, ça s'arrête là quoi, c'était pas plus que ça. Ouais, donc euh, pour l'instant, euh, honnêtement, euh, on peut partir sur au moment de la release. Euh, les, euh, les Banu, euh, c'est très peu probable. Les Tevarin, c'est très peu probable. Les Xian, euh, ça paraîtrait logique que assez rapidement, au minimum, on puisse en croiser de temps en temps dans les systèmes où on est mais juste en croiser, ça ne va pas plus loin, et c'est déjà une spéculation en soi, et les vandoules c'est une quasi-certitude qu'on va en croiser au moins dans certains des systèmes, des cinq mmh. systèmes, en tant qu'adversaire mmh. euh, mmh. euh, mmh. qu euh, pour des missions, pour euh, tout ce qu'on veut. Quoi. Voilà. voilà. Vu que c'est la dernière question et que nous écoute religieusement sans dire un mot depuis plusieurs <rire> minutes, <rire> je te redonne enfin la parole si tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette histoire de... Bah, un euh, non, 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 rien le tour euh... donc dans tous les cas ouais je pense qu'on en croisera euh... je pense pas que ça va arriver tout de suite mais avant la 1.0 je pense que c'est possible sachant qu'en fait on n'a pas de on n'a pas de date de quand la 1.0 va venir donc ça peut être euh, dans euh... est-ce que je suis même comme beaucoup plus je suis même pas sûr que si elle dit elle la date exacte non plus eux hein, même en termes de mois voilà, ou de donc, année, plus, hein, donc moi je pense que ça peut être possible même si c'est qu'en toute petite quantité personnellement déjà je pense que si ce personnage chien est bien au final dans le produit final de Squadron parce que ça peut être scrappé aussi hein, c'est pas impossible hein, même ce serait dommage mais bon ça, ça peut arriver hein, des trucs qui ont été développés même jusqu'à un certain avancement et qu'au final paf bon, au final ça n'entre ne, pas ça a été coté c'est comme dans les films hein, il y a des scènes vous en trouverez toujours des anecdotes comme ça de tous les jeux quasiment hein, donc euh, voilà par contre, bah, c'est même pas que les jeux, contre... hein, tout oui. développement, tout. Euh... Par contre, si. Euh, si donc bien, il y a bien une mission ou plusieurs missions qui impliquent de rencontrer un personnage chihan euh, avec ses animations, etc., ça ne m'étonnerait pas qu'ils veulent que ce soit Squadron qui dévoile l'archétype du personnage Xi'an, en fait, avec un, au moins un personnage dans le jeu. Euh, et que ensuite, une fois que la. la le... La surprise, si je puis dire, enfin, le, voilà, une fois que ce sera fait avec Squadron, peut-être que là, ils vont commencer à faire une production pour Star Citizen, pour que ce rigging soit utilisé pour des personnages chiens, mais plus standards, qui se baladeraient euh, soit du côté de Castra, vu que c'est limitrophe à un système chian, etc. Mmh. Voilà. C'est pas faux. <laughs> Qu'est-ce que t'as pas compris <laughs> Absolument tout. J'écoutais pas. <laughs> <Quelqu 'un rire> bon, il est 21h05. Je pense qu'il est plutôt temps d'aller de... bouffer. D'aller bouffer, oui. Et de véritablement... <laughs> voilà, voilà. Hein hein On va manger un petit peu. Exactement. Parce que bon, là, je... euh, le chat qui... qui boit nos paroles à ne plus savoir quoi en faire, n'est-ce pas hein C'est bien sympa de boire, mais il faut manger des fois. Euh... exactement, exactement. Et on est quand même toujours 130 hein. toujours toujours et oui oui bah je crois d'ailleurs qu'avec les raids de de, de de l66 et de cyclone au début euh, voilà je, voilà on avait on était quand même monté un à un total en tout de Twitch YouTube de de 130 140 150 donc euh, bah encore une fois merci beaucoup d'avoir été encore une fois d'être venu aussi nombreux et nombreux à nous écouter à nous regarder euh, voilà répondre a autant de questions qu'on le peut, <laughs> n'est-ce pas, euh, par rapport, euh, voilà, à ce, ce, ce projet Star Citizen, voilà qui, ah, qui, nous, qui nous, aura tenus, même, si même si ça devait s'arrêter demain, nous aura tenus en naine pendant de bonnes périodes de notre vie. Ah, c'est clair, c'est Voilà, espérons que ça débouche sur un truc intéressant. Hein. Euh, donc, merci beaucoup, Qness. De merci nous avoir à accompagné. De son... euh... enfin, merci pour ton invitation de mes Mais de rien, de rien. Euh, je vais te partager ta chaîne Twitch quand même, hein. C'est la moindre des merci, choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous ne la connaissez pas encore merci, donc que euh, Quness donc euh, qui est une streameuse Twitch. Oui, c'est ça. Principalement, c'est ça ton activité, Non, hein. oui, Twitch, mmh. c'est ça. C'est ça. Désolé. Euh, et et quelquefois aussi cosplayeuse. <laughs> si. voilà. ça vous a marqué ça <laughs> ah bah, disons que bah en plus t'étais la seule je crois cosplayée parce que tu venais de la pgw euh, quand t'es oui à je venais de la pgw au barcelone donc oui j'étais cosplayée exactement et je n'ai plus <laughs> je son nom je n'ai plus son nom mais t'étais étais, euh, cosplayée voilà, avec le, le personnage non, de lucie cyberpunk euh... runner, mmh. runner. c'était c'est quoi le nom de ce, du perso déjà lucie Lucie, voilà c'est ça. Elle était cosplay en Lucie. Euh, donc euh, voilà, donc n'hésitez pas. Donc euh, twitchtv Well. Euh, donc euh, voilà pour euh, pour euh, donc le bah pour sa chaîne Twitch voilà. Je, je, je sais pas pourquoi je ah je suis fatigué. Donc euh, <rire> <rire> euh, on va quand même on va quand même user de notre dernière, de notre dernière énergie pour trouver à quelqu'un sur qui Raidé. Eh ben il y a du monde. Il hein. y l'effet 4.0, on le sent quand même. Il <laughs> y, du... y a le choix. Euh... alors ouais. <laughs> <À tester. rire> Alors, qu'est-ce qu'on a On a Honest et euh, Citizen, euh, LFOX66Brise. Euh, The Steven 36 euh, Rimont TV. Bon, à un moment faut qu'on fasse un choix, hein, donc ça après, pas vraiment. Euh... Pas faux. Okay, quest ça pas compris <laughs> Je vais arrêter. Donc, Rimont TV, je pense pas qu'on l'ait raidé une seule fois, lui, non Donc je pense qu'on va, on va jeter notre dévolu sur lui. Voilà, je vais pas chercher plus que ça. C'est, il faut à un moment donné. Hein. Il y a un heureux ou une heureuse élu, et après bon bah tant pis. Donc euh, voilà, donc, euh, ce sera donc pour Rimont TV. Donc il y a 697 followers. Euh, Gamer depuis les années 90 sur Master System et Mega Drive, mes premières consoles. Donc il a un petit peu de la génération de... Si on devait placer ça, de de Fred, de JDG. C'était un peu ça je crois, les Master System Mega Drive. Ouais, alors après, c'est pas qu'une question de ouais, génération, ouais. Que je suis de la même génération, mais moi j'ai pas touché. Moi, tu vois, je suis né avec un PC dans les bras, tu vois. D'accord. Voilà. Moi aussi, euh, ouais. j'avais un PC dès euh, 1990, et du coup, console, à part la Game Boy, j'ai pas connu. Donc, en, en, en gros, en fait, t'as commencé à, à apprendre à faire du violon dès, dès l'âge de 5 ans, c'est ça <laughs> Exactement voilà, Tout de suite la musique classique n'est-ce pas J'ai commencé très très tôt aussi. Non alors du coup en, en termes de geek La vérité c'est moi j'ai commencé à une époque Où Windows n'existait pas et où du coup Il fallait tout manipuler sous MS-DOS Ah Bon, j'ai quand même un petit peu plus tard. Alors... le plus drôle le plus drôle c'est que pourtant j'étais bercé une partie de ma vie à ça mais aujourd'hui tu me mets devant linux en me disant vas-y tape du... des lignes de code et je fais oh non, euh, merde <laughs> affiché, euh, en vrai, je rien, de ça fait chier je se... comprends rien c'est de couille ça c'est une habitude quand tu t'y remets un petit peu ça revient tout seul ouais ah, voilà euh... Oh, parce que j'ai fait un petit peu de code, là tu me demandes de coder, je vais être perdu. Mais après si tu me redemandes un petit peu de naviguer, je refais quelques petites lignes et ça repassera tout Exactement. seul. Euh, toi, qui nais donc toi aussi t'étais directement dans le PC, toi, dans le monde du PC. Euh, oui, moi j'ai je suis née avec un PC dans les mains. De base c'est ma maman et mon père et euh, mon père qui était gamer, donc j'ai joué forcément. aussi. Ah, ouais. ah des parents ma gamers, maman, oh la chance. Ouais, c'est ça. <laughs> et du coup j'ai la... eu un PC très très tôt et en ma première console c'est une PS2. Du coup. D'accord. Attends. Euh... Tu veux vraiment le plus drôle. Donc moi j'avais une Game Boy, ok, mais ouais. ça compte pas vraiment. Ma première console, c'est une PS3 et ouais. je l'ai acheté <coughs> il y a un petit peu avant d'acheter ma maison, donc il y a globalement 9 ans, donc j'avais plus de 30 ans. Donc c'était ouais. allé. Après, moi, franchement, j'ai très très peu joué aux consoles, ça a vraiment été PC direct. C'était quoi tes premiers jeux avec quoi. quel <laughs> jeu que tu as commencé ta bah, euh... période PC euh, bah, je sais qu'il y avait World of Warcraft, du coup c'est ah. le premier MMO. Moi, je me baladais, je me baladais partout. Après, sinon, euh, ouais, j'ai commencé beaucoup en fait, avec des MMO à l'époque. Ouais, déjà dès le ouais, départ, ouais. évidemment Là, et il y, 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 ouais, euh... y avait les sources 2 à l'époque sur le PC à ah. ma mère. Ah. <laughs> Gu Guild Wars <laughs> Euh, non même pas non non ah, même pas ah Gilouard 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 bordel <laughs> ouais non, non, non c'est vrai que bah, j'ai fait en fait j'ai fait World of Warcraft après j'ai fait des mmo qui sont beaucoup euh, typés euh... Euh, Asie et tout en fait d'accord donc et de... euh, Sao par exemple c'est ça Soit... euh, alors alors en fait j'ai fait des... alors j'ai fait Terra qui est de, 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 de l'autre côté après sinon c'était d'autres vraiment mmo euh... Enfin, si je veux dire le nom, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse donc. Euh... Ok. Ah oui. <laughs> donc, bon. Je eu, en ce qui concerne les mémos euh, japonais, coréens ou même chinois par exemple, ouais. bah, moi c'est FF14 et SAO à la limite, ça se limite à ça. Ah oui, bon. euh, bonne question. Ouais, ouais, non, moi je ne pas je... joué à cela. Ouais. Je valide la question d'Amanda Ange. Du coup, est-ce que tu as joué des jeux de Chris Roberts comme euh, bah, Freelancer, Wing Commander euh... C'est pas. Ouais. Non, okay. non, c'est c'était mon premier Donc jeu tu l'as découvert euh, okay. euh, non, non, ouais c'est ça, ça. Mais je... et oui parce que Chris Roberts il a sorti des jeux c'est ouais, dingue je... hein <laughs> il en a sorti on sait. et qui ne sont pas Line of Defense <rire> <rire> dingue, hein et il a fallu que tu le ramènes ça <laughs> allez hop ah bah évidemment Attends, euh... tu m'as tendu une sacrée perche avoue mmh. que dans ta tête tu pensais fort ah là là euh, non même pas justement même pas euh... oh, ah bon il y a ce sur, sur le chat ah oui Dark Age of Camelot c'est aussi c'est coréen à la base Ouais. Ah oui. Après, Dark Age of c'est les années ça. 90. Hein, c'est les MMO des années 90. Ça. Ouais. C'était ouais, vraiment. Parce le... Que ça, le, le vrai premier jeu que j'ai vraiment, vraiment joué, c'est euh... <laughs> League of Legends. Du coup, je suis pas sûre que ça soit la meilleure référence, mais c'est oh. le vrai premier jeu que j'ai joué. C'est un... Voilà. Un, un jeu en plus qui est toujours actif, très. Oui, toujours, toujours actif. Là, hein, ouais, donc, euh, avec une scène e-sport, euh, voilà, hein, qui est toujours là. Hein. Euh, c'est assez conséquente, ouais. Et attends. Il a surclassé Overwatch, hein, parce qu'Overwatch c'est maintenant aujourd'hui. Enfin bref. Il <laughs> bah, y en a un qui a une série sur Netflix, puis pas l'autre. quoi. Ouais, c'est ça. On va ça pour... Voilà. <rire> euh... <rire> bon, allez, on n'est pas là pour Vacher euh, Blizzard ou quoi que ce soit. Hein. Euh... Non, pas qu'il ne mérite pas, mais bon, voilà. C'était va... un petit peu des balles perdues, comme ça, on va. On va, voilà, voilà. On a bien parlé de la 9 Defense, donc on a bien parlé d'Overwatch. rien à voir, aucun rapport, mais bon, c'est bon. C'est pas grave. Ouais, quand même. même si euh, Blizzard est critiquable, je pense que là, il y a quand même des limites. Ouais, ouais. <laughs> Allez, euh, je vais également aussi, parce que le temps que j'y pense, également remercier les followers, donc depuis notre dernière émission et aujourd'hui. Donc merci à... Il n'y en a pas tant que ça, donc ça va pas être trop long. Si euh, et faire, donc il y a 11 jours, le louche il y a 6 jours... Euh, le premier follower a priori de ce soir, donc avec Karigan Ankou. Euh, voilà. petit, petit... ouais, en coup, ouais, Petit Pimous, Dinox 17, Hendrix 100, nice D, Liua, ouais. Mimi Corse 2B, Silk 000 et Mavriki euh, 6LM. Euh, merci à Cyclone, donc encore une fois, Ziltoid ainsi qu'à L66. Pour euh, leurs raids respectifs, donc respectivement de 29, 8 et 40 spectateurs. Donc euh, merci à vous trois donc pour les raids. Euh, et merci Kyoness qui nous a fait une dédicace euh, il y a 8 minutes, Voilà, d'après le, le fil d'actualité. Oui. Je fais un dernier petit refresh pour savoir s'il n'y avait pas de nouvelles personnes qui ont. Non, a priori c'est bon pour le moment. Donc merci à vous toutes et à tous. Euh, je vous spam notre Discord. Est-ce que ça marche oui, en tout cas, ça marche sur. Euh... Pour répondre à la question de Amanda, je ne connais pas Sandy Gardner. C'est euh, bah, c'est la femme de Chris Roberts. Bah, elle s'appelle Sandy Roberts maintenant. Tu viens tellement oh, de perdre bien, je... des points de... de de fan de fanboy, enfin fan girl du coup <laughs> euh, pigeon. Là euh, franchement. Bah, et euh... moi j'ai toujours dit que j'étais perdu sur le jeu honnêtement. Alors bon. Euh... <laughs> Mais non, je veux dire. Tout tout, tout tout backer a normalement un petit hôtel dédié euh, au couple <laughs> Robert. Oui. Euh, as pas, as oh, pas pas, si Edith t'as pas envoyé un si un petit un petit hôtel avec des cierges à mettre dessus non Kunes euh, ouais, <laughs> Tout le monde en a un. Alors, il bon, Sama, il en a non, un. Moi non, aussi j'en ai exactement. un. Exactement. Là il est à côté bon, là exactement. dans l'autre coin de ma de, du séjour je l'ai <laughs> aussi. Hein. <laughs> mais voilà mais tout ça pour dire que bien évidemment avant, notre notre point de de, de ralliement bien évidemment. Voilà. Ça, c'est notre cri. Exactement. Voilà. voilà. Il y en a, c'est « Nous sommes les Spartiates. Ahou, ah, bah nous, c'est les pigeons. » Donc... Euh... <laughs> voilà. Allez. Assez déconné. Je vais lancer le raid. Euh, il est vraiment temps de... d'abattre les rideaux. Euh, donc, euh, voilà. Donc, encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous. Euh... Je ne sais pas si on va faire une FAQ la semaine prochaine, parce qu'il y a encore euh, des questions d'il y a deux semaines qui sont... Encore en attente d'être répondu, donc c'est un peu voilà. les pauvres. Voilà. Bon, en quel cas si c'est la semaine prochaine, on en refait. Bon, ce sera sûrement a priori moi qui va à nouveau m'y coller parce que je... peut-être que Stalker n'aura pas terminé sa formation. Euh, donc d'ici là, on verra bien. Euh, donc euh, voilà. Peut-être ce week, le week-end prochain ou peut-être le week-end d'après. Nous, nous verrons bien. Et euh, bah et donc bah, au plaisir. Euh de nous y recroiser si tu es disponible n'hésite ben, pas la porte est grande Et ouverte le... alors euh, la semaine prochaine je peux pas parce que je suis à un événement caritatif mais la semaine d'après avec très grand plaisir eh bah écoute très bien je euh, que... pas... ouais, je pourrais peut-être vous rejoindre mais comme euh... tu le sens comme tu c'est pas une obligation bon, non plus hein, c'est voilà oui, oui, non, <laughs> vous en faites pas je pourrais peut-être rejoindre vers la fin yes en tout cas voilà Ciao tout le monde comme euh, voilà je vais reprendre ce que disait Kiro euh, un ancien présentateur sur notre chaîne euh, dans l'époque des, des trad live euh, qui faisait une qui avait cité je crois un présentateur Alors, là, de vois, télé quand, Attends quand attends la attends, attends. Joke, attends, attends, attends obligé de l'expliquer oui, parce oui, oui, qu'il n'y a oui, plus personne oui. qui l'a. Voilà. Donc faites pas les fous faites pas les folles prenez soin du rock and roll à très bientôt tout le monde à la prochaine ciao ciao bisous, Allez, bisous Bye bye, tout bye, tout le monde. bye. bisous, bisous.